Le Parc des Princes, les amis. C'est l'heure de vivre ensemble une nouvelle belle soirée de football avec le PSG et l'AC Ajaccio. Deux clubs, deux ambiances, deux batailles. La conquête du titre et la bataille pour le maintien. Paris veut en finir. Paris veut enfin refermer cet exercice 22-23 avec un 11e titre de champion. Oui, mais voilà, Lens colle au Basque. Les sangs et or se sont imposés hier 2-1 face à Reims pour rester à 3 points de Paris. La menace est toujours là. Le moindre faux pas est ainsi interdit pour les joueurs de Christophe Galtier. Et attention, car en face, Ajaccio est dans une situation encore plus limite. Si les Corses ne gagnent pas ce soir ici au Parc, ils seront officiellement relégués en Ligue 2. J'espère que vous êtes prêts. 35e épisode de votre feuilleton Free Ligue 1. C'est parti. Il est 19h45, les amis. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver donc ici au Parc des Princes pour ce PSG ACA avec monsieur Jus Palmieri. Bon, Jus, comment ça va? Très bien, moi, Alex. Très, très bien. Toujours. Cette cravate là? Elle est belle ou pas? Ce petit bleu, impeccable. Voilà. Je me suis habillé, je me suis mis sur mon 31. 35e journée du championnat de France de la Ligue 1 Uber Eats. Les matchs démarrés, vous le savez, hier, avec notamment la victoire du Racing Club de Lens, qui fait qu'aujourd'hui, ce contexte est encore un peu plus particulier. On va y revenir. C'est deux batailles ce soir. Donc, on vient de le dire, Jus, avec cette bataille pour le titre, cette dernière ligne droite pour Paris, mais qui semble tellement difficile. Et ce calendrier qui tombe sur Ajaccio, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas d'autre issue possible que la victoire. Non, ben là, il n'y a pas. Dans les deux cas, pour les deux équipes, il faut gagner à tout prix. Bon, pas pour les mêmes raisons, malheureusement. Donc, on espère voir un match ouvert. On va attendre ce grand rendez-vous avec beaucoup, beaucoup d'attentes. On va inviter monsieur Olivier Pantaloni, le coach de la CA, qui nous fait l'amitié d'être à nos côtés. Olivier, bonsoir. Merci d'être avec nous. Au milieu, impeccable. Merci, Olivier. Merci d'être avec nous. Bon, je sais que c'est jamais un rendez-vous facile, parce que quand on coche ce calendrier et qu'on vient au Parc et qu'il y a un match si décisif à jouer pour l'ACA, comment on appréhende ça, Olivier? Seule la victoire compte. Si décisif, je ne sais rêver. Pas s'il est plus décisif pour nous que pour le PSG. Ça c'est vrai. Comment on l'appréhende? Moi, j'ai demandé aux joueurs de le vivre pleinement. C'est-à-dire que c'est peut-être dans notre malheur de la descente. Je pense que jouer Paris, Rennes, Lens et Marseille, c'est peut-être une chance pour nous sur cette fin de saison, pour rester mobilisés, pour avoir des joueurs impliqués aux entraînements. Et je sais que y en a beaucoup qui, parmi nous, n'auront plus l'occasion de pouvoir jouer ce genre de match, d'affronter ce genre d'équipe. Pour les jeunes, je leur souhaite, bien entendu, dans leur carrière de... Là, on parle des vieux lascars de l'équipe. Eh oui, forcément. Et j'en fais partie. Donc, il faut vivre le match pleinement, essayer de se faire plaisir. On sait que ça sera très difficile, mais essayer de contrarier un petit peu leur jeu et puis tenter des coups de temps en temps si on a l'opportunité. J'ai eu. Coach, dans la saison, quand on regarde un peu le rétro, est-ce que par moment vous avez des regrets ou des choses où vous dites bon, on aurait pu faire... Non, le gros regret que l'on a, parce qu'on a fait un petit peu le point sur ce qui s'est passé, sur le déroulement de la saison, je pense que c'est l'après Coupe du Monde qui a été complètement loupée chez nous. Alors on peut l'expliquer par diverses raisons, hein. Peut-être que la préparation à ce moment-là n'a pas été au top. C'est vrai qu'on a accusé beaucoup de blessés à ce moment-là. Alors qu'on sortait avant la Coupe du Monde d'une série de matchs intéressants, on avait retrouvé de la confiance, on avait retrouvé aussi nos joueurs de talent sur le terrain. Et derrière ça, quand on les a perdus, c'est vrai que c'est devenu beaucoup plus compliqué. Et voilà, le regret, c'est peut-être cette préparation physique, cette préparation après Coupe du Monde qui a été peut-être loupée. C'était une saison inédite, on ne savait pas comment l'aborder. C'était notre première saison de Ligue 1 depuis fort longtemps. Et je pense que ce passage-là a été très compliqué pour nous. Je regardais, Olivier, les chiffres de l'ACA cette saison, effectivement, notamment sur le nombre de buts marqués. Ouais. On est là pour voir du spectacle. 22 buts seulement, ça veut dire que moins que Kylian Mbappé seul, qui en a marqué 24. Est-ce que le principal chantier, le principal manque, il aura été là? Oui.
Et il est évident, mais vous savez, quand on a nos principales recrues, bon, on a eu Youssef qui nous a fait du bien quand il est arrivé sur les premiers matchs. Et le c'est meilleur lui, buteur avec 6 buts. C'est lui le meilleur buteur, qui à son arrivée coïncide avec nos bons résultats à ce moment-là. Après, on a été privé de Romain Amouma, on a été privé de Yann Tousgar. Donc ce sont nos recrues de la saison. Après, avec les moyens que l'on a, ce sont nos recrues, mais on a joué quasiment toute la saison avec une attaque composée d'éléments de la saison passée, voire même certaines fois avec les remplacés de la saison passée. Donc forcément, ça nous a compliqué la tâche grandement. Ouais. C'est quoi le travail maintenant de la CA, du coup, coach, parce que Jules était cette semaine du côté de l'île de Beauté, il a échangé avec Yo Cavalli et toute la structure de la CA. Ça va être quoi maintenant ce travail-là? Comment on travaille ça? Il est très important pour nous, c'est-à-dire tirer les enseignements déjà de cette saison et puis se replonger immédiatement dans la saison Ligue 2 de la saison prochaine. On la connaît très bien, sauf que aujourd'hui, il y a quand même une grosse évolution avec des clubs de renommée qui vont retomber. Certains qui n'auront pas réussi à retrouver la Ligue 1 cette année. Donc ça va être un groupe très relevé la saison prochaine et voilà, notre intersaison va être capitale. Je regardais le 11 de départ. Coach, je me permets. Bien sûr. Un peu. Ça, c'est le 11 qui avait été présenté ce matin dans l'équipe, le quotidien de l'équipe. On va le voir avec nos équipes techniques qui vont le présenter. Il y avait plusieurs incertitudes, parce que je regardais également le Parisien aujourd'hui en France, oui, qui hésitait sur le poste de gardien. Qu'est-ce qu'on fait dans les buts? C'est le jeune Solacaro. Ah, Solacaro titulaire. Qui va faire les 5 derniers matchs, oui. Solacaro fait les 5 derniers matchs. Ok. Ouais. Charnière centrale, Vidal avec Avinel ou Mayembo? Avec Avinel. Avec Avinel, ok. Vidal, Avinel. Diallo à gauche. Oui. Youssouf à droite. Oui. Mangani, Koutader. Oui. Marchetti, oui. El Idrissi, non, en pointe devant, c'est okay. Spadanoud sur le côté gauche et Barreto sur le côté droit et Barreto, voilà, comme voilà. Ça c'est clair, voilà. Comment... et vous voyez que sur cette composition d'équipe il y a Thomas Mangani qui nous a rejoint cette année, sinon c'est ouais. L'équipe de la saison passée, c'est vrai, il y a du trentenaire, hein. Oui. C'est ce qu'on disait. On a rajeuni considérablement le banc, hein. Dernière question, coach, si je dis 8 ans 6 mois et 7 jours 8 ans, 6 mois et 7 jours. 8 ans, 6 mois et 7 jours. Je pense que c'est le 1 partout, moi. Non. Non, je vois pas. La longévité du coach. Ah, putain, c'est énorme. Qui est le number one? C'est monsieur Olivier. Ah, dans le même club. Dans le même club, oui. C'est monsieur Olivier. 8 ans, 6 mois et 7 jours aujourd'hui. Ouais, j'avais quelques années auparavant. Il y a eu l'intermède de 2 tours, mais c'est vrai que depuis 2014, ouais. C'est ça, oui. Ouais. Bah ouais, quand même. On s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte, mais le chiffre est là. Non, je dis ça m'intéresse parce que ça m'intéresse également de souligner une dernière fois le travail de la CA. On est dans des saisons maintenant où, comme un Kleenex, on prend, on jette. 10 changements de coach en Ligue 1 cette année. OK? On est en train de monter. On voit ce qui se passe à l'étranger, oui. En première ligue et compagnie. Ça monte. C'est des curseurs qui montent. Vous, Olivier, on est là, on est en place. C'est quoi demain? Ben 2 ans de contrat encore. On est là, on est en place. Donc je dirais 10 ans, 6 mois. C'est ça? Voilà. Magnifique. Merci Olivier d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bon match. Ça va. Et à tout à l'heure. Merci infiniment. Merci. Et bon travail. Merci, à tout à l'heure. Merci à la CA qui nous a... Ouais, je tenais à souligner ça parce que c'est pas rien. Monsieur Rio, comment ça va? Bien. Ça va? Ça va très bien. Salut. Ça va, Rio? Très bien, top. Bien arrivé, ouais. Le train, la moto. Taxi-moto. Le match, ça a donné quoi? Le match, on a fait un partout. Bon, donc ça passe. Ça passe. Ça va. T'as eu le temps de mettre la petite veste, tout est là, exactement. Tout est propre, le petit parfum, tout est là. Bon, cette soirée impeccable avec le coach Olivier Pantaloni. On parlait de la difficulté avec Jules de jouer ce dernier match, ce calendrier, parce qu'il n'y a pas d'autre issue que la victoire pour la CA, sinon c'est direction la Ligue 2. Mais il n'y a pas d'autre issue également pour Paris, parce que si écart de conduite, les Lensois vont chicoter derrière, dire attention les papas, il reste encore un peu de schéma. C'est un match qui finalement a son intérêt, ça. Hein. Ouais, je pense que c'est un match qui est très intéressant, plus qu'on ne le pensait, surtout au vu de la journée, la fin du championnat. Finalement, pour les deux équipes, il y a de l'enjeu. Alors on peut croire qu'Ajaccio a lâché, mais non, Ajaccio va rien lâcher, va y croire jusqu'au bout. Et je pense qu'ils sont capables de venir faire un résultat ici. Mais Paris, ils ont la pression des Lensois qui sont derrière, qui chicotent, j'aime bien le terme, qui seront prêts en tout cas à chicoter s'il ne faut pas du PSG. Et voilà, j'espère que ça va être un match ouvert et qu'on aura beaucoup de buts en tout cas. On va lancer les débats, mais juste avant, je voulais vous montrer une image, bien évidemment. C'est un visage qui nous aura frappé cette semaine. C'est celui d'Arman Soldin. Les garçons, 32 ans, confrère, et qui était, vous le savez, en train de couvrir le conflit ukrainien.
ukrainien. Je tenais absolument à ce qu'on salue sa mémoire et que nous présentions nos condoléances à l'ensemble de sa famille. Regardez ce visage, la rieur à gauche, 32 ans. Ouais. Il a partagé également les couleurs de nos confrères de Canal. Il était là pour l'agence France Presse. C'est un footballon. Regardez-le. C'est un natif de Sarajevo. Il a porté les couleurs rennaises où il a grandi. Je regardais, il était avec les U13, les U15 de 2006 à 2008. Je voulais vraiment que à la fois les équipes de production de Wall ici, les équipes de Free League 1 et de Fair Play, nous présentions avec insistance nos condoléances à la famille et qu'on salue la mémoire de ce de ce bonhomme qui adorait le ballon avec ce sourire et qui était là pour nous informer au jour le jour dans des situations bien particulières. Je peux vous dire que nous, notre situation de confort aujourd'hui ici, on est bien loin là de ce que couvre ce type de confrères. Arman Soldin, cette émission, elle est pour toi et on a une riche pensée pour toute cette famille. Aurore Thibault est évidemment avec nous, avec toute l'équipe de Wall du côté de la régie. Bonsoir à toi, hermanita. Bonsoir Alex, bonsoir Jules, bonsoir Rio. C'est difficile hein, d'enchaîner après ça, mais on n'est rien sur terre et la vie doit continuer et que ce sourire reste gravé pour longtemps dans nos mémoires. Exactement, le message est parfaitement passé. Et ce contexte, ces sourires, si on peut avoir cette transition, du coup, Matibol, tu vas m'en montrer plein à foison, parce qu'hier soir, c'était la fête. C'était la fête à Lens. Encore. C'était la fête encore à Lens avec Francaise, un match complètement dingue, Matibol, avec une victoire des Lensois. Que ce fut difficile avec un scénario où Lens a vite été réduit à 10. Il a fallu gagner, il a fallu s'arracher. Il a fallu égaler le record de victoires à domicile sur une saison de Ligue 1, c'est-à-dire 16. Et on va partir avec l'élément T101 parce qu'on a droit traditionnellement aux petites images de joie avec la grosse joie de Franck Hez. Mais aussi, vous savez, alors qui a lancé le fameux « on les a chicotés » Je vous le donne en mille. Buteur de la soirée, homme fort du RC Lens. Voilà, allez, on regarde. Les garçons, comment vous avez vécu ça? Bien évidemment avec la Free Ligue 1, ça je le sais parce que comme moi vous avez regardé les buts avec, avec l'app. Seko Fofana, Lens a été réduit à 10, les Rémois ont ouvert la marque sur penalty et puis Lens est revenu avec le capitaine, un but fantastique, puis Frankowski pour le 2-1. Ça fait du bien à la Ligue 1. Ça fait du bien à la Ligue 1, mais tu sens vraiment que Lens est capable aujourd'hui, est capable de tout et ils emmagasinent énormément de confiance et on le dit, ils vont aller gêner le PSG jusqu'au dernier moment. Ça montre quand même des ressources, franchement, du groupe, la mentalité, la force collective, parce que se retrouver à 10 face à Reims, c'est une équipe qui perd pas beaucoup, hein, même si elle a eu un petit passage moins bien. Franchement, derrière, après l'enchaînement du match face à Marseille, franchement, c'est énorme ce qu'ils sont en train de faire les Lensois et c'est mérité. Et c'est mérité. Et là, surtout, ils mettent la pression sur Paris et sur Marseille. Vous le voyez, si vous êtes avec nous là en direct sur YouTube et gratuitement sur Free et sur Fairplay, vous voyez le petit flash code en bas. N'oubliez pas, comme d'habitude, depuis la première journée, on vous le rappelle, téléchargez l'application Free Ligue 1, quel que soit votre opérateur, les amis, quel que soit votre opérateur, vous téléchargez et tous ces buts, vous les avez gratuitement, tout comme les résumés de toutes les rencontres, celle qui vient de se terminer entre le Racing Club de Strasbourg qui a battu Nice 2-0 dans cette bataille pour le maintien intéressant pour les Strasbourgeois. Les deux buts, vous les avez déjà d'ores et déjà disponibles. C'est en quasi direct sur l'application Free Ligue 1, plus le résumé gratuitement. Si vous voulez suivre les matchs avec nous en mode clipping, ça veut dire que dès qu'il y a une action forte sur la pelouse, quelques secondes après, cela vous est proposé pour avoir dans l'intégralité quasiment 30 minutes de match. 30 minutes de match en mode clipping, c'est l'option premium. Vous l'avez d'ores et déjà dans votre pack si vous êtes un abonné Free Ligue 1, si ce n'est pas le cas, pour moins de 4 euros, vous la prenez et vous avez cette version clipping. Paris Saint-Germain Ajaccio, les garçons avec Aurore et donc ce schéma très attendu et puis il y a un homme qu'on va attendre également ici, il y a une ambiance qu'on va attendre, et c'est Léo Messi les garçons, c'est Léo Messi, c'est le retour du puni monsieur Jus, c'était le gros titre du Parisien aujourd'hui en France avec cette opération commerciale qu'il a mené du côté de l'Arabie Saoudite sans forcément prévenir dans les grandes lignes l'ensemble de son club. Paris a décidé de le sanctionner. Excuse de la part de Léo Messi. La sanction a été revue à la baisse et normalement il est là. Oui, je pense qu'il va être dans les 11, hein, si tout se passe bien. Mais ça a été du début à la fin, à l'image du PSG, du grand n'importe quoi. Et son départ, et le manque de communication,
et la sanction, comme si ils n'étaient pas au courant et qu'ils allaient le sanctionner. Et sa vidéo, ça a été n'importe quoi. Et pour finaliser la chose, il devait prendre 15 jours, il prend qu'une semaine. Il était là lundi à l'entraînement. Donc c'est un peu à l'image de ce qu'a fait cette saison le PSG. Ça a été une blague du début à la fin. Maintenant, je pense qu'il a la chance aujourd'hui qu'il n'y ait pas le cup là. Parce que, du cube, ouais. Collectif Ultra Paris. Parce que je pense que là, par contre, il aurait pris cher. Rio avec Aurore, on va justement remontrer peut-être Mathy Bolt. Rappelle-nous les grandes balises. La principale, c'est effectivement ces excuses présentées par Léo Messi, costard sur les épaules. Est-ce qu'on attendait cette vidéo? Rappelle-nous un peu ce contexte et comment ça s'est passé. Alors on va partir avec l'élément T6 tout de suite. Vous allez voir cette vidéo qui a fait le tour du monde, le tour de la planète. Alors elle a été diffusée et enregistrée en fin de semaine dernière. Certains disent qu'elle était convenue, certains disent que c'était de la propre initiative de Lionel Messi et de son entourage. En tout cas, dans cette vidéo, Lionel Messi présente ses excuses à ses coéquipiers, ses excuses au club et il continue d'affirmer son argument de défense qui est le même depuis le début. Il dit qu'il a pris connaissance qu'il y avait un jour d'entraînement le lundi après la défaite contre Lorient, une fois qu'il était dans l'avion, et que habituellement le Paris Saint-Germain a un jour de repos le lundi, donc ceci explique cela, puisque le mardi toute l'équipe était off. Donc les excuses, vous savez, il y a eu le côté classique, le côté débat, et puis il y a eu le petit côté un petit peu moquerie sur les réseaux sociaux. On va partir avec l'élément T7, vous allez voir, c'était Léo Messi, parce que certains se sont dit, attends, il a mis la chemise, il a mis la veste, c'était un peu le mode télétravail actuel, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, quand on est en télétravail, qu'on est en zoom, et ben en dessous on est en short, voilà. Ça c'est Rio à la maison. Rio, comment t'as perçu attends, tout ça? Attends, tu rigoles, mais quand j'ai passé des examens, on était en visio? Non. J'avais la chemise? Non. Et en bas, j'étais cool. Eh ben bravo Rio. Donc, bravo. Bon, comment t'as perçu cette scène-là? Tout ce qui s'est passé autour de ça? Franchement, déjà, le premier fautif, c'est Messi. Le premier fautif, c'est Messi, parce que s'il a fait cette excuse de vidéo, c'est qu'il se sent un petit peu coupable. Après, je trouve que ça a été pas forcément bien géré. Jules a dit, alors il y a les deux semaines de sanctions, puis finalement, ça revient à une. Alors, je trouve que c'est classe de la part de Messi faire une vidéo pour s'excuser, parce que franchement, j'aurais jamais imaginé à Barcelone, j'aurais jamais fait ça. C'est surprenant. Mais s'il le fait, à mon avis, c'est qu'il sait qu'il est fautif. Mais oui, un peu à l'image du PSG, c'est un peu flou. On fait des sanctions sans trop y aller. Et puis, je pense que pour moi, cette histoire, elle va clore vraiment le débat de Messi au PSG pour la suite. Gardons la main, restons sur ce sujet pour l'instant, en attendant que les équipes sortent sur cette pelouse. On vous montrera tout ça bien évidemment avec les caméras de Wall. Mathy Bolt, allons voir un peu comment la planète a répercuté, a porté résonance à ce phénomène. Est-ce que c'est un épiphénomène? Est-ce que c'est quelque chose qui a eu vraiment une déflagration sur la planète football? Qu'est-ce qu'on en a pensé au-delà de nos frontières, Mathy Bolt? Ah bah forcément, ça a été archi commenté. Donc il y a eu du côté de l'Argentine où c'était un petit peu l'incompréhension, et on a surtout noté que jamais dans un communiqué officiel, le Paris Saint-Germain n'a dit que Lionel Messi était suspendu 2 semaines. Il avait spécifié qu'il était suspendu. Donc on va partir avec l'élément T13. On va regarder, ça c'était lundi, le retour de suspension de Léo Messi qui a été largement commenté. Il a suffi d'une photo sur le site du Paris Saint-Germain avec un commentaire, et on allait faire un petit tour du côté des médias argentins parce que c'est là où ça a le plus buzzé. Donc le retour de Lionel Messi, retour tout seul. On s'est dit tiens, il s'est entraîné en solitaire, la sanction a été levée, et puis forcément, on va partir aussi avec l'élément T3, on va aller en Espagne où évidemment on suit de très près la situation de Lionel Messi, parce que pourquoi pas éventuellement, on parle de plus en plus d'un retour au Barça, tout va se jouer notamment avec l'approbation du plan de sauvetage du Barça le 19 mai prochain auprès de la Liga. Regardez cette vidéo, c'est un petit peu imagé, c'est un petit peu humoristique, c'est la colère du président du Paris Saint-Germain qui a décidé de taper du poing sur la table et de punir. Et bien il a puni pas n'importe qui, il a puni sans doute celui qui est le meilleur joueur de la planète. On est loin les garçons de j'ai encore en tête cette arrivée en mode rockstar ici en août 2021. Ça pourrait être une sortie par la même, j'allais dire la petite porte, voire la lucarne. Ça va l'être.
Ça va l'être parce que un joueur de cette envergure-là, quand il part, forcément, ça doit avoir ça doit faire un bruit énorme partout. Et au final, il aura joué 2 ans au PSG. Il y aurait eu du bien. Il n'y a jamais eu du très très bien avec Messi au PSG. Il y a eu du moins bien. Et il y a eu plein de petites histoires, plein de petites chamailleries. Un coup c'était avec Mbappé, un coup ça a été avec Galtier. Après il enlève son chajub, il s'en va. Donc j'ai presque l'impression qu'il est obligé de partir sans faire trop de bruit. Moi je suis déçu parce qu'il n'aura pas la sortie qu'il mérite. Par exemple, c'est le plus grand joueur du monde. Et quand on voit une sortie qu'a eu Beckham par exemple ici, ou même Zlatan, voilà, ils étaient à la hauteur de leur carrière. Et là, on se dit, il va quitter le PSG peut-être par la petite porte, hein, tout simplement. Mais je trouve sincèrement qu'on est très très dur avec Messi parce qu'on a l'impression de le découvrir. Messi à Barcelone, il a jamais couru dans tous les sens. Oui. Il a jamais taclé. Et là, on attend de lui qu'à 35-36 ans, il fasse tout ça d'un coup. Non, Messi, il est là, il est bon dans la dernière partie de terrain, il débloque des situations. Il est presque sans émotion quand on le voit, hein, et il va pas changer aujourd'hui. Donc oui, il y a eu des éliminations en Champions League, mais Cristiano, quand il est parti à la Juve aussi, il y a eu des éliminations en Champions, en 8e, etc. Donc je trouve qu'on est quand même très très dur avec lui, et c'est pas forcément... Je pense qu'on a trop opposé à Mbappé même, et du coup, il en paye. Mais il aura peut-être le retour du coup qu'il mérite. Parce que s'il retourne à Barcelone, là, je pense, Mathy Bolle, qu'il aura le retour qu'il mérite. Comment les chaînes espagnoles ont analysé la situation ? Eh bien, cette semaine, ce qui s'est passé aussi, il y a eu la rumeur Arabie Saoudite. Alors, ça a commencé, ça a été relayé par l'AFP, chez nous, en France, et ça avait commencé, on va partir avec l'élément T12 bis, ça a commencé dans l'émission Chiringuito de Rougonès, une émission très connue en Espagne, qui surfe sur un buzz, avec des infos qui sont parfois complètement abracadabrantesques, ou parfois assez vraies. Eh bien, il y a un chroniqueur qui a annoncé que Lionel Messi jouerait l'année prochaine du côté de l'Arabie Saoudite, pour un contrat assez mirobolant, puisqu'on parle de 500 millions par saison, donc ça a fait énormément de buzz là. Donc on est sur la chaîne La Sexta, qui se vante aussi d'avoir fait le tour du monde avec son info, puisque maintenant on est dans une course au buzz dans tous les médias et sur tous les réseaux sociaux. Donc là vous voyez, c'est est-ce que Lionel Messi va partir, est-ce que Lionel Messi ne va pas partir. On va enchaîner avec l'élément T21, parce que sur Gol TV on s'est dit, bah tiens, qu'est-ce que ça pourrait faire, est-ce que Lionel Messi va choisir l'argent, ou est-ce que Lionel Messi va préférer rentrer à la maison? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est mieux? Qu'est-ce qui est le mieux pour Lionel Messi? Donc on a un petit peu épilogué, on a un petit peu débattu, on a beaucoup débattu, on a énormément débattu. Et puis Roré Messi, qui est le père et l'agent de Lionel Messi, est intervenu avec l'élément T22. Il a publié un communiqué, énième communiqué, pour démentir. C'est souvent la sortie du papa Messi qui essaie un petit peu de clôturer les rumeurs. Donc cette fois, il a dit qu'il n'y avait rien de signer, rien d'affirmer, qu'il fallait respecter tout le monde, qu'il y avait un manque de respect de la part des médias, et que Lionel Messi va terminer sa saison. D'ailleurs, du côté de l'Arabie Saoudite, le président de Al Hilal, le club en question qui serait sur les tablettes pour signer Lionel Messi, le président aujourd'hui a dit que pour le moment, il n'y avait rien, et que le jour où il y aurait éventuellement quelque chose, les journalistes seraient informés par son service de communication. Je vous ai déjà posé la question, les garçons. Où va-t-il ? Moi, pas au Barça. Je reste sur ma position. C'est vrai ? Je pense qu'il n'ira pas au Barça. Je ne sais pas, je le sens pas. Je pense que ça va être compliqué financièrement. Je pense qu'il se peut qu'il retrouve Cristiano. Hein. Donc Al Nasser ? Non, contre Luc. Enfin, dans le Al Hilal. Ouais, voilà. De l'autre côté. Ouais, je pense. Tu verrais Al Hilal face à Al Nasser. Messi face à Cristiano. Truc, ouais. Ok. Et Verratti, tu le mets où alors ? Verratti, il suit avec. Avec Sergio, avec Alba, ils ont tous là-bas. Ah non, le troisième club, ça me dit. Verratti, il fait partie du top 10 mondial. quand même, il est jeune encore. Je le vois retourner au Barça. Ouais, moi aussi. Il est jeune encore. Il est jeune. Cristiano, il est parti, il avait 38 ans quand il est parti en Arabie Saoudite. Moi, je pense qu'il a envie de mieux finir que ça en Europe. Et à part le Barça, sincèrement, je vois pas où on peut le retrouver. Il y a un élément qui fait que, d'après moi, on a plutôt raison, nous. Mathy Bolt, Pep Guardiola, il nous dit quoi, Pep? Pep, il nous dit que la Catalogne, ça sent bon, hein. Est-ce qu'on affirme selon l'analyse des journalistes, ou est-ce qu'on affirme selon le discours stricto sensu de Pep Guardiola? ITV réalisé
auprès des médias de la chaîne ESPN, élément 27. S'il vous plaît, en régie. Alors, Pep Guardiola, lui, en tant que socio, il ne parle pas en tant qu'entraîneur de Manchester City, il parle en tant que socio. Pour lui, il réitère le fait que Lionel Messi est le plus grand de tous les temps et il pense que Léo Messi et Laporta feront tout leur possible pour que Lionel Messi revienne et ait un adieu qu'il mérite. Donc, si on analyse cette phrase-là, ça veut dire, est-ce que c'est une cérémonie de revoir? Est-ce que Lionel Messi doit ou va, selon lui, retourner au Barça? Je vais citer les propos. Donc, c'est le plus grand de tous les temps. Espérons qu'un jour, on pourra lui faire un au revoir comme il le mérite. Messi fera tout son possible pour revenir. Sans lui, rien de ce que nous avons fait n'aurait été possible. J'espère qu'un jour, depuis mon siège de socio, je pourrai me lever, applaudir et dire au revoir à Messi comme il le mérite. Guardiola qui dispose de 3 sièges assis, qu'il a gardé quasiment ad vitam du côté du Camp Nou. Et on a c'est un indicateur, ça, quand même. On a eu un aperçu de ce que va avoir Messi ce soir. C'est lui qu'ils ont sifflé. C'est lui qu'ils ont sifflé là. Ah, bien vu, parce que je l'ai pas vu passer. Regardez, effectivement, on fait un breaking news là, parce que le 11 de départ officiel est tombé du côté du Paris Saint-Germain. C'est exactement celui annoncé dans la presse nationale ce matin. Du coup, avec Nicolas et Johan en régie, les garçons, vous pouvez afficher le 11 du Paris Saint-Germain qui était jusqu'alors probable annoncé ce matin dans les colonnes de l'équipe. C'est celui que va présenter donc Christophe Galtier avec ce 11 de départ. Votre analyse, vous qui l'avez observé ce matin dans la presse, pas de surprise, aucune surprise pour toi. Zéro surprise pour moi. Il fait jouer les meilleurs du moment, tout simplement. Enfin, ouais, les meilleurs du moment, ouais. Ou les moins mauvais. Et on retrouve un peu la formule offensive, comme s'il y avait Neymar. C'était Neymar en 10 avec Messi et Mbappé plus haut, mais là il le reforme, donc Ekitike, c'est à lui de saisir sa chance maintenant. Du côté d'Ajaccio, puisque le 11 est tombé, puisque Olivier Pantaloni nous l'a confirmé à ce même micro en direct il y a quelques petites minutes, je vais vous le rappeler, il a annoncé, c'est le jeune Solacaro qui terminera cet exercice Ligue 1 dans les buts titulaires à la place de Benjamin Leroy. Charnière centrale avec donc Avinéal et Vidal, pas de Mayembo, à gauche Diallo, à droite Youssouf, le triptyque au milieu indéboulonnable avec Mangani, le capitaine Coutadeur et Marchetti. Devant, côté gauche, Spadanouda, El Idrissi en pointe et ce sera Barreto à droite. Il y avait une interrogation entre Nouri et Barreto sur le flanc droit, notamment relevé par le Parisien aujourd'hui en France, et ça sera pour Barreto. Analyse Rio de ce 11 pour toi, puisqu'on a échangé avec Olivier nous. Ouais, je pense qu'il essaie de faire un 11 assez solide pour notamment bloquer l'intérieur du jeu, parce qu'il met quand même ses 3 indéboulonnables et je pense que là il y aurait une vraie bataille à remporter face au milieu de terrain parisien, mais je pense qu'aussi il a des arguments pour pouvoir les contrer. Donc va falloir une grosse entame en tout cas pour l'Ajaccio et pas prendre de but dans le premier quart d'heure. Jules, comment Paris doit éviter de relancer ce titre? Est-ce que tu vas me dire non, parce que l'analyse qu'on a eue ensemble des derniers matchs de Paris, on n'a pas vu cette assurance sur 90 minutes. On s'était tous relayés en disant on n'a pas eu encore le match référence finalement de Paris cette saison, c'est clair. C'est vrai, non, il n'y a pas de match référence cette année. On a dit aller à la limite contre l'OM, peut-être il y avait eu les prémices de quelque chose qui a très vite été gommé. Mais encore une fois, on va dire quoi? On va dire il faut qu'on ait un PSG conquérant, pressing haut, qui laisse pas respirer les ACistes. Et nous, au bout de 10 minutes là-haut, on va se regarder et on va se dire bon, ben encore une fois, grosse désillusion. Le PSG ronronne, cherche des solutions, des... Donc on est à 4 journées de la fin, pas de match référence. En phase 2, ils ont une équipe, j'ai pas envie de dire qu'ils jouent leur dernière chance, mais ça c'est tout comme. Donc s'il y a un match où vraiment il faut se lâcher, côté parisien, c'est celui-là, quoi. Oui, c'est vrai qu'il va falloir qu'ils commencent fort, qu'ils arrivent à mettre un peu du rythme dans le premier quart d'heure, et chose qu'ils n'ont pas fait. Et là, je me dis que... Je ne vois pas comment ils vont changer du jour au lendemain. Bah oui. Donc c'est, je dirais presque, c'est plutôt à Ajaccio de profiter du fait que Paris ne mette pas de rythme pour faire une grosse entame et essayer justement de retourner le public un peu contre son équipe. François-Joseph Solacaro, le gardien de l'ACA qui est de sortie. On va attendre encore les joueurs d'Olivier Pantaloni qui vont, ça y est, fouler la pelouse du Parc des Princes. L'autre interrogation, les garçons, dans ces derniers temps de passage ici à Paris sur cet exercice 22-23, c'est l'avenir également de Christophe Galtier. Je parlais de tous ces changements de coach en Ligue 1 cette saison. Il y a eu 10. C'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup énorme. En Ligue 1.
c'est énorme. On avait démarré avec Laurent Blanc, c'était le premier à remplacer Peter Bose sur les bancs de l'Olympique Lyonnais. Le dernier en date, c'est le départ d'Antoine Camboire, changé à 4 journées de la fin après ce moment critique de cette défaite en Coupe de France et cette plongée dans la zone rouge. Ça peut être très compliqué pour le Football Club de Nantes. Et on parlait de ses entraîneurs. Quid de Christophe Galtier? Je vous repose la question parce que ce Special One est arrivé dans la danse. Attention à monsieur José Mourinho. Avant d'avoir votre avis sur la situation, Hermanita, donne-nous tes petites billes sur monsieur Jo actuellement, je précise bien, actuellement du côté de l'AS Roma. Cette semaine, l'AS Roma jouait en Ligue Europa. Et quand on est journaliste italien, eh bien, vous savez, il y a certaines chaînes qui ont des accès privilégiés pour poser les questions aux entraîneurs. Il y a eu la conférence de presse normale, donc on a beaucoup parlé du match à venir, on a beaucoup parlé des joueurs de José Mourinho. Et puis, on va partir avec l'élément T26, Johan, s'il te plaît, je vais faire la traduction simultanée. Ce journaliste de Sky s'est dit, bon, à un moment, il va quand même falloir que je lui pose la question que tout le monde se pose en ce moment, c'est est-ce que José Mourinho, vous pourriez être tenté par une aventure au Paris Saint-Germain? On en parle beaucoup. Alors écoutons la réponse, on va faire la traduction en simultané de José Mourinho. On a eu droit au José Mourinho, plein d'humour, image de la chaîne Sky. Alors, est-ce que vous pensez que vous pourriez éventuellement signer à Paris, quitter la Roma à la fin de la saison? Réponse de José Mourinho, eh bien, s'ils me cherchent, ils ne m'ont pas trouvé parce que, en tout cas, ils ne m'ont pas encore parlé. S'ils me cherchent, ils ne m'ont pas encore trouvé. Bon, alors José est à Rome pour ceux qui le cherchent. Quid de Christophe? On va pas, bien évidemment, on n'est pas là pour taxer ou accabler le travail d'un coach. On relaie les informations de la presse internationale pour amener à en débattre et apporter nous notre opinion également sur la situation. Jus, sur cette situation là, celle de Christophe et puis celle de José Mourinho. Est-ce que, au-delà de la situation de Christophe, est-ce que Mourinho serait un profil pour Paris? Oui. Je pense que derrière Christophe Galtier, ils peuvent plus se tromper maintenant. Et aujourd'hui, ils ont pas trop non plus de noms, pas trop de choix. Et ils ont la chance d'avoir un coach qui parle français. Oui. Je parle de José Mourinho, oui. Qui connaît tous les joueurs, qui a déjà joué avec qui a déjà coaché avec des effectifs pléthoriques. Donc ça serait pour moi une très très bonne idée. Après, pour en revenir à Christophe Galtier, vu de l'extérieur, c'est une saison complètement ratée. Pourtant on l'aime bien et tout le monde sait que on a une attention un peu particulière par rapport à lui. Mais en termes de résultats, c'est négatif, c'est pas bon. Donc je pense que le PSG va chercher à le remplacer. Et s'ils doivent le remplacer, Mourinho est le coach parfait. Après, je ne sais pas s'il lui reste encore des années de contrat, Mourinho, à la Rome. Mais il va falloir que si vraiment ils jettent tout leur dévolu sur Mourinho, il va falloir qu'ils s'arrangent avec le club de la Louve. Donc ça ne va pas être simple. Et en plus, l'avantage qu'a Mourinho, c'est qu'il connaît bien Luis Campos. On l'avait vu, il venait notamment pas mal de fois à Lille quand il était aussi à son club. Il venait pas mal à Lille et il a travaillé aussi avec l'adjoint de Galtier actuellement. Donc ça peut déjà être un avantage, un gain de temps pour la connaissance des joueurs, de l'effectif et surtout de l'atmosphère parisienne. Après, moi je pense qu'il peut l'être, mais à savoir s'il a changé un petit peu sa méthodologie. Parce qu'avant il était quand même souvent dans le conflit, il allait souvent chercher les joueurs. Et aujourd'hui, on sent que ça évolue et les entraîneurs qui sont dans le conflit, ça passe de moins en moins. Et on le voit un peu à l'image des Tourelles, même de Guardiola, de Klopp. Ils sont assez proches de leurs joueurs aussi. Donc je pense qu'il peut venir mettre de l'ordre au PSG, ça c'est clair et net. Il peut venir secouer un peu la maison. Et je pense que s'il vient, à mon avis, il viendra avec des idées précises. Et s'il y a Mbappé, il n'y aura qu'Mbappé comme star. Et je pense qu'il prendra des soldats autour de lui. Après, pour Galtier, saison compliquée. Au-delà des résultats, c'est qu'on n'a jamais vu un PSG avec un jeu léché, avec un style de jeu à lui-même approprié, et c'est ça qui est compliqué pour moi de le voir continuer. À un moment, on l'avait dit, il y a 10 matchs, il faut qu'il arrive à séduire. On n'a pas vu un seul match du PSG où on s'est emballé, où on s'est régalé. Donc pour moi, ça va être compliqué qu'il poursuive. Sur les 20 clubs de Ligue 1, je vous le disais tout à l'heure, il y a eu 10 changements de coach. Juste la barrière, il y a les 10 changements, juste la ligne de flottaison.
c'est Christophe Galtier. C'est-à-dire que sur la longévité des coachs en Ligue 1, on parlait d'Olivier Pantaloni, ça fait 8 ans qu'il est à la tête de l'ACA, il est numéro 1. Christophe Galtier, c'est le top 10, okay, moins d'un an, 10 mois donc et quelques jours. Il est juste sur la ligne de flottaison, il pourrait du coup peut-être basculer si Paris choisissait de changer de coach à l'été prochain. Si je vous demande aujourd'hui un pourcentage de chance de voir Christophe Galtier ne plus être l'entraîneur du Paris Saint-Germain, pour vous, c'est quoi? Je pense que ça peut être du 60-40. 60-40? Ah, il y a quand même une marge. Ah ouais. Je pensais que tu allais aller plus loin. Ah ouais, 60-40. Moi, je dirais 80-20. Pour moi, il est quasiment... 80-20. Ouais. Est-ce que, d'après vous, les garçons, on va échanger avec Matty Bolt également. N'hésitez pas, les chats vont être ouverts, là, sont ouverts sur les différentes plateformes et notamment de ce live YouTube gratuit sur YouTube, également sur Facebook. L'avenir des stars, vous en avez parlé. Bon, Messi, on va dire quasiment 100% out. Ouais. Kylian Mbappé, on va y revenir. Quid de Neymar? Je donne la parole tout d'abord à Matty Bolt. Je sais que tu as un élément sur le futur de Neymar. Que va-t-il se passer? On va aller du côté du Brésil, de la chaîne UOL avec l'élément T14 qui va appuyer un petit peu ce qu'on raconte du côté du Brésil. Donc, depuis que certains supporters sont allés devant la maison de Neymar pour l'insulter et devant chez lui, eh bien, il se murmure que Neymar ne serait plus totalement hostile à un départ du Paris Saint-Germain. Lui qui a toujours été ferme et clair là-dessus, il ne voulait pas s'en aller encore il y a quelques mois. Donc, sur la chaîne UOL, on pense que Neymar pourrait accepter éventuellement de quitter le club sous forme d'un prêt pour que ce soit plus simple par rapport aux émoluments du joueur. Il faut aussi que sa cheville réponde aux tests médicaux et on le verrait peut-être aller en Première Ligue. Est-ce que la Première Ligue est la bonne destination pour Neymar avec le jeu pratiqué, l'intensité pratiquée quand on a une cheville qui normalement, selon les médecins, devrait redevenir totalement opérationnelle? Moi, ça paraît compliqué. Je t'ai entendu, Matty Bolt. J'ai eu une petite coupure juste à la fin, mais je t'ai entendu sur l'avenir de Neymar, du coup, ça, les garçons. En tout cas, ça paraît compliqué pour répondre à Rourke qu'il aille en Angleterre. Non. Quand on voit l'impact, les tacles qu'il y a, l'agressivité, je pense que pour lui, c'est compliqué. Après, je pense qu'il peut être ouvert à tout départ, mais j'ai du mal à le voir partir pour deux raisons. Déjà, ses blessures, et je pense qu'il préfère se soigner avant de partir. Je ne vois pas quel club irait le chercher avec les blessures qu'il subit et aussi son salaire. Hein. L'Arabie Saoudite. Ça peut, mais... aujourd'hui, c'est malheureux. Ça pas de tout. Aujourd'hui, c'est malheureux, mais à part un club exotique, je vois pas où peut signer Neymar s'il veut vraiment partir. Est-ce que la puissance de José Mourinho, maintenant qu'on le connaît, est-ce que sa puissance peut faire qu'il aurait ses exigences de purge? Est-ce que José Mourinho peut dire « Ok, special one, mais... » Kraus. Ah oui, on enlève bim bim bim. Lui, oui. Ah oui, bien sûr. À connaissant Mourinho, oui, il est capable de dire ok, moi je viens, mais par contre tu me gicles lui. Par contre lui, je veux le garder. Et donc peut-être qu'il va venir et qu'il va dire ben Neymar, il veut partir s'il veut, mais moi je sais que je suis capable de retrouver le vrai Neymar, donc à voir. Cette puissance-là, Christophe ne l'a pas? Non. Okay. Il n'a pas la même aura. C'est pas possible. En tout cas, José Mourinho, la chance qu'il a, c'est qu'il le doit que lui-même, c'est qu'il a gagné. Il a gagné partout où il est passé quasiment. Donc c'est quand même une aura différente. Et aujourd'hui, Christophe Galtier, il avait, on va dire, une grosse carte à jouer avec le PSG et tout à gagner. Et pourquoi pas aller dans la cour de ces entraîneurs-là? Et malheureusement, pour le moment, en tout cas, le cut, il a l'air trop élevé. Ce qui est sûr, Matty Bolt, pardon pour revenir sur Christophe Galtier, ce qui est sûr, c'est que Christophe, il a la classe. Je veux que tu nous montres ce qu'il a produit et organisé au Camp des Loges cette semaine avec un grand monsieur pour nous, moi qui me touche à cœur, c'est monsieur Charles Biétry, s'il te plaît. On va partir avec l'élément T28. Charles Biétry avait été invité au Paris Saint-Germain. Il a été invité à participer à un entraînement. C'est une promesse que lui avait faite Christophe Galtier. Donc ça s'est produit cette semaine. On sait que Charles Biétry a médiatisé son combat contre la maladie de Charcot, une maladie dégénérative qui affecte les muscles des jambes et puis après qui affecte plusieurs organes vitaux. Donc vous voyez, Charles Biétry qu'on embrasse très fort parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour beaucoup d'entre nous, notamment Alex et moi aussi
sur un plan professionnel. Donc il est venu, il a pu voir les joueurs et ça a dû être un très grand moment pour lui et on l'embrasse très fort. Avec la sortie des joueurs du Paris Saint-Germain, c'était une belle image cette semaine, ça, ouais, les garçons. Beau, ouais. C'est beau, ouais. Ça c'est classe. Ça c'est très très classe, mais après ça m'étonne pas de Christophe Galtier, qui est vraiment, voilà, je me répète, mais humainement, qui est quelqu'un d'incroyable, incroyablement gentil et authentique. Donc c'est une très bonne chose de faire ce genre de choses. Ouais, on est triste aussi pour Charles, hein. C'est malheureux ce qui lui arrive, c'est un passionné, c'est quelqu'un qui a énormément... et longtemps été un visage de notre football. Donc voilà, on espère que ça aille le plus loin possible et surtout qu'il ait eu la chance de profiter de ces moments-là. Et c'est des bons moments que Christophe Galtier, en tout cas, lui a permis de vivre. Charles, on t'embrasse. On t'embrasse très très fort. Le Parc des Princes ici avec donc la sortie des Parisiens. Ça y est, les Corses sont de sortie, vous le savez également. On est dans la dernière ligne droite pour vous offrir toutes ces images avec la production Wall pour vous offrir cette retransmission avec toutes les équipes de Free également. Je pense aux équipes de Youssef Benchalel qui est là, qui est avec nous. Conducteur de travaux de transmission de projets spéciaux du côté de chez Free. Grâce à ces équipes, on vous permet d'avoir toutes ces images, d'avoir cette fibre ici, notamment au Parc des Princes. On pense également à Paris 2024. Et Free sera là, bien évidemment, avec cette toile pour vous offrir ce matériel. Rio, Jules, les garçons, on a vu ces compositions d'équipes. Bon, Paris, c'est du grand classique. On y est revenu depuis un petit moment. Il manque Ney. Mmh. Il manque Ney, les gars. Il manque, ah oui, bon, il manque le chaînon. En début de saison, on se disait, le triptyque avec lui, ça marchait à merveille. Il était derrière les deux. Il reste à date, malgré son absence, ah oui, dans le top 3 des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs du Paris Saint-Germain. Ney manque à Paris. Ney manque à Paris. Et puis c'est de plus en plus flagrant, surtout. C'est que aujourd'hui, il y a un Paris Saint-Germain sans Neymar et un Paris Saint-Germain avec Neymar. Offensivement, sans Neymar, on a vraiment du mal à trouver... parce que eux, c'est même pas dans les 30 derniers mètres, c'est eux, ils cherchent vraiment dans les 15-20 derniers mètres. On n'a pas ni Messi ni Mbappé, n'ont pas la fulgurance ou la magie, j'ai envie de dire, que Neymar a dans les pieds et en une demi-seconde arrive à trouver quelque chose, un décalage que seul Neymar aurait pu trouver. Donc évidemment, la blessure de Neymar a précipiter un peu tout ce qui s'est passé pour le PSG ces derniers temps. Rio, je regardais ses classements, regarde, buteur, classement des buteurs, Ney est 3 avec 13 buts en Ligue 1, ouais. Passeur, Ney est 2, ouais. Okay, Ney est 2 avec 11 buts, ouais, avec 11 passes, pardon. C'est un joueur particulier, alors il est souvent critiqué parce qu'on va dire oui, il décroche, il cherche les ballons trop bas, il se fait attaquer par l'adversaire, mais c'est le seul qui est capable de... En fait, pour moi, au niveau du talent, il est au-dessus et c'est le seul qui est capable de créer, d'éliminer 2-3 joueurs. Et c'est lui qui faisait le lien vraiment qui appuie justement au PSG et qui handicape aussi dans le jeu du PSG. La relation Verratti-Ney qui a amené jusqu'à Messi ou Mbappé, tout ça c'est un gros manque pour le PSG. Et même s'il était moins bien parfois physiquement, on le sent un peu plus en surpoids peut-être, je pense qu'il n'y a que lui qui était capable de faire tout ça et on s'aperçoit, mais quand il n'est pas là, c'est un gros, gros manque. Hein. Dans cette relation, et donc les gens qui sont là, on regarde ces images avec les équipes de Wall, Ekitike va donc être titulaire, les garçons. Mmh. 3 buts, 3 passes D pour Ekitike. On a déjà ensemble porté regard sur sa saison, c'est déjà ensemble interrogé sur son futur. Vraisemblablement, on a sonné à la porte de Paris, on n'a pas trouvé Mourinho encore, mais on a trouvé Ekitike. Les clubs allemands de la Bundesliga semblent intéressés par ce profil. Qu'est-ce qu'on fait avec Ekitike, les garçons? Moi, sincèrement, je le prête. Ouais. On laisse le prête, sortir ouais, je le prête, okay, sur une année. Et puis en plus, l'Allemagne, je trouve que c'est bien. Parce qu'on en voit beaucoup des attaquants français qui s'exportent très bien là-bas. Donc voilà, pas faire n'importe quoi, le vendre. Et après, encore à se dire, mince, on a laissé partir un joueur qui pouvait être top niveau. Peut-être le prêter sur une année, qui ait plus de temps de jeu. Et si ça se passe bien, qu'il revienne au PSG après. Ouais. On va dire que l'Allemagne, en plus, pour les joueurs parisiens, ça réussit assez bien. Ouais. Pour les titis parisiens. Donc je pense que la chose la plus intelligente à faire pour tout le monde, c'est de le prêter. Peut-être un an, peut-être 2 ans, je ne sais pas, parce qu'il est quand même très jeune. Mais oui, le prêter en Allemagne, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Quid d'Achraf Hakimi. Je vous remets un peu
peu la patate chaude. Alors les garçons, parce qu'il y a eu un bon papier ce matin avec Hugo Delhomme dans les colonnes de l'équipe, notamment sur donc l'international marocain, sur sa relation avec Kylian Mbappé, sur ce qu'il était lorsqu'il est arrivé à Paris, sur son début de saison. Je vous retrace un peu quelques balises. 24 ans. OK, 24 ans, il est arrivé en 2021, contrat jusqu'en 2026. Valeur marchande actuelle, c'est sa plus haute, 70 millions d'euros, OK ? Souvenez-vous, il était au Real Madrid, prêté au Borussia Dortmund en 2018 jusqu'en 2020, vendu à l'Inter Milan en 2020 pour 43 millions d'euros, l'Inter le vend l'été suivant à Paris pour 68 millions d'euros. On se souvient de sa relation difficile sur le côté droit avec Di Maria. Di Maria est parti. Luis Campos a changé de schéma pour lui laisser le couloir. Tout était fait pour qu'on ait le Achraf Hakimi high level. Ouais. On l'a eu en début de saison. On ne l'a plus. Qu'est-ce qu'on fait ? Ouais, je pense que si on a un gros joueur derrière, ou en tout cas un projet type Nuno à gauche, si on a un projet comme ça, je pense qu'on peut le tenter. Maintenant, pour moi, il doit revenir, se reconcentrer sur l'essentiel. Parce qu'il a la Coupe du Monde déjà lui a fait un petit peu mal parce qu'il a un petit peu forcé sur la Coupe du Monde avec les blessures pas les blessures. Bon, après sa vie privée on va pas revenir mais je pense que psychologiquement et mentalement ça y joue aussi. Mm-hmm. Donc peut-être aussi sa relation aussi que je pense avec Kylian, ils ont été quand même beaucoup médiatisés ensemble. C'est trop. Bah alors c'est bien d'avoir ce type de relation c'est trop vu en tout cas. Ouais voilà. C'est trop vu. Je trouve que ça faisait vraiment les deux et moi avec les autres même si on sait qu'ils s'entendent très bien avec Ramos avec d'autres hein, mais je trouve que c'était un peu pas surjoué parce qu'on sent que ça apprécie bien, mais voilà, à un moment donné, il y a toute une équipe, quoi. Souviens-toi le voyage qu'ils ont fait après la Coupe du Monde. À New York, les vacances et tout. Tout ça, je pense que ça l'a pas forcément aidé. Et je pense que lui, s'il a un truc à faire, c'est se reconcentrer sur le terrain et moins être vu en dehors et qu'il soit vraiment bon, parce qu'il a les capacités. Ouais. C'est exactement ça. Je pense qu'à un moment donné, lui-même a été dépassé par les événements, tout simplement. On le voyait de partout. De partout, à New York, avec Kylian, à Paris, de partout, avec sa désormais ex-femme, avec sa maman reçue par le roi du Maroc. Je pense que d'un coup, il y a eu un truc autour de lui où il a été totalement dépassé. Et comme le dit Rio, il n'avait plus du tout. Et jusqu'à son carton rouge, donc peut-être encore aujourd'hui, il n'a plus du tout la tête au football. Donc maintenant, est-ce qu'il est capable de se remettre dedans avant la fin de la saison ? Pour moi, non. Il va laisser passer cette saison-là. Je pense que tout est allé trop vite et il le sait. Mais il faut qu'il revienne l'année prochaine avec la mentalité qu'il avait quand il est arrivé la première fois. Je vous pose la question. Vas-y, Rio. Vas-y, je t'en prie. Ah, OK. Ouais, je te passe. Ah, vas-y. Vas-y, merci. Tu parlais tout à l'heure de Luis Campos et en parlant d'Achraf, on est allé chercher Nordi Mukiele pour ça. On est allé chercher à Leipzig pour le bouger un peu quand même, non ? Quel est le bilan pour vous de Nordi du côté du Paris Saint-Germain ? Est-ce que cela a bousculé Achraf ? Nordi est blessé, il n'est pas là sur la feuille de match une nouvelle fois aujourd'hui. Est-ce que cela aura été une réussite ? Et je trouve que, comme tu as dit, la blessure, je trouve qu'elle est malheureuse parce qu'il commençait justement à arriver. Oui. Il a eu un début délicat, il a pris le rythme aussi, hein, c'est pas simple au PSG, parce qu'il était concurrent d'Hakimi, il pouvait dépanner aussi dans l'axe. Et je pense qu'au moment où il arrivait à atteindre un bon niveau, malheureusement pour lui, il s'est blessé et il n'a pas pu profiter justement, lui, des bois, en tout cas d'Hakimi, pour enchaîner. Mais je pense que c'était une bonne chose de venir titiller Hakimi et je pense qu'il avait le potentiel pour le faire. Alors à 100%, pour moi, Hakimi est devant parce qu'il a des qualités quand même qui sont hors normes. Mais Mukiele, je trouve que c'était une bonne chose de venir de le prendre. Et malheureusement, on reste quand même sur notre faim parce qu'on l'a pas assez vu. Il était titulaire au match aller, Mukiele, dans l'axe avec Marquinhos. Ouais. Non, c'est sûr que c'était à la base une très bonne idée. Mais encore une fois, on se rend compte que c'est difficile. Voilà, c'est difficile. C'est un championnat très difficile. Paris est un club difficile. En plus de ça, il s'est pété, pas qu'une fois, il a eu du mal. Donc, à la base, c'est une très bonne idée. C'est pour ça que j'ai hâte de voir l'année prochaine un peu ce que ça va donner quand tout ce bordel là sera remis à plat, à zéro, et que
il y aura encore de beaux discours avec un vrai projet. On va voir ce que ça va donner. Mais pour moi, à la base, bien sûr que Mukiele, c'était une venue intelligente. En parlant de ces jeunes, on reparlera encore, bien évidemment, des jeunes du Paris Saint-Germain. Mathy Bolt, tu nous montreras d'ici à quelques petites secondes les images à cœur de Zaïre Emery, qui a Paris dans son cœur. Et il veut impérativement réussir ici. En parlant de jeunes et de formation, j'aime à ce qu'on parle à chaque fois de ça du côté de nos matchs sur Free League 1. Rio, toi qui es aujourd'hui formateur et qui veut aller vers ce step de coach, et tu es dans cette formation-là, tu as vu là ce qui se passe avec Papus, Zoumana Camara qui a hier prolongé avec Paris sur ce poste des U19, à court terme, hein, parce qu'on le sait, il a des velléités et il y a eu déjà des possibilités cette année, il en avait eu en Ligue 1 et il y a des clubs de Ligue 2 également qui tapent à sa porte. Comment perçois-tu ce travail de Paris, c'est-à-dire ce travail de formation? On voit pas forcément les fruits là, mais est-ce que tu trouves que le travail formation Paris pour l'instant est une réussite? Moi je pense qu'il est. Il est. Après évidemment il faut toujours l'entraîneur au-dessus qui fasse jouer les jeunes, et là-dessus on va dire que Christophe a été plutôt maladroit et parfois il aurait pu donner plus de temps de jeu à certains, et je pense notamment à Zaïre Emery. Mais je pense qu'il est bien fait, et ça reste, même si tu l'as très bien dit, Camara il prolonge qu'un an, alors que généralement en formation on part sur des projets de 2-3 ans et là on sait qu'il a des velléités sûrement d'aller voir ailleurs et notamment dans le monde pro, mais ça reste quand même un bon lien justement parce qu'ils n'ont plus de réserve le PSG, et lui il peut faire le lien vers le monde pro. Et après il y a le travail aussi de Johan Cabaye, hein, qui est là, qui cherche des coachs, qui sont adjoints, il cherche notamment en U17 un entraîneur. Mais je pense qu'il est quand même plutôt bien fait, ils sont bien staffés, ils ont vraiment ce qu'il faut, puis surtout ils ont les moyens et des infrastructures qui sont énormes. Mais je pense qu'on aurait pu en voir un peu plus cette année quand même. Effectivement, ils ne vont pas garder Stéphane Moreau du côté des U17. On cherche un coach au Paris Saint-Germain à ce poste. Le directeur du centre de formation, Luca Catani, qui effectivement, avec Papus, avec Johan, sont dans ce travail de concertation pour faire évoluer les jeunes du Paris Saint-Germain. Papus, si je ne me trompe pas, l'été dernier, il avait Sochaux. Cet hiver, Brest l'aurait sondé pour savoir s'il y avait une possibilité avant que finalement Eric Roy rejoigne le club brestois. Quelques clubs de Ligue 2 qui lui ont demandé de patienter. Voilà pourquoi il signe également ce un an. Mathy Bolt, Zaïre Emery alors, est-ce qu'il va rester ou pas à Paris? Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est tatoué les cuissons du Paris Saint-Germain sur le corps. Depuis qu'il est petit, alors Warren Zaïre Emery, forcément le Paris Saint-Germain va très certainement le garder. D'un côté, on a le lycéen qui va passer son bac de français et qui est, selon ce qu'on peut lire ou entendre, très méticuleux. Et puis, il a accordé une interview à PSG TV il y a peu de temps. Alors, on va d'abord vous proposer d'écouter ce pourquoi son cœur bat pour le Paris Saint-Germain avec l'élément T1. Tout simplement, d'abord, c'est un titi parisien. Et l'amour du PSG, eh bien, c'est un amour qui se transmet de père en fils. Ça doit être mes parents, mon père, mes frères. On a toujours aimé regarder le foot, le PSG. Et quand tu vas dans les stades et qu'au Parc des Princes, tu vois l'ambiance, les joueurs qu'il y a, c'est exceptionnel. Et t'as envie de jouer dans cette équipe, c'est un rêve. Aujourd'hui, c'est une fierté, c'est... T'as envie de tout donner pour le club et te battre jusqu'au bout. Bah, moi, je suis rentré avec un an d'avance, à 12 ans. Mais ouais, j'étais content, j'allais à l'école, on était tous ensemble, on s'amusait. Donc on était tous heureux, on prenait du plaisir ensemble. Bah, je suis très content, très heureux de signer ce contrat. Je sais qu'il y aura beaucoup de travail après ça et je continue à le faire aujourd'hui tous les jours, que ce soit à l'entraînement, dehors. Et c'est un plaisir de le faire pour moi, je suis motivé pour y arriver, donc je continue chaque jour à... Jusqu'en 2025 et même quand il faut dépanner au poste de piston droit comme le week-end dernier. Hein ? Zaïre Emery, t'aimes bien ce profil ou pas ? Moi j'aime bien ce profil, mais moi je pense qu'il est pas qu'il a pas été utilisé intelligemment cette année. Je pense qu'il aurait dû, comme le disait Rio, ils auraient dû plus le faire jouer déjà d'une à son poste. Oui. Là, ça aide pour quand tu commences en pro, jouer à ton poste, c'est mieux. Et j'ai l'impression qu'il a été aussi qu'il n'a pas été justement entouré par les soi-disant leaders de ce groupe. J'ai l'impression qu'on l'a un peu laissé seul et jeté au feu.
C'est effectivement lui, Rio, Aurore le rappelait, qui était au poste d'Achraf, sous la suspension d'Achraf sur le dernier match du Paris Saint-Germain. Et il avait été très bon en plus. Très bon presque avec le niveau d'Achraf actuellement, à se demander s'il n'était même pas meilleur, en tout cas sur le match face à Troyes. Et c'est là aussi où c'est un peu dérangeant, c'est qu'on peut donner aussi un peu de continuité. Le petit, il a été bon. Alors maintenant, est-ce que Christophe Galtier est dans une position pour dire à Achraf, écoute, j'attends un peu plus de toi et je remets le petit, je suis pas sûr. Mais je trouve que c'est un peu dommage de pas capitaliser quand les Titi font des bons matchs. Je regardais juste derrière nous, là, sur notre droite, le groupe des remplaçants du Paris Saint-Germain avec Carlos Soler. Vous pourrez réécouter l'entretien Carlos Soler, je dis bien réécouter, à la mi-temps de ce match Paris Saint-Germain Ajaccio. On vous en avait fait profiter il y a quelques semaines. Il est d'ores et déjà disponible, vous le savez, sur l'application et sur tous les différents sites free pour revivre cet échange avec l'Espagnol qui... Devrait partir l'été prochain. Devrait. Pour moi, ça serait un mieux peu pour tout le monde, même peu, pour lui. Un peu comme ouais. Et qui t'a dit l'inverse, je t'aurais pas cru. Je... Non, mais il a été décevant. Mais alors, est-ce que ça a été de sa faute? Ça, j'en sais rien parce que encore une fois, il a pas été aidé, clairement pas. Et est-ce que le PSG, c'est pas un peu trop pour lui? Ça aussi c'est une vraie question, donc je pense que pour lui et pour le PSG, le mieux ça serait que la romance s'arrête dès cette année. Ouais, je suis assez d'accord, hein. ça a été compliqué. Alors parfois on a vu, et notamment à Paris, des joueurs qui sur leur première année, ça a été très compliqué, mais voilà, pour moi il a pas été dans le style de jeu où on l'a vu forcément dans son ancien club. Il a besoin d'une équipe qui joue vraiment au ballon et qui ait beaucoup de complémentarité, qui ait des relations techniques. Et au PSG, si on regarde le milieu de terrain, ils sont toujours éloignés, ils n'ont personne devant eux qui défend pour eux. Donc il est trop exposé pour moi dans ce PSG-là. Alors après, si ça change, peut-être qu'on le verra un peu plus, et notamment plus dans le cœur du jeu, je trouve, plutôt que quand il joue parfois piston droit ou un peu plus haut. Mais ça a été une saison quand même très très compliquée pour lui. Jules, tu étais cette semaine chez toi, sur ton île, avec effectivement un passage du côté d'Ajaccio pour aller t'enrichir des informations auprès du coordinateur sportif, Johan Cavalli. On a échangé avec le coach Pantaloni et on comprend ce travail. Ça a été une saison exceptionnelle. C'est l'un des meilleurs souvenirs de l'ère moderne d'Ajaccio, cette remontée en Ligue 1. On va retravailler en Ligue 2. Comment tu as perçu le coordinateur sportif sur la motivation, sur l'allant de travail pour la suite? Alors déjà, Il y a énormément de travail à faire. Il le sait. Ils ont capitulé, hein. Ils savent très bien que l'année prochaine, ça sera la Ligue 2, sûrement, hein. C'est fort possible. Et ils la préparent assez intelligemment. Ils se sont permis de cette montée en Ligue 1 pour finir de se structurer quand même. Ils ont maintenant un très bon stade de Ligue 2. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est être intelligent dans les recrues, être malin, parce que on le sait tous, encore financièrement, c'est compliqué de faire venir des joueurs. Donc voilà, Yo Caval, il fait ce qu'il peut, fait ce qu'il a. Et aujourd'hui, ils se voilent pas la face. Voilà, tout simplement, il est fier de ce qu'ils ont fait. Cette Ligue 2, ils la connaissent très bien. Ils savent que ça va être très compliqué, comme le disait le coach tout à l'heure. Elle va être très compliquée, mais ils ont confiance en eux. Ils ont confiance en eux. La dernière phase des Parisiens, juste à notre gauche. Dernière phase d'échauffement que maintenant vous connaissez avec les caméras de Wall. On va vous montrer ça, bien évidemment. Rio, toi, tu vois comment ce travail de l'ACA, cet échec, ça aura été une saison tellement compliquée. Le coach nous en a parlé. La gestion de l'après-Coupe du Monde, cela aura été la fracture pour l'ACA. Il a manqué du poids offensif. Ouais. 22 buts seulement marqués par l'ACA, sur toute la saison. Kylian Mbappé à lui seul, c'est 24. Les joueurs stars qu'on est allé chercher, ben on a eu des plus, des moins. On pense à Belaïli, on pense au malheureux Amouma, trop longtemps blessé. Ça a été dur pour l'ACA. Ouais, ça a été une saison vraiment compliquée. Avec un départ, hein, où ils avaient montré de belles choses, notamment à Lyon, on était sur le premier match, où on se disait ben, il va falloir qu'ils soient bons à domicile pour essayer de se maintenir. Et malheureusement, ils n'ont pas eu les résultats escomptés. Alors il y a eu pas mal de choses qui, tu l'as dit, Amouma qui aurait pu faire du bien, et les stars qui n'ont pas répondu présent. Mais je pense quand même qu'ils.
Ah, ils avaient quand même moyen de faire beaucoup plus que ce qu'ils ont fait malgré le contexte général. Après, Jure, rassure-moi, j'espère qu'ils y croient encore ce soir parce que on dit que là tu dis ton capitaine. Moi j'espère qu'ils y croient encore. Hein. Non, je pense qu'ils ont quelque chose à jouer. Il faut être honnête. Après, c'est un club qui a la tête sur les épaules. Ouais. Oui, c'est un club qui est assez lucide, géré par des gens hyper intelligents. Regarde leur calendrier, ils ne pouvaient pas faire pire, je crois. Donc, ils se préparent. Voilà, on espère tous, c'est un miracle. Mais ils se préparent pour la Ligue 2 et ils sont servis de cette année en Ligue 1 pour se structurer. Ils l'ont fait assez intelligemment. On attend toujours, vous le savez, c'est un signal pour nous, cette dernière phase d'échauffement du Paris Saint-Germain pour ensuite quitter notre place et aller nous mettre en position de commentaire, ce qui est un signe également pour toi, Mathy Bolt, de prise en main de cette antenne gratuite sur YouTube, que ce soit sur Free ou sur Fairplay. Ce qu'on va faire peut-être, Mathy Bolt, pour ceux qui nous rejoignent, qui auraient manqué les premiers instants de cette retransmission, livre-nous le meilleur de tes séquences, Léo Messi, s'il te plaît, sur le futur de Léo et retour sur cette séquence difficile avec cette fameuse vidéo. J'aimerais également que tu nous livres cette image forte et on en discutera dès qu'on sera là-haut. Tu nous la passeras dès qu'on sera là-haut avec Jean-Michel Aulas qu'on va saluer parce que c'est un travail colossal mené par l'un des classiques du football français qui va tirer sa révérence quant à sa place de président officiel de l'Olympique Lyonnais. On va y revenir. En attendant, le meilleur des séquences Messi avec toi, Mathy Bolt. À tout à l'heure. Alors, si vous nous rejoignez, sachez que Lionel Messi est titulaire ce soir. Christophe Galtier l'avait annoncé hier en conférence de presse sans en faire aucun mystère. Question lui avait été posée en conférence de presse. La réponse a été claire. Est-ce que il fallait, oui ou non, remettre Léo Messi titulaire? La réponse est oui, parce que Léo est Léo et les stats de Léo Messi ne peuvent pas faire rougir eu égard à ce qu'il a réalisé déjà en championnat. Alors Lionel Messi, vous le savez certainement, a repris l'entraînement lundi en solitaire. Mardi, il a retrouvé ses coéquipiers et lundi soir, c'était sa première sortie médiatique depuis cette escale mouvementée en Arabie Saoudite. On va partir avec l'élément T20. Lionel Messi était à Paris. Il a été élu pour le prix Laureus. C'est un peu l'Oscar du meilleur sportif de l'année. Donc il a eu deux récompenses, à savoir le meilleur sportif en tant que personnalité individuelle. Et l'Argentine a été élue meilleure équipe. Donc forcément, cérémonie avec Lionel Messi qui maintenant est un petit peu rodé au discours officiel. Alors Lionel Messi, évidemment, a remercié tout le monde. Lionel Messi aussi a dit qu'il avait beaucoup souffert dans sa relation avec l'Argentine et qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la récompense avec cette Coupe du Monde qui a été glanée au mois de décembre. Il a aussi dit qu'il avait eu une relation qui était très bonne avec le FC Barcelone. Donc il n'a pas manqué d'évoquer ce club qui a jalonné toute sa vie. Peut-être y retournera-t-il. Et en attendant, on s'est aussi demandé, tiens, avec l'élément T18, ce que s'était dit Lionel Messi et Robert Lewandowski. Alors, ce sont des images de la chaîne ESPN. ESPN qui ont aussi fait beaucoup d'écho en Espagne. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, on parle d'un retour de Lionel Messi au Barça. Il faudra bien sûr qu'il y ait des conditions qui soient validées par la Liga, notamment pour le plan de sauvegarde financière du Barça. Tiens, sur le chat, dites-nous, est-ce que vous croyez que Lionel Messi va aller du côté du FC Barcelone cet été? Est-ce qu'il va rejoindre ses coéquipiers avec un salaire on dit qu'il serait aux alentours de 13 millions d'euros comme Robert Lewandowski. Eh bien, que se sont-ils dit? Eh bien, tout simplement, ils ont parlé de la vie à Barcelone. Antonella Messi a demandé si Lionel Messi se plaisait comme ils se sont plu avec sa femme. Donc Robert Lewandowski a dit oui, qu'il était très heureux du côté de la Catalogne. Et vous savez donc aussi que Lionel Messi a fait cette vidéo d'excuses publiques qui en a surpris certains, qui en a moins surpris d'autres. Et bien voici la parodie, parce que dans l'avant-match on vous a proposé la version officielle, on va partir avec l'élément T25bis. Voici la parodie, voici le pourquoi des excuses de Lionel Messi. Évidemment c'est fallacieux, évidemment il faut prendre ça au second degré. Regardez un petit peu avec l'élément T25bis, un petit sourire avant ce coup d'envoi, un petit sourire avant le protocole, puisque là, vous voyez que Spider-Man va apparaître. Et oui, il y a une petite surprise pour cet avant-match. Regardez sur votre droite, et là, on a Alex qui parle en même temps. Oui, Alex. Est-ce que tu nous entends? J'étais avec toi en train de regarder et les images de Messi en short
et Monsieur Spider-Man, je me suis dit, mais est-ce qu'on est au bon endroit, finalement. Voilà. voilà le PSG. Est-ce que finalement on est en bon endroit. Spider-Man qui descend du toit, les garçons du Parc des Princes pour livrer la feuille de match. Mesdames et messieurs, vous ne rêvez pas, Spider-Man. Là, la couche culotte, c'est moyen. Alors, donc, l'image, elle est... La dernière image, c'est pas terrible, non. Je reste sans voix. La dernière image, je suis pas trop au raccord. Vous avez vu les garçons également. Aurore vous a montré là, l'image qu'elle avait gardée dans son petit cartable. Les lauréats, les prix décernant et saluant les carrières des meilleurs sportifs, notamment sur cette dernière année. Lionel Messi qui a pour une énième fois pris ce prix lauréat. Et on a vu encore Messi affichant un sourire. Ce qui manque ici au parc, Messi avec le sourire. Mais voilà un nouveau trophée qui vient honorer Lionel Messi. Ouais, encore une fois, ça récompense, je pense, énormément la Coupe du Monde aussi. Hein. La Coupe du Monde qu'il a remportée avec son pays. Il a été énorme. Hein. Il a été dans les deux meilleurs joueurs pour moi avec Mbappé. En tout cas, les plus décisifs. Et c'est assez logiquement qu'il mérite ce trophée. Oui. Logique. Après, à part lui, je vois pas qui aurait eu le mérite de l'avoir. Après, c'est vrai que ça fait plaisir de le voir sourire parce qu'on n'a plus l'habitude. Donc, c'est une très bonne chose. Le drapeau arc-en-ciel, qui, vous le savez, qui va planer sur cette 35e journée du championnat de France de la Ligue 1 Uber Eats. Vous le savez, c'est avant la journée mondiale contre l'homophobie qui est ce mercredi 17 mai. Les joueurs de Ligue 1 et de Ligue 2, donc les 40 clubs, se sont unis à cette cause lancée par la Ligue. C'est la troisième fois consécutive que la Ligue décide de porter cette action, bien évidemment, contre l'homophobie avec ce message fort, homo ou hétéro. On porte tous le même maillot, on le dit souvent, le football sert de vecteur social, de vecteur sociétal. Il faut utiliser ce vecteur pour soit mettre en avant des bienfaits, soit dénoncer des maux de la société. En voici une nouvelle fois la preuve. C'est une très bonne chose. En plus, ça rime. Hétéro, homo, maillot, tout ça, ça fait beaucoup de mots. Non, mais c'est bien. On le sait, c'est un vecteur... C'est un vecteur social, le football est le sport numéro un au monde. Donc si on peut faire passer un message, c'est là-dedans. Et c'est bien d'en parler parce que justement, dans il y a beaucoup de clubs amateurs ou professionnels chez les très jeunes qui commencent à initier ça. C'est à initier les enfants, les alerter tout simplement parce que c'est à cet âge-là où on peut avoir un gros impact. Et nous, je le vois à travers les Girondins, dès les petits, on fait pas mal d'actions dans ce sens-là pour sensibiliser sur toute forme de discrimination. C'est vrai que c'est important de le dire parce que ça paraît encore, quand on voit des témoignages de joueurs professionnels témoigner et afficher enfin une homosexualité et parfois des complexités dans des vestiaires ou autres, on le voit encore et ça paraît encore avec une notion d'exceptionnel de voir un joueur pro dire dans un vestiaire qu'il est homosexuel et c'est presque trop rare. Il y a peu de joueurs qui finalement l'affichent. Hein, ouais c'est clair, il y a peu de joueurs. J'ai vu qu'il y avait un joueur là au Sparta Prague, pardon. Exactement. Qui a dit tout simplement son coming out. Ouais. Et c'est vrai qu'on a l'impression que quand c'est une personne qui le fait, c'est presque surréaliste quoi. Alors que non, c'est normal. En tout cas dans le football ou partout dans la vie, dans la société, on ne doit pas faire attention à nos orientations, peu importe toute forme de discrimination, et voilà, on avance tous ensemble. Hein. Exactement. Alors vous le verrez sur les différents maillots des joueurs, si vous l'avez vu depuis l'entame de cette 35e journée, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Les numéros de maillots donc, sont en couleur arc-en-ciel. Les brassards des capitaines sont également arc-en-ciel et se propagent comme ça un peu partout sur les terrains, des manifestes pour dire non, bien évidemment, à l'homophobie. La sortie des 22 acteurs attendu pour ce Paris Saint-Germain Ajaccio. On vous l'a dit, la bataille pour le titre pour Paris, parce que Lens, Lens est bien là, 10 contre 11 pour s'imposer face à Reims hier, 2-1. On est à 3 points des Parisiens, et puis on vous l'a dit, le schéma est très clair pour l'ACA,
il n'y a pas d'autre issue que la victoire. Non. Parce qu'en cas de match nul ou de défaite, officiellement, l'ACA accompagnera le SCO d'Angers en Ligue 2 pour la saison prochaine. Il y a une belle image également, Jus, qu'on va voir apparaître là. Rio l'a peut-être pas vu, mais nous on était là au parc tout à l'heure quand on l'a vu passer avec nous. Bruno, ouais. C'est Bruno Rodriguez. Ah. Bruno Rodriguez qui, vous le savez, qui a porté les deux couleurs de l'ACA de Paris, qui est un Corse. Lui qui est né à Bastia. Ouais. Lui qui vit aujourd'hui du côté d'Ajaccio également. Qui vit à Bastia, mais j'allais te dire, pardon, qui vit en Corse, mais il est tellement partout en ce moment. Ouais, en ce moment, pour vraiment porter un message fort. Ça, exactement. Vous le savez, malheureusement, amputé sous son genou, sous sa jambe, vous le verrez peut-être avec sa prothèse. Il va donner le coup d'envoi de ce match. C'est un message fort aujourd'hui qu'il porte. C'est beau ce qu'il fait. C'est très très beau parce que c'est arrivé très très vite. Amputé en mars 2022. C'est ça. Alors on sait que voilà, il a eu une carrière extraordinaire, donc forcément quand ça arrive psychologiquement, il nous l'a dit. Enfin, moi, ça a été très suivi. Son histoire a été très suivie. Donc il avait fait beaucoup d'interviews et il disait que il avait souffert tout le long de sa fin de carrière et que l'après-carrière avait été très difficile. Donc il avait fait le choix c'était de son propre choix, de s'amputer une partie de la jambe pour plus souffrir et d'en faire un peu son cheval de bataille. Donc il partait un peu à droite et à gauche, pas seulement en France, mais de partout pour dire et montrer que tout est possible. On peut avoir malheureusement une jambe en moins et continuer à vivre normalement. Rio, effectivement, Jules a raison. Je regardais une nouvelle fois. Quelle carrière quand même, ouais. Hein, lancé en pro du côté de l'AS Monaco, donc Bastia, Strasbourg, Metz, le Paris Saint-Germain en 1999, un prêt du côté de Bradford en première ligue, le Racing Club de Lens, prêt à Guingamp, le Rayo Vallecano, Ajaccio, Metz, Clermont, il a bourlingué, il a voyagé, une belle carrière, 259 matchs, 76 buts, c'est fort, hein, c'est pas mal, c'est très bien même, franchement, à l'heure d'aujourd'hui où certains rêvent des carrières, on sait qu'elles sont courtes. Ce qu'il a fait en termes de longévité, c'est très beau. Après, oui, on va dire que ça a peut-être manqué un petit peu de stabilité, mais en tout cas, il a vu beaucoup de choses. Il a voyagé et les voyages, ça forge. Donc, non, franchement, chapeau à lui, à sa carrière et ce qu'il est en train de vivre. Il faut être costaud mentalement et c'est bien le message qu'il transmet. Il a 50 piges aujourd'hui, Bruno Rodriguez. Il va apparaître sur cette pelouse pour aller donner ce coup d'envoi. Les 22 acteurs sont là. On va vous rappeler ce 11 du Paris Saint-Germain qui est exactement celui qui était annoncé, amorcé par la presse ce matin avec Donnarumma dans les buts, avec Marquinhos, Ramos, Danilo en défense, avec Bernat sur le côté gauche, avec Achraf Hakimi sur le côté droit, de retour, de suspension, Marco Verratti, Fabian Ruiz au milieu de terrain, devant Messi, Ekitike et Kylian Mbappé du côté de l'ACA. Olivier Pantaloni nous a livré ce 11 avec le jeune Solo Caro qui sera dans les buts pour terminer cette saison, avec Avinal et Vidal, Youssouf à droite, Diallo à gauche, Mangani, Koutadeur et Marchetti, El Idrissi à la pointe de l'attaque, Spadanouda, le Suisse sur le côté gauche et ce sera Barreto sur le côté droit. Ouais, je pense qu'il y a une photo en commun. Avec voilà. Le message, j'imagine, contre l'homophobie porté par la... C'est bien ça, c'est bien. C'est très très bien, très très bien. Alors, les chats sont ouverts, je vous le rappelle, sur les différentes chaînes. On est ensemble sur Facebook, on est ensemble également sur YouTube. Je vais allumer avec mon petit smartphone ce chat. On va également se brancher sur l'application Free Ligue 1. Je vous rappelle que les buts lensois sont disponibles. Je vous rappelle que les buts strasbourgeois sont disponibles. Et ça, c'est gratos. Elle est importante, la victoire de Strasbourg, face à Nice, 2-0. Elle va leur faire du bien. Elle va faire du bien, ça. Pour le maintien, quand on voit la situation des Nantais, je pense que s'éloigner comme ça, ça va... Pour moi, ils ont fait un très grand pas pour se maintenir. Oui. Strasbourg face à Nice. Demain, les garçons, il y aura Clermont face à l'Olympique Lyonnais. Il y aura Brest-Auxerre. Brest-Auxerre. Celui-là, il va valoir son bon pesant de cacahuètes. Montpellier face à Lorient. Les Troyens dans cette bataille sont sur la pelouse de Rennes. Ça va être compliqué pour Troyes. Les Nantais sont à Toulouse. On terminera avec Monaco-Lille. Et le SCO d'Angers, d'ores et déjà relégué sur la pelouse de l'Olympique de Marseille. Ouais. Est à Nantes, l'arrivée d'Aristouille. L'arrivée d'Aristouille, là, qui tente avec l'ancien défenseur. Comment tu vois ça? Juste s'est prononcé sur le départ d'Antoine Camboiré, enfin sur le limogeage d'Antoine Camboiré. Moi, ce qui me surprend, c'est juste 4 journées de la fin.
c'est compliqué pour celui qui arrive. Il est vraiment en opération commando. Mais l'arrivée d'Aristui, ouais, et pas celle de Ziani, c'est aussi bizarre. Ziani, ça fait un moment qu'il est avec la réserve et à chaque fois qu'il y a un changement, il est pas concerté, en tout cas on lui propose pas le poste. Surprenant, mais Aristui, oui, j'ai joué contre lui l'année dernière en 19. Il a le profil, c'est un entraîneur qui est aussi gueulard, hein, qui a du un fort caractère, donc on va voir s'il va obtenir les résultats qu'il faut pour sauver Nantes. Bruno Rodriguez qui est sur cette pelouse et qui a donc relevé ce pantalon parce qu'il tient à ce message. Il l'affiche ce message, il le porte ce message. Léo Messi qui vient le voir avec donc cette jambe droite amputée sous le genou. C'est un message fort, j'ai eu ça. C'est beau. Ouais. C'est un message très fort. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir parce que je connais Bruno et je sais qu'il a énormément souffert de cette période. Et je pense que là, il est vraiment content et ému parce que ben, c'est des moments durs et qu'il a réussi à passer par-dessus. Et aujourd'hui, il peut avoir cette fierté de dire qu'il est enfin tranquille et qu'il n'a plus de douleur. Près de 300 matchs de Ligue. Médiatiser ces combats, ça peut aussi aider beaucoup de gens qui sont dans la même situation et qui parfois se sentent très esselés. Tu as entièrement raison. Et porté par toi et par ta voix, ça a aussi une belle résonance. C'est parti pour ce coup d'envoi entre Paris et Ajaccio. On est ensemble sur les différents chats, Facebook, YouTube, avec Mathieu Boll pour examiner tous les réseaux sociaux, les datas également. Ce match très attendu. Bataille pour le titre pour le Paris Saint-Germain, donc après la victoire de Lens. Bataille pour le maintien. Pas d'autre issue que la victoire pour l'ACA. Pour espérer y croire encore et ne pas poser les deux genoux à terre. Ouais, tout de suite, hein, l'équipe d'Ajaccio qui est vraiment dans son coin et qui va attendre. Elle montre tout de suite la couleur et la physionomie de leur entame. Ils veulent récupérer le ballon et partir en contre. Et là, ben justement, les Parisiens vont faire tourner. Et ce qu'on disait, Julien, je suis pas sûr que ce rythme-là leur permet d'accélérer. Donc, enfin, bon, il va falloir essayer de trouver des solutions. Je te dis, regarde, ça fait 42 secondes, mais bon. Voilà. Droite, gauche. Paris au match aller qui s'était imposé 3-0 du côté de la Corse. L'ACA qui jouait à ce moment-là en 4-4-2 avec d'autres velléités. Il y avait d'autres hommes, il y avait d'autres forces. On l'a précisé dans les schémas d'Olivier Pantaloni qui malheureusement n'aura pas pu compter pleinement sur les recrues de l'ACA cette saison. Un homme qu'on va surveiller également de près, les garçons, c'est Monsieur l'arbitre. C'est Pierre Gayouste, 33 ans, arbitre fédéral qui n'a pas encore un gros bagage dans les matchs de Ligue 1, cette saison, c'est un gros match pour lui, être ici au Parc des Princes. Il avait arbitré Paris une première fois en cette saison, c'était en septembre, sur la victoire sur la pelouse de Nantes, mais trois matchs seulement de Ligue 1. Un quatrième du côté de la vidéo. Sur les dernières stats que j'ai, c'est ce que j'ai affiché. Mathieu Boll, tu vas vérifier la stat pour me rectifier si besoin. Bien évidemment, sur le site de la Ligue. Mais c'est un arbitre à surveiller parce que c'est un arbitre qui a également la gâchette assez facile au niveau des cartons. On a vu ça. Ça, attention. Ouais, et on sait qu'à la CA, il y a quand même 2-3 joueurs un peu sanguins. J'ai remarqué aussi, par contre, que Messi se fait siffler à chaque fois qu'il touche le ballon. Hein. Donc ça, à mon avis, c'est pas une bonne idée. Ça va pas lui plaire. Non, du tout. Mais bon. Fabien Ruiz, la transmission jusqu'au rond central avec Sergio Ramos. Sur le côté gauche avec Bernat. Il y aura Danilo derrière lui, cette défense à 3 bien installée maintenant avec Ramos, chef de file maintenant depuis bon 2 mois. Ouais. Il a pris les rênes de cette défense. Ouais, ouais. Marquinhos à droite qui a hoqué le brassard. Mais l'homme au sifflet, c'est bien Sergio Ramos. Ouais, c'est lui le patron. On le voit, il est toujours en train de gesticuler. C'est lui qui contrôle la défense. Il la fait remonter. Il sait jouer leur jeu quand il faut. Et surtout, il sait intervenir quand il faut. Donc, c'est vraiment lui le patron. Le premier centre à destination de Kylian Mbappé, qui a aussi un coup à jouer, les garçons. Parce qu'il y a cette bataille avec Alexandre Lacazette. Pour être meilleur buteur de ce championnat de France de Ligue 1. Le Lyonnais regarde ça devant sa télé avant le match de demain. 24 buts tous les deux. Il y a eu un petit chassé croisé. Au début du championnat, Alex Lacazette était devant. Kylian est repassé pour passer à plus 4 à un moment donné. Et puis Alexandre est remonté. Ouais, était repassé devant. Et puis il y a eu un quadruplé. D'accélération. Ouais. Et puis on est maintenant à 24-24. Qui va finir devant d'après vous? Mbappé. 25 ans, Alex 31 ans. Ça serait bien pour le vieux, non? Ça serait top. Franchement, ça serait top. Et il est capable. Hein. Je ne dis pas qu'il ne peut pas le faire. Mais surtout qu'en ce moment, il est en pleine confiance.
Et c'est juste extraordinaire ce qu'il a fait le week-end dernier. Mais je pense que Kylian, il va vouloir se couvrir à tous les matchs. Ouais. Et son but qu'il a émis face à Lorient. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand il prend le ballon devant le gardien. Oui. Je pense que celui-là, il peut coûter cher Il peut à la fin compter pour un beau trophée. Mais c'est bien, ça aussi, c'est pareil. Ça montre quand même que cette Ligue 1, là, cette année, elle a été costaud. Parce que normalement, là, à cette époque, même celui-là, de prix, il était déjà joué. Ouais. Donc là, c'est bien. Les deux sont à 24, ils se tirent la bourre. Tant mieux pour nous. Les chats sont lancés, les amis. Je salue Leïla Carbon, qui est avec nous pour l'un des premiers commentaires et qui nous assiste. Une sorte de service SAV. Merci beaucoup, Leïla, qui précise à ceux qui sont sur le chat, qui ne connaissent peut-être pas encore la méthodologie de notre système freeligien. On est en mode second écran, les amigos. On vous le rappelle, pas les images de match, en tout cas dans le direct. Vous l'avez en quasi-direct sur l'application freeligien, c'est-à-dire que vous nous suivez en live sur les chaînes YouTube en mode gratuit. Vous prenez votre téléphone avec vous sur les zones territoire français, et puis vous regardez le match en mode quasi direct, je vous le répète, en mode quasi direct avec le mode premium pour avoir en tout et pour tout 30 minutes de la rencontre en plus des buts qui vous sont offerts gratuitement et le résumé du match 15 minutes après le coup de sifflet. Ah. Et l'ambiance est dans la cube. Ah bah, j'allais rebondir, on entend les mouches voler. Ouais, il y en a pas. On entend les mouches voler, on vous le précise, vous le savez qu'il y a un bras de fer entre Nasser Al Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain, et une partie du CUP, le collectif Ultra Paris. Et il faut savoir que justement la zone qui est juste derrière le gardien corse, elle est vide. Toute la partie Cassos du côté du CUP là-bas, c'est vide, c'est eux qui apportent normalement l'ambiance. Et puis il y a sur la partie supérieure également, il y a eu la volonté de boycott et de non-assistance Après, de la part du collectif. Ça fait un certain temps déjà, pour la semaine dernière le PSG a interdit à ce CUP de faire le voyage et il leur avait remboursé leur billet et leur voyage, donc ça a passé un cap dans leur relation avec le club. Donc je ne sais pas ça aussi comment ça va se finir, mais ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça au PSG. Ça c'est clair, on a en tête l'historique de ce rapport avec ce virage, oui. Qui était en partie, attention à ce centre au premier poteau, c'était vers Kylian Mbappé, ce sera repoussé, ça sera un corner, vraisemblablement en faveur de Paris. Ce virage qui a changé de profil, on se souvient de l'engagement du président Bertrand Leproux, de la part du président Leproux, et puis... D'autres orientations prises, on a redonné vie différemment à ce virage et aujourd'hui il y a clairement une confrontation entre la direction du Paris Saint-Germain et ses supporters de Paris. Ouais, c'est vrai que c'est une confrontation qui est forte, qui est importante hein, et on avait tendance à croire jusqu'à présent, malgré les résultats du PSG décevants, que les dirigeants tenaient un petit peu ce public-là, et là on se rend compte qu'il y a une vraie fracture. Donc comment ils vont la régler, je ne sais pas, je pense qu'ils vont tous se poser pour le bien du PSG autour de la table et discuter, mais aujourd'hui en tout cas c'est... Ça a l'air bien compliqué et il faut avoir envie de gagner ce titre et après rediscuter sur les termes et notamment la saison prochaine parce que les supporters veulent se faire entendre. Évidemment, c'est pas à eux de diriger le club, mais je pense qu'ils sont en droit de demander à ce que notamment les joueurs s'investissent un peu plus côté PSG. Ouais. Premier point intéressant, je sais que ça va te plaire, ça joue au milieu de terrain. Fabian Ruiz qui a, depuis un petit moment, remis des points dans la boîte, qui s'est installé, ça y est, dans un poste de titulaire, dans ce milieu de terrain de Paris, et qui fait plutôt un bon boulot maintenant. Ouais, il fait un bon boulot, il a pris le rythme. On avait la critique assez facile le concernant au début, lui et Soler. Soler n'a pas réussi justement à passer le cap. Je pense que Ruiz a réussi à se lâcher un peu plus et à se remettre un peu en confiance. Et aujourd'hui, c'est devenu un titulaire presque à tous les matchs. Et je trouve que c'est assez mérité parce qu'il prend beaucoup de risques. La frappe de Lionel Messi, elle est contrée par la défense de la CA. Ouais. Il prend beaucoup de risques, il est juste dans ses choix. Et on lui reprochait d'être un peu trop latéral, de pas prendre de risques. Et il a bien changé. Et ça fait du bien pour un joueur comme lui parce que
parce qu'il le méritait aussi. Rio, je te pose la question, je vous pose la question également sur le chat, les amis. Est-ce que Fabien Ruiz doit rester au Paris Saint-Germain? Est-ce que la direction sportive du Paris Saint-Germain doit conserver Fabien Ruiz pour la saison prochaine? Je vous lis, mettez-moi vos réponses, oui ou non, avec un petit commentaire, en attendant la réponse de Rio. Oui, moi je pense qu'il doit rester. Il doit rester, pas comme un titulaire indiscutable, mais plutôt dans une espèce de rotation. Et on sait qu'au PSG, avec la Champions, la Coupe de France, le championnat, il y aura quand même beaucoup de matchs. Et je pense que lui, pour moi, en venant au PSG, c'était pas forcément un titulaire. Mais si tu as d'autres milieux à côté de lui qui apportent un collectif plutôt bien huilé, je pense qu'il peut faire du bien. Et il peut franchir un cap et il peut retrouver le niveau qu'il a eu à Naples. Le premier corner est à suivre. Il est frappé par Lionel Messi. Et il y a eu du coup une... On va vous expliquer. Le corner est frappé pied gauche vers le point de pénalty. C'est repoussé. Il y a eu un vent et contre-vent. Un duel. C'est très simple. Il y a eu les premiers sifflets qui sont descendus pour accompagner Lionel Messi. Et tout d'un coup, là, l'effet boomerang, les supporters de Messi, les supporters de Paris qui veulent accompagner Messi se sont levés et l'ont applaudi. Bah oui, c'est non, pas mal, mais ça. Ça, c'est une bonne chose. C'est intelligent. Ça prouve un peu que... Qu'il y a certains intelligents dans les tribunes, parce que le sifflet, il faut arrêter maintenant, c'est bon. C'est ce qui se passe au PSG cette année, c'est pas uniquement de sa faute. Attention pour Paris, la frappe de nouveau sur la cage de la CA, c'est repoussé. Mais ce qui s'est passé cette année, c'est pas seulement de sa faute. Là, le voyage, bon, bah, c'est peut-être une erreur, mais arrêtez de le siffler, c'est le meilleur joueur de tous les temps, profitons-en. Profitons du fait d'avoir le meilleur joueur de tous les temps dans ce championnat, parce que ça sera pas chaque année, on n'aura pas cette chance. Donc arrêtons de le siffler, arrêtons de le dénigrer et profitons de le voir encore sur nos terrains. C'est quasiment à 100%. Fabien Ruiz doit rester au Paris Saint-Germain, selon vous, sur le chat. Je prends le dernier message là de Jonathan Lauriou qui nous dit oui, il faut qu'il reste, très clairement. On va se souvenir aussi des propos d'Antoine Comboiré qui avait été assez fort en soutien à Lionel Messi, qui avait dit que la Ligue 1 ne méritait pas Lionel Messi. Bah, la Ligue 1, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que montrent là ce soir certains supporters, c'est oui. Eux ne méritent pas de voir Messi. 15 buts, terrain. 15 passes décisives en Ligue 1 pour le moment. 20 buts, 19 passes décisives en 37 matchs cette saison. Voilà. Ouais, voilà. Tu parles pour lui. Hein, c'est clair. En Ligue 1, il n'y a pas photo. Mais vous vous rendez compte qu'à Paris, dans le public, il y a beaucoup d'étrangers. Il y a beaucoup aussi de gens qui viennent pour voir les stars et notamment Messi. J'ai vu qu'à l'entrée du couloir, il y avait une bande d'Argentins qui aussi. Donc, c'est aussi un show. Et c'est vrai que ceux qui l'applaudissent, c'est des fans qui se déplacent pour le voir. Et voilà, ils ont les yeux émerveillés de voir ce joueur-là. Bien sûr. Donc voilà, après, il faut pas. Voilà, faut être lucide. Et voilà, il y a des matchs qui n'a pas été performant. Mais je pense que sur sa saison, tu as dit les stats. Voilà, en championnat, il n'y a rien à dire. Ballon dans les pieds des joueurs d'Ajaccio. On a vu une occasion menée une nouvelle fois par Fabien Ruiz, là, qui était passé, qui avait intercepté un ballon pour le porter sur le côté gauche, pour essayer d'aller l'adresser à Ekitike. Ça avait été joué, coupé par la charnière de la CA. Et derrière, Danilo, qui de l'autre côté, impeccable. Danilo aura pris cette mesure également cette saison à ce poste-là, dans cette défense à 3. Il marche très bien sur ce côté gauche, Danilo. Ouais, il n'était pas forcément attendu. Ouais, je suis d'accord. Ici, à ce niveau, on pensait à Kipembe, notamment, quand ils allaient repasser à 3. Et au final, il fait encore ses matchs. Il fait partie de ces joueurs où à chaque fois on se dit ça va être compliqué ou il va être là pour le turnover, mais au final c'est peut-être un des joueurs qui a le plus joué au PSG et surtout un des meilleurs cette saison. C'est le Matuidi de maintenant, quoi. Chaque début de saison, on le voyait faire des rotations ou pas trop jouer, et au final c'était le mec sur qui tu pouvais compter à chaque fois. Mais Danilo, c'est un guerrier, quoi. C'est le mec qui est là pour l'équipe, pour le club, et il fait à chaque fois ses matchs. Ballon sur le côté gauche. Voici la première incursion de l'ACA dans le camp du Paris Saint-Germain, avec un appui derrière, quelques sifflets qui descendent. Il y a du monde dans le parterre corse. Premier intervalle trouvé. Le relais pour aller sur la position de Sergio Ramos. Fabien Ruiz qui glisse sur ses appuis, qui va faire l'effort pour tenter d'aller couper dans les pieds du capitaine Mathieu Coutadeur. Ballon sur le côté droit avec la montée également de Youssouf. Il y aura une possibilité pour le latéral. C'est centré au deuxième. Première tête, elle est cadrée. C'était bien joué de la part de la CA avec cette tête claquée. Qui est-ce qui était venu claquer cette tête, les garçons? Je regardais vite. C'était pas Coutadeur. C'est pas Marquetti qui était venu taper cette tête là. Non. Barreto peut-être. Barreto. Ouais, c'est Barreto. Attends, je vais te dire ça de suite.
Je crois que vous avez raison. C'est Pareto qui était de l'autre côté. Exactement. Exactement. Bien joué les garçons. En tout cas, elle est bien amenée à cette action côté Ajaccio parce qu'ils ont pour une fois tenu le ballon dans la partie du jeu parisienne et ils ont fait un petit peu courir. Et on sait que Paris est en difficulté quand l'équipe adverse a le ballon parce que les deux devant, voire les trois équitiqués vont moins défendre. Il faut qu'ils soient capables, cette équipe d'Ajaccio de garder le ballon haut et faire courir le PSG qui reste sur 3 défaites sur 4 matchs à domicile sur les 4 derniers matchs. Marco Verratti agressé à chaque fois qu'il prend ce ballon, Marco Verratti, l'Italien, on sait que c'est la plaque tournante, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on fait avec Marco, les garçons? Qu'est-ce qu'on fait avec Marco? Il aurait reçu lui aussi une offre d'Arabie Saoudite. On enlève 1-0 par rapport à la somme de Léo Messi. On est à 1 milliard, vous le savez, pour Léo Messi, à 500 millions par an. On serait autour de 50-60 millions d'euros à l'année pour Marco Verratti. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je le garde parce que si tu sors ton seul milieu de terrain qui est capable d'évoluer à un très bon niveau, ça va être compliqué. Pour moi, il faut amener d'autres joueurs. Il faut amener d'autres joueurs. Après, est-ce que lui, il a envie aussi de rester? Parce qu'il fait partie de ces joueurs-là où on accuse tous les maux du PSG. Peut-être que lui aussi, à un moment donné, il peut en avoir ras-le-bol et envie d'aller voir ailleurs. Mais pour moi, en tout cas, en tant qu'entraîneur et quand je vois encore les propos de Galtier, c'est sûr que je le garde et j'essaie de l'entraîner. Tu gardes? Ouais. Jus? Oui, je le garde parce que ça reste un très bon joueur. Maintenant, est-ce que lui, c'est surtout... Moi, je pense que ça vient surtout... Ouf! Ça vient surtout de lui, s'il doit y avoir un départ. Peut-être qu'il a aussi envie de voir, parce qu'il ne faut pas oublier, il a vu que Pescara et le PSG. Donc peut-être que la trentaine, il a envie de voir autre chose. Gagner aussi peut-être des autre chose que des Ligue 1 et des Coupes de France. Je ne sais pas, mais si je suis PSG, bien évidemment que je le garde, parce que ça reste un bon joueur. Il y a Youssef qui nous dit Verratti doit rester. On nous dit également Marco est juste le meilleur milieu de terrain du monde, juste son défaut, il parle de trop, nous dit Bouche. C'est vrai qu'il parle. Marco Verratti, ce qu'il voit quelques biscottes sorties devant son museau. En attendant, il a double bulle cette saison, les garçons. Aucun but, aucune passe décisive pour Marco Verratti. Il devrait être là à donner ses ballons. Pour l'instant, il n'y en a pas. Le coup franc est assuré pour le Paris Saint-Germain. On est à la 16e minute et des Messi qui descendent au deuxième. La tête d'Ajaccio pour sortir ce ballon. Le deuxième qui va revenir sur la cage corse. C'est repoussé, ballon dans la surface. Corner ou pas, me semble-t-il? Corner ou pas? Corner. Dans le doute, de toute façon. Il a mis un bon ballon, hein. Messi, là, il cherchait Ramos. C'est super bon, retour, du défenseur assez et c'est... C'est vraiment une ambiance bizarre. Ouais, c'est très étrange. Très étrange. Corner à suivre. On a cherché un deux temps au préalable avec Achraf. Non, ça va être direct dans la boîte. Les grands sont là, bien évidemment. Seul Bernat est resté derrière. Pour vous dire, c'est qu'il est seul puisqu'il n'y a aucun joueur d'Ajaccio en dehors de sa surface. C'est vous dire, ils sont les 11 dans la boîte. Voilà qui est clair. Allez. Corner frappé par Léo avec son numéro 30. Pied gauche rentrant. Frappé au premier poteau. Repoussé de la tête, coup de sifflet. Sifflet, faute des Parisiens. De Monsieur Gayous, ce sera arrêté. Faute des Parisiens dans la surface. Ah, et pour le moment... Ajaccio qui n'est pas trop en danger, franchement ça fait un quart d'heure. Il y a eu la frappe de Ruiz qui a été bien contrée. Il n'y a plus rien qui se passe. La seule vraie occasion, c'est eux qui l'ont de la tête. Ouais. Donc pour le moment, c'est assez bien ce qu'ils font. Après, on sait tous comment ça marche avec le PSG, c'est dans la durée. Ils fatiguent leur adversaire pour trouver le décalage au bon moment. Mais ils ont un assez bon bloc. Et pour le moment, ça tient. Ballon à droite. Oula. Avec le passement de jambe qui avait été lancé par Ekitike. Ouais. Avec ses grands compas, là. Mais encore une fois, le PSG, on est sur un faux rythme. Rond central, Ramos. Avec Danilo, côté gauche. Pour aller chercher Kylian, qui va prolonger jusqu'à la montée de Bernat. Il faut que ce soit plus rapide dans la circulation. Entièrement d'accord. C'est vrai que c'est dur face à un bloc bas pour trouver des solutions, mais là ça fait un peu match de hand, ça tourne autour, ça ne veut pas rentrer à l'intérieur. Verratti à droite avec Achraf.
le duo sur Léo Messi qui en une a voulu resservir l'international marocain. Ça sera repris dans la course par la défense d'Ajaccio. Mais la touche sera parisienne. Pourquoi Ajaccio se montre aussi un petit peu plus ambitieux? Parce que là, ils font que subir. Et face à Paris, quand tu restes trop trop bas, à un moment donné, ben, le talent qu'ils ont, ils vont faire la différence. Donc. 22 buts, Rio, cette année. Ouais, c'est vrai. Ça... Enfin, je suis dur, mais 22 buts marqués par Ajaccio cette année. C'est trop peu, c'est trop peu. Ouais, c'est pas... 24 à lui seul par Kylian Mbappé. 22 pour tout la CA cette saison. Kylian, il est là, justement, pour être dans la boîte. Repris par 1, 2, 3, Corse, qui s'en sortent comme ils peuvent. Allez, la relance, dommage, parce que c'était pas mal joué, ça. Pour aller chercher l'Idrissi devant, ça sera contre au dernier moment par Danilo et repris par les Parisiens. Sur le côté droit, passage par Messi, Achraf. Verratti, Marquinhos. C'est là qu'il devrait accélérer, c'est là qu'il devrait accélérer. Achraf, passement de jambe sur l'arrêt de la surface sur le côté droit. Logiquement, Ekitike qui est sorti, il est au sol, Ekitike. Il y a faute ou pas? Non. Il est resté au sol, le géant parisien. Et attention parce que les Corses sont repartis. Il y a un bon ballon qui a fusé sur le côté gauche. Verratti fait l'effort et ça, il adore ça. Ça, il adore. Magnifique. Se jeter sur 18 mètres, Marco Verratti. Les fesses au sol. Tacle glissé pour aller chercher dans les pieds. C'est propre et il va en plus bénéficier du coup franc. Ça lui plaît. C'est ce genre de geste-là qui lui plaisent. Il en fait 200 par match, le tacle glissé. Mais là, en plus, il est propre, il le récupère. Il a dû avoir quelque chose. Ouais, je sais pas, il est tombé bizarrement, donc c'est même pas checké, donc. Je regardais les garçons le parcours d'Ajaccio cette saison sur 35 journées, 5 journées seulement en dehors de la zone rouge. Ouais. Ok, 5 journées seulement les deux premières. Ok. On monte, on a l'allant, les autres équipes sont encore... Alors que là, on monte en masse, on connaît nos automatismes. Donc souvent, les promus réussissent les entames de championnat. Ils ont réussi un retour 16-17-18, juste avant la Coupe du Monde. C'est ce que nous disait Olivier Pantaloni. Ouais. 16-17-18, et plouf, ils sont plongés et ils sont restés dans cette zone rouge. Ils ont même été 6 fois derniers du championnat. Il nous l'a dit, hein, il s'en veut dans leur préparation d'après Coupe du Monde. Peut-être qu'ils se sont trompés à ce niveau-là. Mais c'est vrai que cette Coupe du Monde là, au mois de novembre, elle nous a vraiment tronqué le football européen, on va dire, pour prendre un peu plus global. Ramos avec Danilo. Danilo, transversal de l'autre côté, il repart à droite vers Achraf. C'est dans les pieds, c'est parfait de la part de Danilo. Transmission latérale pour aller chercher Verratti. Également Lionel Messi qui est repris dans sa tentative. Ça va aller jusqu'à Fabian Ruiz qui ouvre pied gauche sur Bernat. Toujours la semelle de Bernat qui arrête, c'est toujours son schéma. Pof, semelle, avant de lancer éventuellement. Ça passera, ça passe. Extérieur pied gauche, on en parlait. Il a trouvé la mesure depuis plusieurs semaines. Fabian Ruiz, l'Espagnol du Paris Saint-Germain dans ce milieu de terrain. Extérieur pied gauche. Il trompe la vigilance d'Ajaccio. Paris 1, AC 1-0. Je pense qu'il y a eu une petite erreur du stoppeur ajaccien. Il a taclé, mais je sais pas s'il a pas glissé ou un truc comme ça, ce qui a permis à Ruiz de la récupérer. Et derrière, il a du sang-froid parce que je pense qu'il la prend un peu extérieur. Et le gardien Solacaro pense qu'il va la prendre extérieur justement pour l'envoyer au second poteau. Et finalement, non. C'est une frappe assez bizarre, elle part au premier poteau, mi-hauteur, donc c'est bien joué pour le coup. Ouais, à force de tourner autour de cette surface d'Ajaccio, ils ont trouvé la solution, c'est Danilo qui met un bon ballon, il y a peut-être un contre, et il bénéficie aussi de l'appel de Mbappé, justement, qui crée une fausse piste, et lui fait la course à l'intérieur, et après, on sent que c'est un pur gaucher, parce qu'il peut prendre le ballon. Il a mis belle. C'est vrai qu'on pouvait penser qu'il la met de l'autre côté. Ouais, on aurait pu penser ça, et puis finalement, je sais pas s'il n'a pas prise de la pointe, ou je sais pas. Il l'a mis belle. Troisième but cette saison pour Fabian Ruiz dans ce championnat de France de Ligue 1 avec une passe décisive à son actif. Voilà qui conforte vos propos, les garçons. Voilà pourquoi Paris va très certainement garder à l'été prochain Fabian Ruiz pour être un des éléments dans les multi-compétitions de Paris dans ce cœur et dans ce milieu de terrain. Ouais, ça conforte un peu, oui, ce qu'on dit et surtout ce qu'on voit. Ce que lui, il montre sur le terrain, hein. Il est de mieux en mieux. Il a été très bon aussi dans l'absence de Verratti quand il a joué devant la défense. Il peut jouer à 2, il peut jouer à 3. Donc c'est vraiment un profil à garder pour le PSG pour la saison prochaine. Bien sûr, complètement. C'est mérité, on le disait.
Oula. Récupération d'Ajaccio. Il y avait une petite combinaison jouée axe avec El Idrissi. C'était pas mal tenté de la part d'Ajaccio. Ballon qui était bien conservé. Et à voir comment Ajaccio va réagir pour ne pas. Il ne faut pas sombrer dans ce match pour les Corses. Il ne faut pas sombrer. Il faut garder la tête froide et se dire qu'il reste encore un peu de temps. Mais c'est vrai que quand tu prends un but du PSG à la 20e minute, ça peut te paraître un peu long. Bon ballon vers El Idrissi qui a le temps de lever la tête. Il est à droite de la cage de Donnarumma. Bernat était à la charge. Danilo, ballon en retrait, mal négocié de la part des Corses. Amouma manque également les garçons, parce qu'Amouma, ok, c'est un plus que trentenaire, ok, c'est la fin de carrière, ok, mais ça a de l'expérience, ça a du jus, ça, c'est, on est allé le chercher à Saint-Etienne pour ça, du côté d'Olivier Pantaloni. Ouais, ils sont allés chercher Mangani et Amouma pour ça. Malheureusement, l'un a plus joué que l'autre. Amouma a souvent été blessé et il a eu du mal, je sais qu'il a eu du mal aussi à s'adapter à Ajaccio et la Corse. Donc, Mouma, c'est 5-6 buts par saison. Il peut obtenir des pénaltys comme il a toujours fait à l'expérience. C'est sûr que c'est un profil qui aurait fait du bien. Il prend aussi la profondeur. Et ça manque un petit peu du côté d'Ajaccio. Donc, c'est vrai que sans lui, il doit lui mettre une. C'est vrai que sans lui, c'est compliqué. Ouais. Attention, ballon toujours dans la boîte en faveur du Paris Saint-Germain. Ballon en retrait, récupération, Marco Verratti qui centre. Ça sera repris de la tête par les Corses qui ressortent. D'après vous, il est en fin de contre. Il est venu un an, hein. Donc il est libre là, à cet été. Ajaccio va descendre probablement en Ligue 2. Que va faire Romain Amouma? On parle d'un retour à Saint-Té. Il ne reste pas, ça c'est sûr. Il ne reste pas? Ouais. Ok. Ça c'est sûr et certain. D'accord. Je sais qu'il a vraiment du mal avec ses blessures. Vraiment du mal avec ses blessures. Donc ce serait pas surprenant qu'il arrête. Ce serait pas surprenant. Ouais. Ballon sur le côté gauche avec Bernat. On a vu Kylian Mbappé lancer un pied loin, ouais, en geste acrobatique. Alors, il a faim, il veut aller marquer. Et hier, Alexandre Lacazette qui veut ce titre de meilleur buteur. Si celle-là, il la reprenait. Sergio Ramos, ballon à droite vers Marquis, ouverture très certainement, voilà qui est joué sur Achraf Hakimi, qui va avoir le temps de lever la tête, intervalle trouvé au niveau de l'arête, derrière avec Fabian, avec Lionel Messi, extérieur pied gauche, pour aller retrouver sur le côté droit Marquinhos, qui est monté d'un cran. Fabian, centre au deuxième, jusqu'à son compatriote Bernat, la tête en retrait, Danilo, toujours sur le côté gauche, avec Bernat, repris dans ses pieds. Mais l'effort est concluant, Bernat va encore récupérer, Paris reprend tous les comptes favorables les garçons. Exactement, ça manque tous un peu d'agressivité quand même du côté d'Ajaccio, parce que là ils sont dans leurs 30 derniers mètres. Il faut se montrer un peu plus agressif, surtout face à Paris. Hein. Si t'es pas agressif, tu vas pas le revoir le ballon. Ça c'est clair, et attention parce que là on est plein axe, attention parce qu'il y a du Messi. La frappe elle est contrée, heureusement, du côté de la défense corse. François-Joseph Solacaro a pu prendre ce ballon comme il a pu. C'était bien joué là par contre, ça joue en première intention en 1-2. Mais après derrière il y a eu un pied ajaxien, mais c'était ce qu'il fallait faire quoi. Arrêter de tourner autour du pot et aller directement au but. Alors à moi c'est pas plein de duel à la tête. Non et puis il y allait tranquille là. Il faut qu'il soit capable de la garder un petit peu. Pour les faire courir un petit peu les Parisiens. Thierry Auriard, je te remontre le but de Fabian sur l'app. Est-ce que c'est là où le ballon ressort? Est-ce que je vois déjà 1-0? Est-ce que le ralenti va passer à ce moment-là? Hein? Ah non, bougez pas, c'est de ma faute. Il est là. Voilà, pardon les garçons. Je vais vous mettre sur le ralenti, peut-être que c'est là où on aura les meilleurs points de vue. Est-ce que ça tourne? Ah, j'aime pas ça quand ça va passer. Et ben en attendant, la possession pour le moment est de 75% pour le Paris Saint-Germain et 25% pour Ajaccio. 25%. Et c'est peut-être une pointe, Kim, on va voir. On va la voir là sur le ralenti. Ah, il y a le joueur qui. Non, extérieur. Il la met bien. Donc c'est vraiment ce qu'il veut faire. On voit bien qu'il bénéficie vraiment de l'appel de. Tu as raison. Hein, de Mbappé qui embarque son défenseur et. Il fait une course à l'opposé. Je vais vous montrer un truc. Est-ce que je peux avancer jusqu'à la cam pour vous montrer un truc sur l'écran, pour vous montrer un peu encore comment ça se passe? On est à la 35e, vous connaissez la limonade. Là, ça te va ou j'approche? J'approche, un petit chouïa. Là, ça va. Regarde. Donc, je vous montre comment ça se passe. Vous voyez en haut, là, au niveau de mon doigt, vous voyez les petites bulles affichées. C'est là qu'à chaque but du championnat,
dès qu'un but est inscrit, les petites bullettes s'affichent. Vous cliquez dessus, vous avez le but. Ok, c'est très simple. Et en dessous, ici, vous avez tout ce qui se passe dans l'actualité. Là, c'est Olivier Pantaloni qui est passé à notre micro dans l'avant-match. Vous l'avez, vous cliquez dessus, vous revoyez l'interview. Et si vous êtes en mode clipping, si vous êtes abonné free, vous avez ce mode-là, vous cliquez dessus et vous voyez tous les meilleurs moments, vous voyez les matchs. Ok, en quasi-direct. Dès qu'il se passe quelque chose sur la pelouse, vous avez ce qui se passe. Regardez, je clique dessus ici, paf, je revois l'action. Vous voyez, très simplement. Et ça, c'est sur l'option mode clipping. Si vous êtes un abonné free, vous avez ça. Si vous n'êtes pas un abonné free, si vous téléchargez l'app, quel que soit votre opérateur, à moins de 4 euros par mois, vous avez cette option-là. Et vous voyez tous les matchs, en tout cas 30 minutes du match en quasi-direct. Franchement, on ne peut pas faire mieux. Quant au but, vous le voyez là-haut, je reviens. Regardez par exemple, un but de Lens d'hier, je clique dessus, tac, vous voyez que le but s'affiche tout de suite. C'est aussi simplement que ça. Aussi simple. Corner à suivre, jouant de temps. En faveur du Paris Saint-Germain, ça va revenir avec Léo Messi. Allez, au deuxième. La sortie, bien, très bonne sortie. Le choix pour toi, Jules, d'avoir donné à François Joseph ces 5 derniers matchs. Ben, je sais pas si c'est en préparation de ce championnat Ligue 2 ou si c'est. Benjamin, il a 34 piges, hein, le roi. Ouais, mais c'est pour un gardien, c'est vrai que c'est tu pas peux très vieux. 45 ans, tu joues dans les putains. Donc est-ce que il fait ça pour le récompenser d'être toujours numéro 2, de pas broncher, parce que c'est le cas, il est numéro 2 et il l'a toujours fait sans rechigner, sans poser de problème. Alors est-ce que c'est une récompense pour finir le championnat, ou justement, comme tu le dis, le roi part et Solacaro devient numéro 1. Devient numéro 1. Ouais, ça peut aussi des fois pour un club, pour le directeur sportif, pour le coach. Mais on va le tester. Hein. Tester est-ce qu'il est capable de répondre aux attentes de la Ligue 1 là pour le coup. Mais voilà, des matchs de très haut niveau. Il peut gratter un ticket comme ça pour partir, pourquoi pas, titulaire la saison prochaine. Oui, c'est vrai. Il y a quelque chose qui m'intéressait également sur ce premier temps de passage, on est à la demi-heure, c'est la gestion de la défense corse, parce que tu l'as dit, Jus, à la lecture et la préparation de ce match, tu l'avais perçu, la défense d'Ajaccio, beaucoup de cartons rouges, les quatre hommes titulaires ce soir ont tous été à un moment donné exclus dans l'une des 34 premières journées. Ce fut le cas de Diallo à la 22e, ce fut le cas d'Avinel à la 13e, ce fut le cas de Vidal à la 14e, de Youssouf sur le flanc droit à la 29e. On a un arbitre qui décoche facilement pour l'instant, je les trouve plutôt bons. Ils sont bons parce que déjà d'une, tout le monde travaille et travaille très bien chez eux là, les 11. Et après, le problème dans tout ça, c'est que ce genre de carton, tu peux les prendre aussi avec la fatigue. Avec la fatigue et le temps qui passe. Donc pour le moment, il n'y a rien à se reprocher, ils sont tous très bien. Très bon geste là-bas vers Kylian Mbappé sur le côté gauche. Il va être seul, il va rentrer dans sa phase de réparation, il va venir sur son pied droit, il va repiquer vers l'intérieur. Très bien revu. La défense, très bonne. Et au passage, à souligner, j'ai beaucoup aimé une nouvelle fois. Je ne vais pas saluer mon cousin, mais bon, c'est lui, j'y peux rien moi. Il y avait là, empêtré près du poteau de corner, Danilo qui a trouvé Fabian Ruiz, qui a pas flashé à l'extérieur du pied, mais transversal de l'autre côté pour sortir d'un étau. Voilà une nouvelle fois le geste qu'il ne réussissait pas avant. Et oui, et en plus ça part de là et ça finit surtout dans la surface d'Ajaccio. Donc c'est une belle sortie du côté du Paris Saint-Germain. Après, pour revenir sur la défense d'Ajaccio, moi je trouve que c'est bien, mais c'est pas suffisant parce qu'ils doivent être quand même un peu plus agressifs. Au-delà de sans prendre de carton rouge hein, et sans évidemment casser des chevilles. Mais je pense qu'il faut se montrer un peu plus agressif quand même face à Paris. Ouais. Bernat qui a remis en une sur Kylian qui est au sol, ça va revenir. Mais il y a un coup de sifflet. Me semble-t-il, de monsieur l'arbitre, où il a accordé le but. Il a accordé le but à Paris. C'est validé pour le Paris Saint-Germain. Hakimi, ça fait 2-0. Ce ballon qui était arrivé sur la cage de Paris, qui était ressorti par la défense, qui s'est un peu interrogé, qui est resté à l'arrêt. Paris a conservé ce ballon jusqu'à Achraf Hakimi, qui vient placer le ballon. Et derrière, saluer monsieur Sergio Ramos. Ça fait 2-0 pour Paris. Ouais, ce but, il va lui faire du bien à Hakimi, parce qu'il traverse une période compliquée. Et il a le mérite d'être dans la surface de réparation d'Ajaccio pour suivre cette frappe d'Mbappé repoussée par le gardien. Mais ça témoigne encore une fois du manque d'agressivité de cette équipe d'Ajaccio, qui Mbappé autour de trois joueurs, il arrive quand même à placer une frappe. Après, le gardien repousse comme il peut, mais Hakimi est là pour bien suivre et il la met au fond. Il fait un très bel arrêt le jeune gardien. Ils sont en train de le checker.
Eh ouais, il check avec monsieur l'arbitre. Est-ce que Hakimi serait pas hors jeu sur la frappe de Mbappé? Juste au passage, je vous dis, Rio, que Monster 26, ah, vérification là-bas. Il va aller à la Monster 26 est arrivé. Ah, il nous salue. Et en plus, il nous dit, j'ai une bonne nouvelle à vous dire, les gars. Ah, Monster, est-ce que t'as demandé Aurore en mariage? Je pense qu'il a été dit. Il a été dit au restaurant, quoi. Non. Ah, c'est possible. Ouais. Elle avait un je ne crois pas. C'est vrai? Une bonne petite table à Évreux? Même pas, rien. Toi, tu nous caches des choses, toi. Monster, donne-nous la bonne nouvelle, s'il te plaît. Fais-nous plaisir sur le chat. On check à la VAR. De notre côté, on va avoir l'application. Et Neymar est dans les tribunes. On a notre propre VAR. Et Neymar est dans les tribunes. On a notre propre VAR. Ici, sur les smartphones, on va vérifier tout ça. Alors, le but est... bien évidemment. Moi, j'ai la réponse de Monster. Oui. Attends, bouge pas. Bouge pas. Ah. Ah, je suis mauvais. But accordé. Ouais. Par la VAR, on va le revoir là. C'est le live, hein, les garçons. Donc, on n'aura pas le ralenti là-dessus. Mais on va voir au moins peut-être ce qui a été discuté. Bernat en une. Qui main, remet. Là, Kylian dans la surface. 1, 2, 3, 4. Bel arrêt. Ouais, il n'y a rien. Non, est-ce qu'on réclamait peut-être la main de Kylian Mbappé, ouais. C'est possible, peut-être ouais. Ça. Parce que ouais. Achraf, pas de hors-jeu. Non. Sur ça, on a la VAR, hein. On a la VAR, nous, hein, les amis. Hein. Ah, bah nous. Les gars, c'est la VAR H24. On va le revoir sur le ralenti, je vais vous le mettre. Ouais, de toute façon, il est pas fou, je pense. Ouais, ils veulent pas rejouer les. Oui, c'est contrôle de la main qui a été checké de Mbappé. Ouais. Ouais, c'est ça. Le ralenti va. Il est là, le gars live. Donc, ça, normalement, c'est le ralenti. Ok, bam, bam, bam. Est-ce que je le passe là? Là, normalement, il va passer. Non. Et la main. Bougez pas. Oui. La touche est en faveur des Parisiens. Le temps pour nous de checker ça. Alors je ne la vois pas. Non. Là, je crois pas. Tu tapes le ventre un peu. Non. On va regarder sur l'autre ralenti. Il y avait un plan serré. Est-ce que sur celui-ci, on va voir quelque chose? Là, on peut rien voir. Là, il n'y a rien du tout. Si ce n'est le super arrêt, effectivement. Là, peut-être qu'on va voir quelque chose. Non, c'est trop tard. Ouais. Ah, là, peut-être qu'ils ont pensé. Non, rien du tout. But validé. Attention, ça va revenir encore pour Paris. Ça va décaler sur le côté gauche vers Bernat qui va remettre en retrait. La position de Messi qui va essayer de retrouver quelqu'un au point de pénalty, c'est contré. Second ballon récupéré par... Il faut attention à la CA de ne pas prendre un bouillon. Ouais, là, ça parce va être que ça peut là. Sentir le bouillon. Hein. Ça peut qui dit défaite, dit de la CA, dit relégation. Ouais. Donc ça pourrait en plus partir sur... Et ouais. Qui dit match nul aussi. Qui dit aussi match nul. Ça veut dire que là, il faudra en mettre 3. Il y a 2 buts pour l'espoir. Ouais, mais c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Bien sûr, c'est déjà arrivé. On en a même pris 4. Danilo. Une époque. Ballon sur le côté avec Bernat qui va remettre sur Fabian Ruiz. Voilà, ce soir, j'ai du mal à les voir revenir. Verratti, oui, moi aussi. Ballon à droite avec Achraf Hakimi à la langue de la surface. Ça va décaler, on va tenter le centre. Ça sera un corner. Oui, c'est un corner. C'est un corner à suivre pour Paris. Ouais, c'est pas assez pour la CA, pour Ajaccio. Il manque de... Ça manque de profondeur, ça manque de dernière de prise de risque. Il risque pas d'arriver grand chose aux Parisiens, quoi. Messi pour frapper le corner. Si les positions restaient figées, donc à savoir Paris champion, Lens deuxième. Est-ce que selon vous, Lens peut nourrir des regrets ou Lens doit être archi satisfait de sa saison? Regret pour Lens et pour Marseille. Parce que cette année, il y avait quand même quelque chose à faire. Alors, c'est vrai qu'ils font des championnats magnifiques. Hein, ouais. Pas forcément attendu à ce niveau-là. Mais je pense quand même que ça laisse des regrets, notamment le match ici. Avec le carton rouge. Ouais. Je pense que s'ils gagnent celui-là, ça change tout. Avec le carton rouge qui avait changé la donne complet. Parce que si effectivement Lens s'impose ici à Paris, c'est pas du tout la même. C'est pas du tout la même. Et bien sûr qu'ils ont des regrets, forcément. C'est évident. Après, c'est beau, hein. Deuxième place. Ouais, rien à dire. Lens qui va être en Ligue des Champions. Ouais. La semaine dernière, c'était déjà validé après le match de Nice. De son côté à distance, faisait que Lens était officiellement qualifié pour les joutes européennes. Là, ça va être la Ligue des Champions. Francaise a réussi son pari. Meilleur coach de Ligue 1, n'en pas douter, lors des prochains trophées UNFP. Affaire à suivre, mais Lens réussit un parcours absolument remarquable. Presque parfait. Presque. Verratti qui a vu l'appel de Kylian, qui avait tenté un petit coup de passe-passe extérieur, pied droit en lune. Je ne sais pas ce qu'il a voulu tenter justement,
mais... Il y a des Corses qui sont avec nous. Il y a Alexandre Coppolani, Forza ACA. Il y a Lilia également qui est là, ACA. Il y a des supporters Corses qui sont avec nous. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Envoyez-nous vos petits messages. Envoyez-nous les petits messages. Vos pronoms. Monster 26. La nouvelle de Mathieu Bolt. Qu'est-ce qu'il dit, Monster? Tu vas être maman? Non, félicitations, Monster. Non. Félicitations. Monster, bravo. Il va être voilà. Papa, magnifique, bravo, Monster. Il va être papa, magnifique. Monster 26, il nous annonce qu'il va être papa en direct sur le chat. J'adore. Bravo. Merci, Monsieur Monster. Bravo. À félicitations à la maman bravo, aussi. Ouais, bravo à voilà. Madame. Bravo, bravo à Madame. Félicitations à la maman. Bien sûr. Bravo, bravo, bravo. On saisit ce point 2. Pas oublier. Hein. Danilo, interception. Très bon match pour l'instant. Également de Danilo, comme Fabien Ruiz. Tout ça, ça marche bien là ce soir. Kylian Mbappé, le relais est trouvé. Kylian qui. Ouf. Ça doit être limite. Hein, ça doit être limite hein. Secoué par derrière. Ouais, mais je suis. Légèrement en flanc gauche. Je sais pas. Je ne sais pas s'ils vont la remettre. Il y a de belles images là qui sont passées également dans tout le club Junior Paris qui est là-bas dans le corner à gauche quand vous regardez la cage de la CA. Il y a tous les enfants qui sont amassés là. C'est très joli à voir. Très bon coup franc pour Paris. Ouais. Messi. Pied gauche sortant ou pied gauche dedans au premier? Ou pied gauche complètement opposé, lunettes? Si c'est Messi, je dis justement ce que tu viens de dire là. Opposer lunettes là-bas. Ouais, opposer lunettes. Rio, tu mets à qui toi? Si c'est Messi. Hein. Si c'est Messi qui frappe. Bah, je pense que ça va être côté gardien, lunettes. Enfin, donc, lunettes. Il va essayer. Tu dis il va diagonale essayer. Ou serré? Oui, non, Diago. Il va l'essayer. Et s'il marque, ils arrêtent de siffler? Je pense. Moi, je dis décalage pour Achraf. Dans l'axe là-bas, tu penses? Ouais, devant la lunette. Ah ouais. Bon, il y a un ACIste qui est pas loin là. Ils sont fixés quand même pas mal. S'il la met. Il y en a un qui se met sur la trajectoire. Ouais, bien joué. Devant monsieur l'arbitre. Ah, s'il recule. On a frappé là. Marquis qui frappe peut-être? Non, c'est Messi. Non, c'est Messi qui frappe. Messi il frappe, ouais. Messi pour le coup franc. On est à la 41e. Messi pour frapper, il a frappé au premier poteau. Il s'est pris par le deuxième homme du mur. Ouais. Il a pris l'option 2. L'option par-dessus au premier poteau. Ils étaient 8 dans le mur. Tout le monde. C'est impossible. C'est repris. Voilà, c'est sympa. Il y a plein de messages là qui arrivent pour Monster sur le. C'est sympa. Il y a la commu chat Free League 1 Fair Play qui envoie là sur YouTube et sur Facebook des petits messages pour Monster 26 et pour son épouse pour la venue de ce petit bambin. Ça, c'est très sympa. Récupération Achraf. Derrière lui, c'est repris. Mauvaise transmission. Repris par la CA. Restez avec nous à la mi-temps. Si vous aviez manqué ce rendez-vous, l'entretien avec Carlos Soler qui nous avait livré ici dans les petites loges du Paris Saint-Germain. Select attribué au président du PSG, Nasser Al-Khelaifi. On nous avait ouvert les portes. C'est la même. Petite loge? Non. Un bel appart. C'est la même qu'on avait donc pu échanger avec Carlos Soler sur sa vie, son grand-père, ses parcours. Et si vous voulez revivre ça, c'est d'ores et déjà bien évidemment disponible sur tous les différents comptes officiels de Free League 1 et de Fair Play. Et ce sera une nouvelle fois distillé à la mi-temps. L'heure était au Mans. Ça nous file un coup de vieux quand même. Hein. Et lui, il est toujours en activité. Bien sûr. C'est vrai. Et il est là le capitaine. Pas gentil, ça, hein. Il est là le capitaine. 37 piges devant 227e match de Ligue 1 pour lui. 227e match de Ligue 1. Ça montait avec la CA. Pour lui, c'est son plus beau souvenir de sa carrière. Ouais, c'est normal, hein, franchement. La montée avec la CA. Ouais. Ça montait avec la CA. Ah ouais. Son plus beau souvenir. Il a joué à Lorient aussi, non? Il a joué il est descendu avec Laval, il descend avec Monaco. Quand Monaco descend, souvenez-vous, en 2011, il descend avec l'ASM. C'était ultra dur pour lui parce qu'il arrivait du Mans, c'était une expérience incroyable. Mm. Il descend avec l'AS Monaco, il a très mal vécu d'ailleurs cette saison-là pour lui. Et ensuite, souvenez-vous, il est allé à Laval où il fait une descente également de Ligue 2 en National. C'était dur, hein, il faut remonter. Hein. Il est là, l'Ascar aussi. Hein. Ah, il a fait... Descente Laval. Ça fait beaucoup de descentes. Ouais. Ouais, ça fait quand même. Hein, Ligue 2 nationale. Ça serait sa troisième. Ouais, mais s'il est. Alors, coup franc à suivre. On est à droite de la cage. Corse en regardant la position. Ça fait un ballon pied gauche naturel, logique pour lui. Là, il y aura du danger. Alors. La ficelle, là.
Où est-ce qu'il y a Verratti? Il y a du monde au deuxième. Il y a Danilo tout seul au deuxième. Je la vois au-dessus. Le coup franc est lâché, pied gauche. C'était dans la boîte, mais il y a une petite faute placée avec un Corse qui est au sol. Coup franc rendu à la défense de la Serre. Il n'a pas tenté, pourquoi? Ah, c'est son côté collectif, il a tenté une avant. Nkondani Miyakawamina. Je m'appelle Dro, je salue Messi depuis Congo-Brazzaville. Oula. Congo-Brazzaville, on est là. Rio, quel est ton meilleur moment fort contre Paris? Te demande Bush. Contre Paris, franchement, là, je sais peut-être pas. Mais moi, passe la tanne, passe la tanne. Non, la victoire en Coupe de France, c'est pour ça. Ah oui, victoire en Coupe de France. Ouais, victoire en Coupe de France. Et aussi, j'ai marqué au Parc, face au PSG. Donc, j'en ai pas mis beaucoup, mais marqué au Parc, ça reste quand même un bon souvenir. C'était sur ce fameux match où il y a eu... Ouais, la Zlatan. Ouais. Ballon récupéré par Paris, on est dans la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. Il n'y aura pas beaucoup de temps additionnel. Il y a eu une petite minute derrière, là-bas, un Parisien qui avait été soigné derrière le but Corse. Et monsieur l'arbitre avait arrêté le jeu. Le temps de s'entretenir avec le numéro 7 du PSG. Bernat à ce ballon, Danilo. Et juste, ton meilleur souvenir, est-ce qu'on doit savoir ce que c'est, non? C'est un but? Ouais, forcément. Bah, ouais, c'est ouais. Deux même. Mais lequel? Lequel match tu préfères? Bah, voilà. Le premier. Le premier. Voilà, donc il fallait un meilleur souvenir. Ouais, bah ouais, alors ouais. C'est le 3-2 en je plus. Je revois tellement ta tête quand tu pars et que tu regardes la tribune comme ça, le menton vient droit. Ah, oh, oui. Je vois tellement ta tête. Cherchez Liam. Ouais, on cherche dans la tribune ça le regard. Quel but incroyable. Ah oui. En plus, on peut pas dire que tu l'as pas fait exprès. Non, ouais, là. On a mis un autre à Lille. Ouais. Attention, Corse qui récupère ce ballon sur le côté droit. Coup à jouer en une. C'est remis. Aïe! De la pointe du pied, semble-t-il. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Je sais pas si Marquinhos enlève ce ballon, mais non. On aurait dû plus y croire côté Corse. Soit El Idrissi qui était passé devant. Soit l'ami. Qu'est-ce qui était là? Padanouda. Ah oui? Ouais, c'est lui qui est surpris quand Marquinhos la laisse passer, je pense. Ou en tout cas, on ne peut pas intervenir. Ah oui, c'est Spadanouda qui était là-bas. Ouais. Il a mis le pied, mais juste... Le pied sans le mettre. Ouais. Le pied, c'était dans sa course, naturellement. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Il n'a pas coupé la trajectoire de ce ballon. C'est dommage, ça, pour la CR, parce qu'elle était finement jouée. Et franchement, elle va au fond, il n'y a rien à dire. Hein. Ah, ouais. Ah oui, c'était bien joué. Et puis 2-1, avant la mi-temps, c'est pas la même. Ouais, bizarre. Hein. Bizarre, geste assez bizarre. Ballon récupéré par Paris, du coup le souffle est passé, Achraf, Verratti, et de nouveau sur Achraf Hakimi. La petite talonnade pour lui-même, ce n'aura pas trompé la défense corse, la touche sera parisienne. Bon, mi-temps plutôt tranquille pour Christophe Galtier du coup. Les garçons, oui. Il y a eu deux occasions avec cette tête cadrée et cette dernière occasion que les Corses auraient pu convertir, mais pour le reste, tranquille pour Paris. Tranquille, ils n'ont pas forcé beaucoup. Je regrette que la CA n'ait pas pris plus de risques parce qu'on sait tous qu'en attendant comme ça, à un moment donné, tu te fais punir. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, j'espère que Olivier Pantalone, en deuxième mi-temps, il va être honnête avec eux. Il va leur dire, bon, maintenant, les gars... Lâchez, voilà, allons-y. Lâchez-vous, les garçons. Lâchez-vous. Attention, ouais. On avait été arrêté dans sa course, mais me semble-t-il que Kylian Mbappé, qui avait réussi son dribble, passé devant, me semble-t-il, a été arrêté un peu irrégulièrement. Ouais. Hein. C'était Thomas Mangani, non? Je sais pas, mais je me demande s'il n'y a pas un gros tirage de maillot. Ah ouais, monsieur, on va revoir ça, mais... En tout cas, c'est Mangani qui discute avec lui. Mais c'est peut-être pas lui qui avait commis la faute. En tout cas, Kylian, là, il est très clair. Je pense qu'il ne fait pas trop de zèle, là, d'après moi. Non. Christophe Galtier avait plus parlé d'un match déterminant au lieu d'un match décisif. Ouais. Donc... Attention à la tête, ça sera repris, ça sera un 6 mètres. Il y a Sidi qui nous salue de Montréal, les garçons, de Montréal, Canada. Ah bon? C'est bien d'avoir tous ces gens un peu partout là. Congo, Canada, Brazzaville, un peu partout. On n'ira pas plus loin, c'est la mi-temps 2-0 pour Paris face à l'ACA, relief de ses 45 premiers à Rio. Ouais, un Paris qui mène assez logiquement dans ce match. Pas trop inquiété par cette équipe de Ajaccio qui est trop timide et qui n'a pas assez d'armes à mon avis pour pouvoir faire mal au Paris Saint-Germain ou un minimum les inquiéter.
Donc c'est assez logiquement qu'il gagne Paris. Et attention à Ajaccio de ne pas prendre ce troisième but qui va définitivement sceller le match et pas prendre une rouste. Olivier doit lâcher ses hommes. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense qu'il doit leur dire maintenant, voilà les gars, il reste 45 minutes, lâchez les chevaux, on n'a plus rien à perdre. Donc ce qu'on a vu en première mi-temps, ça a été assez pauvre, hein, côté ACiste, malheureusement. Ils n'ont pas assez tenté, ils ont joué avec le frein à main, alors que ça aurait dû être le contraire. Ils auraient dû justement tout tenter. Et côté parisien, ça va, franchement, ça va que c'est pas à dénigrer la SIA, bien au contraire, hein, mais ça va que c'est pas une équipe du haut du classement, parce que ça ressemble vachement quand même au PSG qui nous énerve depuis le début de la saison. Les garçons, les burgers sont arrivés. On va saluer Fred, notre chargé de prod qui est ici avec nous, avec Way of Life, notre équipe de production qui à chaque fois nous assure ce confort de travail. Et donc ces petits encas à la mi-temps. On va en profiter pour vous livrer donc l'entretien avec Carlos Soler. C'était ici même il y a quelques semaines, donc dans les loges du président Nasser Al Khelaifi, pour revenir sur sa jeunesse et notamment son rapport avec son grand-père. C'est très émouvant, vous allez voir ça, et revenir sur sa trajectoire et son temps d'adaptation au Paris Saint-Germain. Carlos Soler avec les équipes de Starting Block Production pour Free Ligue 1, c'est l'entretien de la semaine. Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus. La capitale, le Parc des Princes, l'antre du Paris Saint-Germain, monsieur Carlos Soler nous fait l'amitié de nous recevoir à la maison. Carlitos, comment estamos? ¿Qué tal? Bien. ¿Listo? 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 Preparado. Bien. On y va, c'est parti, nouvel épisode de votre entretien Free Ligue. Mis amis, ainsi très heureux de vous retrouver, Carlos, merci beaucoup. Empezamos en francés, si te va bien. Un poquito, okay. ¿No? Un pelín. Bien. Sí. Te voy a enseñar esto, mira. Esto para ti. Esto pantalla de fotos. Vamos a hacer una cosita. Vas a empezar tú, tienes que elegir una foto, la que tú quieras, y empezamos así. Y tenemos que contar un poco lo que te viene con todas estas fotos. Muy fácil, ¿eh? Puedo escoger esta. Fueron mis inicios en el fútbol directamente, porque mi abuelo que bueno, Don Rafael Barragán falleció este año, 2022, este año pasado. Para mí fue el que me inició en esto del fútbol. Mi abuelo pues vio que le daba bien al balón, que chutaba bien, sí. Y me dijo si te compro la Game Boy, que era lo que yo quería, te apuntas a un equipo, que era el equipo que jugaba mi hermano, que era el Buen Reposo, porque mi hermano tiene 6 años más que yo, que bueno, Alex está aquí, Alejandro, estos son mis padres, mi hermano y Antonio y Mercedes, este soy yo un poquito más joven, y nada, eso, mi hermano jugaba en este equipo, en el Buen Reposo, un equipo, un pueblo al lado de Valencia. Y yo empecé mi abuelo me compró la Game Boy. Y a partir de ese año que tenía yo, creo que tenía 5 años, me apuntaron y ahí empezó todo, porque estuve 2 años, de ahí me fichó el Valencia y ya pues un poco en Valencia estuve desde los 7 hasta los 25 prácticamente, o sea 18 años. Y por eso un poco quería empezar por ahí, ¿no? Elijo yo la siguiente y vas tú después. No sé si la gente lo sabe. Esta me gusta. Ahí es el primer año que me firma el Valencia. Y bueno, eso es al acabar la primera temporada que conseguimos el título. Y salgo con Raúl, que era mi primer entrenador, fue mi primer entrenador. Y el otro os sonará, supongo. No sé si os suena. Es Pedro Chirivella, que está en el Nantes. En el Nantes. Tengo muy, muy buena relación con él y de hecho jugamos pronto contra ellos. Y incluso, esto no lo sabéis, pero se va a quedar conmigo a pasar un día en París después. ¿Sí? Mira, y vamos a elegir entre esa y a mí me gusta esta también. Ajá. Por el dorsal. Por el 9, ¿no? Por el 9, por supuesto. No sé si la gente lo sabe aquí. Hay que saber que Carlos Solé empezó marcando 100 goles por temporada. 100 goles. El primer año. 100 goles. El primer año metí 100 justos. Es enorme. Es enorme. Tú ibas de 9. Y ahora 9, sí. Y pasando los años, bajando un poquito, ajá, de falso 9 y después de 8. Eso es. Sí, la evolución ha sido así, pues hasta los, creo que 11 o 12 años, desde los 7 era 9, luego en juveniles me pusieron de 8, que es un poco más organizador,
Y luego en el filial del Valencia, juvenil a filial, me pusieron de 6. En esa época el juvenil a del Valencia pues era el primero ya. Prácticamente de los mejores de la liga y salir como 6 era pues un poco el que ordenaba el equipo y es verdad que o sea, vine de 9, 8, 6 y luego pasé otra vez a una posición intermedia de interior, 8, 10 y bueno, ahí me he quedado y eso creo que me ha dado un poco también esa polivalencia de poder jugar en varias posiciones cuando se me ha requerido. Cuando ves estas fotos, si por ejemplo te enseño aquella, si tú estarías delante de este chico, ¿qué le podrías decir? Pensar que iba a estar en uno de los mejores clubes del mundo, con los mejores jugadores del mundo, cambiándome día a día, entrenando día a día con ellos, siendo partícipe de esto, pues creo que no me lo hubiera creído nunca. Y es verdad que nunca te paras a pensar y seguramente lo valores cuando te retires. ¿Lo has hablado con tus padres, con tu hermano? ¿Qué te han dicho? Ellos súper, la verdad que súper respetuosos en el sentido de dejarme libertad, obviamente, y elegir yo lo que más feliz me hiciera en ese momento. Y en ese momento, pues, la llamada del París, que fue el que apostó por mí, bueno, yo lo hablé con ellos y me dijeron que adelante, que lo que tuviera que ser y que si era lo que a mí me hacía feliz, pues, que lo hiciera. Me voy de nuevo con Don Rafael. Hoy día de esa entrevista, día 2 de marzo 2023. ¿En qué día? Estamos en... Jueves. ¿Qué hacemos los jueves? ¿Qué hacemos los jueves? ¿Comemos? ¡Ah! El arroz al horno. ¡Arroz! ¡Arroz al horno! Cuéntanos esto, porque esto es muy bueno. O sea que cuando tú empezaste, tenías en la mente guardar este día de jueves, porque el jueves con tu abuelo, arroz al horno. Yo iba todos los jueves, en este caso, a casa de mis abuelos, a probar, bueno, a tomar el arroz al horno que me hacía mi abuela. Y tenía ese día guardado, sí. Eran mis inicios, ¿no? En el Valencia, que ya me tenía que empezar, pues, obviamente, a cuidar mucho más la alimentación, pero ese día pues me lo intenté guardar y de hecho ya más adelante me quité de tomar el arroz, pero seguía yendo. En plan, yo iba con mi comida, mis padres, mis abuelos tomaban arroz al horno y yo pues lo que me tocara. Hablando de comida, esto me encantó también. Has hecho un live, fue en Instagram, ¿no? Sí. Un live haciendo paella. La única, a lo mejor la única que has hecho. No, he hecho más. Uy, por supuesto. Esta foto me encanta porque me encanta. Dani Ceballos. Dani Ceballos, que fue también compañero tuyo en las selecciones inferiores con España. Ahí estaba aún jugando con el Arsenal. Te pone, Carlos, esa paella no hay quien se la coma. O sea que, por vous, a la maison, c'est que Carlos se lancé dans la... Il a fait une paella, il a mis ça en live sur Instagram. Et Dani Ceballos, en la pandemia, durant la période Covid. ¿Cómo te fue esto? ¿Esta idea? Eso es genial, ¿eh? Fue pensado y hecho de un día para otro. Con un amigo mío y lo pensamos de un día para otro y lo hicimos. La verdad que tengo que decir que me salió horrible. Pero esta es verdad que era la primera vez que yo hacía. De hecho, no tenía ni idea. Mi abuela Amalia hace todos los domingos en el chalet, en su chalet. Sí, sí. Y yo iba a comer, pero nunca me había puesto con ella a hacerla. Ya, ok. Entonces mi amigo Vicente, que sabe mucho de esto, me enseñó a hacerla en directo. O sea, yo no sabía, yo no tenía ni idea. Y me salió eso, y me salió mal. Si te enseño de nuevo estas fotos, y como al principio, tienes que elegir una, y me la comentas. Bueno, de las que no hemos sacado, a lo mejor esta. Esta soy yo de pequeño con la... con la Copa del Rey que ganó el Valencia en el año 2008. Y me acuerdo que fui una tarde con mi abuela, después de salir del colegio estuve como 2 o 3 horas con ella, pobrecita, haciendo cola para hacerme simplemente una foto. Y aquí no está, porque no está en las fotos, pero luego tengo
una en Mestalla con la copa que ganamos en el 2019, sí, sí. Y era un poco la esa comparación de 11 años atrás, hacerme una foto con la copa que había ganado otras personas y el 2019 pues haberla podido conseguir con mi gente, ¿no? con Mestalla. Eso fue en el chalet donde se hacen las paellas, no. Ahí es, y esto fue unos meses antes de que él falleciera, que le regalé, bueno, aquí se puede, con cariño y amor para mis yayos, mis abuelos. Ah, sí, muy bueno, no lo había visto. Sí, está dedicada y firmada, sí, muy bien. Y todavía la tiene mi abuela ahí en casa. Esto es de los Juegos Olímpicos, sí, que jugamos la final que perdimos contra Brasil, conseguimos la medalla de plata. Y bueno, se la regalé en ese momento y le hice esa foto, y esa foto es la que tengo en el fondo de pantalla de mi móvil. Y bueno, como te he dicho, mi abuelo es una de las personas más importantes que ha pasado por mi vida. Carlos Garcés, a ti tenemos cita. Paella. Tenemos para rato. Tenemos para rato. Carlos, muchísimas gracias a ti. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Muy bien. L'interview Frilega de Carlos Soler, le milieu terrain du Paris Saint-Germain, l'Espagnol. À suivre quelle sera sa destinée au terme de cette saison et au prochain mercato estival. Je peux vous l'assurer, on se l'était déjà dit, c'est vraiment un bon bonhomme avec un parcours. C'est peut-être un mauvais choix dans un parcours sportif, mais c'est un sacré bon bonhomme, vraiment. Ouais, ça se voit que c'est un vrai bon mec. On le voit dans l'échange que vous avez, dans l'entretien. Il paraît simple, naturel. Malheureusement pour lui, hein, il est venu là pour le ballon, et le PSG l'a pris pour ça. Et pour l'instant, il ne répond pas aux exigences qu'un joueur, en tout cas international espagnol, doit apporter au Paris Saint-Germain. C'est malheureux, mais voilà, après, on ne sait jamais. Hein, il pourra peut-être rebondir, mais pour l'instant, c'est compliqué. Ouais, après, ce n'est pas un mauvais choix, parce que quand le PSG t'appelle, c'est forcément un bon choix pour toi, pour ta carrière au départ. Tu t'imagines pas faire ce qu'il a fait, quoi. Une saison plus que moyenne, surtout qu'il était à Valence, je crois. Il était vraiment au-dessus. Donc quand le PSG t'appelle, tu y vas. T'espères avoir la qualité pour passer le cap qui te permettrait de grandir. Malheureusement, il a sûrement oublié qu'il changeait de culture. C'était compliqué. Tu changes de culture, de langue, de football, parce que le football français et le football espagnol est différent. Et pour le moment, il a du mal. Alors après, est-ce qu'il va avoir le droit de rejouer on va lui donner une seconde chance, ou alors on va pas être patient et on va lui dire, bah écoute, voilà, va jouer ailleurs parce que le PSG, c'est un peu trop haut pour toi. Matty Bolt, une image s'il te plaît à nous remontrer avant de revenir sur ce PSG-ACA. Avec un résultat tout d'abord qui est tombé cet après-midi, vous l'avez peut-être vu, la finale de la Coupe de France féminine. C'était un choc entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Victoire des Lyonnaises, 2-1, avec un doublé d'Egerberg, l'une des meilleures joueuses de la planète. 12e et 23e minute. Les Parisiennes avaient réduit l'écart à la 36e sur pénalty avec Bachmann, et les Lyonnaises termineront la rencontre à 10 avec une exclusion à la 86e minute. Voilà un dernier trophée qui vient rendre hommage à un homme fort du football français, Matty Bolt. C'est Jean-Michel Aulas. Montre-nous ces images, parce que la décision a été prise par le nouvel actionnaire Textor de mettre une fin au parcours en tant que président de l'Olympique Lyonnais. Et l'Olympique Lyonnais, du coup, a ressorti des images d'archives du président qui va donc quitter ses fonctions. On va partir avec l'élément Tessan. Donc c'est un règne de 36 ans. Il y a eu les 7 titres consécutifs de champion de France avec les garçons, et puis une empreinte énorme pour le football féminin en France, dans la croissance du football féminin. Certainement, le football féminin ne serait pas au niveau qu'il est aujourd'hui en France s'il n'y avait pas eu Jean-Michel Aulas. Donc voilà, Monsieur Aulas qui va donc
quitter l'Olympique Lyonnais et qui va, entre guillemets, changer de rôle après ce long règne en France. Il va notamment garder des prérogatives fortes auprès des filles. Hein. Ouais. C'était vraiment dans son désir, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il a porté ça aussi à bout de bras. Hein. C'est clair, c'est lui qui a porté ça et il a dominé l'Europe même. Hein. Il a gagné plusieurs Ligues des Champions. Et cet après-midi, j'ai pu regarder pendant que j'étais dans le train. Et les filles lui ont rendu hommage, notamment Wendy Renard. Elles lui ont laissé soulever le trophée. Elle prend le trophée et soulever le trophée. Il a pleuré, hein. Devant toutes les joueuses. Oui, il a eu des larmes. Ouais. Il a eu des larmes. Ouais, ouais. Donc c'était assez émouvant, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et je pense que les sportifs lyonnais, ils savent ce qu'il a apporté en tout cas à ce club. Aujourd'hui, il laisse un club à qui le stade appartient au club. C'est rare en France, et franchement, tout le travail qu'il a fait, voilà, bravo, bravo, c'est un grand monsieur du football français, et je pense qu'il va continuer, et j'espère, en tout cas pour les filles du côté Lyon, pour ça continuer à progresser. Juste, c'est la reprise de la deuxième période, mais Jean-Michel Aulas, il faut saluer ce travail. Attention à Ekitike qui était passé. Il faut saluer ce travail parce que il y a eu des grands, il y a eu des très grands dans l'ère moderne là du football français. Président, lui, il tient une place prépondérante. Bien sûr, il faut pas oublier que je crois qu'il prend le club en 87 en D2 et mal en D2 et il s'était fait la promesse de remonter le club et de lui donner un nouvel élan. Et il a fait autre chose que lui donner un nouvel élan. Il a clairement pendant 10 ans dominé le football français et fait peur à l'Europe entière parce que je me rappelle de lui, On stoppe nos paroles, on écoute les clameurs et on accompagne le troisième but du Paris Saint-Germain. Il est signé Kylian Mbappé avec une action qui était d'une lenteur absolue dans la surface. Aceis qui rejoint les propos de Rio sur l'agressivité quand même qu'il faut avoir. C'est pas normal. Ça fait 3 pour Paris et Kylian qui est seul. 25. Meilleur buteur du championnat, 25, Alexandre Lacazette, 24. Ouais, là c'est pas assez, on se répète, surtout sur une entame de deuxième mi-temps. Il faut pas prendre ce troisième but et là oui, là on voit Ekitike qui rate une talonnade. On voit Marquinhos qui veut même pas frapper, fait une passe à Ekitike, et Mbappé peut-être sur la moins bonne de ses actions. C'est malheureusement le portier ajaxien qui se déchire, hein, sur ce but, elle lui passe sous le ventre. Mais en tout cas, c'est dommage en tout cas pour Ajaccio, même si on voyait pas comment il pouvait revenir, de prendre ce troisième but vite. Attention à ne pas prendre une correction. Ouais, là, ça peut tourner vraiment à la correction parce que celui-là, il va faire très très mal dans la tête des Ajacciens. Mais par contre, voilà, il a raison, Rio. Tu peux pas venir à Paris et être 4 ou 5 dans la surface et Marquinhos qui se permet de faire une remise aux 5m50 à Ekitike. Ekitike qui veut la talonner, qui se rate, qui... Mbappé, elle lui tombe dans les pieds et aucun Ajaxien la touche. C'est pas normal. Ça, c'est pas normal et peut-être que ça va faire mal à la tête. Et maintenant, côté Ajaxien, est-ce qu'il faudrait peut-être pas fermer boutique? Parce que si tu continues là et que tu veux tenter quelque chose, ça peut vite tourner au vinaigre. Mathibault, tu nous fais le bilan stats des 40. Pour faire simple, je ne les ai pas eus, donc je vais aller chercher ailleurs. Vous me laissez 2 minutes et je reviens. Tu peux avoir le nombre de fautes aussi? En tout cas, Jean-Michel Aulas, bravo, chapeau, parce qu'il faisait peur à l'Europe, il a fait peur à l'Europe. Moi, je me rappelle d'un match où il avait mis 3-0 au Real en une mi-temps à Gerland, et c'était pas donné à tout le monde à l'époque. Donc, c'est toujours pas donné à tout le monde. Et c'est toujours pas donné à tout le monde. Et ça fait, voilà, c'est un monsieur qui laisse sa place. Donnarumma dans les airs. C'est un monsieur qui laisse sa place et bonne chance à... Ça va pas être Textor, hein, si j'ai bien compris. Il est là par intérim, mais bon, moi je vois bien Tony Parker. Mais bonne chance à celui qui va prendre la place à Jean-Michel Aulas. Voilà, c'est une vraie nouvelle page qui doit s'écrire du côté de l'Olympique Lyonnais. Vous m'avez tendu la perche. Je fais juste une petite parenthèse, les garçons, sur la Ligue des Champions. City ou Madrid qui passe? Moi, au bout du truc, hein. Moi, Madrid. Lui, il avait dit City, lui. Tu restes là-dessus? Ouais, je vais aller au bout du truc parce que peut-être qu'à la maison, ça va changer, mais le Real restera toujours le Real. Hein. Ils peuvent être surprenants. Mais je pense que la victoire leur a fait vraiment du bien au Real. Là, le 1 partout,
moralement, même si ça change rien, le but est extérieur, mais je pense que moralement, il fait du bien à City. On m'avait dit que tu connaissais le foot. Alors, Jus Madrid. Bah bien sûr, non, Jus. Non mais Madrid parce que ils font tellement peur en Ligue des Champions que un partout, même chez eux, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave pour eux en fait. Il y a rien. J'ai l'impression qu'il y a rien qui les inquiète. Il y a rien qui les impressionne et ça va être très compliqué pour City. Mais là, il y a Guardiola. Il le sait. Il l'a vécu. Déjà l'année dernière et ça peut jouer en la faveur. Moi j'ai une question. Attention au ballon au deuxième poteau sur Achraf Hakimi dans la surface avec Léo Messi. Le contre est favorable à l'Argentin qui remet en retrait sur Achraf. La question d'Aurore arrive dans quelques petites secondes. Ballon en retrait. Aurore, le ballon est à toi. Alors est-ce que vous pensez pas plutôt que Ancelotti ayant gagné la bataille tactique du premier round, est-ce que vous ne pensez pas que du coup c'est un avantage pour Guardiola parce que il va peut-être arriver à mieux lire ce qui pourrait se produire, puisque là, on a vu que Rudiger a quand même bien serré Haaland. Et est-ce que du coup, Guardiola ne va pas être obligé de riposter et que ça se transforme en avantage pour lui ? Si, il va être obligé de riposter, parce qu'après une bonne demi-heure, ils ont carrément pris l'eau. Et notamment, quand le City égalise, je pense qu'il marque, mais contre le cours du jeu. Les deux marquent dans le sens inverse. Ouais, exactement. Madrid marque dans le temps faible, ouais. Dans le temps fort de City, et City marque dans le temps fort de Madrid. Ouais. Donc je pense qu'il va réagir. Et après, pour moi, il y a un élément qui va être important, c'est l'arbitrage. Parce que quand on voit les premières fautes, même Carvajal, il en fait 3-4 fautes. C'est vrai que si tu défends avec un carton, c'est pas pareil. Et le fait de ne pas prendre ces cartons, ça a permis à Madrid de rester justement agressif, de pouvoir aller chercher. Et Rudiger aussi, cette fois sur Gundogan, où Moi, je pense que c'est le meilleur scénario pour Madrid. Ce match retour à City avec les clés et Guardiola, l'éternel romantique qui va vouloir encore montrer qu'il est... Je pense que c'est le meilleur scénario pour Madrid possible. Ah, je ne vois pas Haaland passer à côté deux fois d'affilée. Maintenant, je vais te dire, je pense que si Madrid avait eu le Benzema de l'année dernière, Madrid gagne 3-1 le match aller. Il le match, ouais. Je suis d'accord. Il gagne 3-1 le match aller. En tout cas, Rudiger, il a muselé Haaland. Ah ouais, ça c'est clair. Et ça faisait des mois qu'on n'avait pas vu un Haaland aussi transparent. Et dans le même temps, le deuxième match, on a vu un match. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré le derby de Milan. Là. C'était un vrai match à l'ancienne. Un régal. Dans les tribunes comme sur la pelouse à l'ancienne. Un vrai régal. L'Inter 2-0, ça semble plier. Non. L'Inter pour. Et ils peuvent dire merci à Milan. Parce que s'il y a 3 ou 4, c'était pareil. Hein. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Alors Rio, deuxième corner de la CA. Tu demandais le nombre de fautes commises par la CA Ajaccio en première mi-temps, c'est 5 au niveau des statistiques. Possession 72% pour le Paris Saint-Germain, 28% pour la CA Ajaccio, 52% de duels gagnés pour le PSG, 47% pour la CA Ajaccio. 4 interceptions pour le Paris Saint-Germain, 5 pour la CA Ajaccio. Un hors-jeu, 6 corners côté parisien, un seul côté ACA. Bonne frappe suivie à l'instant là de la CA qui ne trouve pas le cadre, mais c'est toujours intéressant. Frappe, c'est pas donné à tout le monde ce genre de frappe. On le dit, on le répète. Rio en était témoin d'ailleurs. Mais bon, je le dis pas trop parce qu'on en avait pris comme au boule. Et j'avais dit. On pouvait pas. Allez, ballon récupéré par Paris. Il y a des changements qui devraient arriver avec notamment. Il y a Vitinha qui s'échauffe, Bichabu et Zahir Emery. Ballon par-dessus sur Kylian. 4-0 pour Paris. Kylian Mbappé. Ballon par-dessus de la défense du Paris Saint-Germain pour aller chercher la course de Kylian. Il est repris par la défense d'Ajaccio, mais le ballon reste flottant. Et à la retombée, boum ! Kylian, reprise de volée. Celui-là, il n'y a rien à faire. Celui-là, il le doit qu'à son talent. Parce que... Pour le coup, l'ACiste, l'Ajaccien, il peut faire que ça, il défend pas trop mal. Il la prend de la tête et le geste parfait, ça serait ce qu'a fait Mbappé. Il l'a prise coup de pied, Lulu, rien à dire. Ouais, là où il est fort sur ce but, c'est que dans sa course, il prend en compte le défenseur qui revient. Du coup, le défenseur, il peut faire que ça. Voilà, en reculant, il met tête comme peu. Et après, derrière, le geste spontané d'Mbappé, il est juste... magnifique, c'est un bijou, hein. C'est un bijou qu'il en pleine course, il réduit bien ses appuis, il apprend coup de pied, j'allais dire, on n'en parle pas et on n'en parle jamais,
mais il a une coordination et une reprise d'appui, Kylian Mbappé, qui est impressionnante. Plus 2 sur Alexandre Lacazette, 26 Mbappé, 24 Alexandre Lacazette qui jouera demain. On vous le rappelle. Il va mettre un quadruplé demain, Alex. Il s'est chauffé. À 45 ans, il va en mettre 4. Clément, notre ingé son, le sait. Lui, le supporter de l'OL, il le sait qu'Alexandre Lacazette va en mettre 18. Ballon repris par Paris, ça fait 4 maintenant. Ça fait 4-0. Il faut fermer là. Il faut fermer derrière parce que... Les Lensois se disent, bon, allez, on aura joué le coup jusqu'au bout du bout. Ça va être dur. Hein. Il en restera 3 des matchs, il reste 9 points. Tout est jouable, bien évidemment. Et on vous le rappelle, en même temps, c'est le glas qui sonne là ce soir pour la CA qui va ce soir être donc officiellement relégué en deuxième division pour accompagner le SCO d'Angers. Ouais. Ils vont être en Ligue 2, mais ils sont, je l'ai dit tout à l'heure, ils s'y étaient préparés. Ils ont... Cette année en Ligue 1 leur a permis de se finir dans les structures et c'est bien. C'était mérité depuis quelques années. Ils devaient monter depuis 2-3 ans, ils l'ont fait. Malheureusement, ils l'ont fait la mauvaise année parce qu'il y a plein de descentes, parce que c'est un championnat assez bizarre cette année avec la Coupe du Monde et tout. Mais bon, voilà, c'est fait. Et maintenant, il faut qu'ils bossent pour retrouver ce championnat qui, mine de rien, n'est pas aussi facile que tout le monde veut nous faire croire, tous les étrangers. Et là pour Paris, en cas de victoire la semaine prochaine, c'est plié. Là. Oui, ça sera à Auxerre. Le titre, ils auront les cartes en main. La différence de but. Elle est... La semaine prochaine, face à la JOCR, et bien évidemment, nous serons sur place. Auxerre-Paris-Saint-Germain, ce sera l'affiche Free Ligue 1 de la semaine prochaine. Vous pouvez en être d'ores et déjà assuré. Ballon par-dessus, la faute peut-être de Ramos sur le... Il faut laisser l'avantage alors. Il y aura faute, il aurait pu effectivement laisser l'avantage. Il lui a rendu la monnaie de sa pièce. Là, je pense pour Galtier, c'est interdiction de sortir Mbappé. Non, là c'est... Non. Si dans mes 3, il ne va pas le sortir. Impossible. Bonne nouvelle également cette semaine, vous le savez les garçons, avec la défaite de l'AZ Alkmaar, la France reste 5e au ranking UEFA. C'est la bonne nouvelle pour le sport français, le football français. 7 représentants européens jusqu'en 24-25. 7 représentants européens avec les 4 en Ligue des Champions, 3+1. 3 assurés, un barragiste. Attention à Léo Messi, peut-être pour son petit but également. Passement de jambe dans la surface de réparation. Il garde le ballon. La petite talonnade est trouvée. Le ballon vers Bernat. Il y aura corner. 4 en Ligue des Champions. 2 en Ligue Europa. 1 en Ligue Europa Conférence. 7. Ranking UEFA maintenu pour la France. Ouf. Ouais, ouf, mais c'est quand même triste. Ça reste triste. Parce que bon. Ce qu'il avait fait là, Messi. Ah. C'est bien ce que fait le public là. C'est bien parce que c'est ce genre d'accueil qui doit recevoir et de respect surtout. Mais bien sûr. Entièrement d'accord. De respect, je pense que tu donnes le bon terme. Aïe, glissade des kitiquets. Le respect, on peut en livrer également. Pardon les amis, petite parenthèse très courte. Très courte. Si je vous dis judo, Teddy Riner, 11e fois. 11e fois champion du monde. Hop là, au revoir messieurs, dames, c'était cet après-midi. Ouais, mais j'ai un compte à régler avec lui. Faut pas que je le croise parce que ça va mal aller. C'est vrai? Ouais. Ça comprend pas, hein, je te dis. Hein? Je pense que si je le croise, il va. Très bonne nouvelle pour le sport français, ouais. Ça aussi. 11e titre de champion du monde pour Teddy Riner. Bravo. Il va rigoler. Ballon pour Marco Verratti. Eh bien, l'année où je gagne le trophée, que c'est toi qui présente, oui. L'invité. Oui, c'était Teddy. C'était Teddy Riner. C'était Teddy Riner, exactement. C'est là où tu lui as dit fais gaffe. C'est là où il m'a regardé de travers et je lui ai dit regarde, fais attention. Fais attention. Je ne suis pas ton collègue. Ballon récupéré, Ramos. On part à droite sur Achraf Hakimi. Là, voilà, là, c'est là, il faut rester. Il faut rester là. C'est pas beau à voir, mais. Ah, ça va être très très long pour la CA là. Très très long. 30 minutes.
Ça peut finir en 6-0. Hein, cette histoire. Ouais, ça peut finir en 6-0. Ça peut finir en 6-0. Il y aura un changement du côté, un double changement du côté de la CA à venir de la part d'Olivier Pantaloni. Ballon à droite, Achraf Hakimi qui va déborder sur son flanc. Il est passé, Achraf. Ça peut passer. La protection signée Diallo. Ça va venir au deuxième. Très bonne frappe de Danilo. Et très belle arrêt de François-Joseph Solacaro. Il la prend en rebond. Elle n'est pas facile à récupérer, pas facile à garder. Mais par contre, cette frappe de Danilo a été belle, a été flottante. Ouais, il ne fallait pas la relâcher. Hein, parce qu'il t'inquiète que là, ça gratte. Hein. Je vous donne au passage les résultats en Angleterre, les garçons qui sont tombés. Leeds, Newcastle, 2-2. Aston Villa s'est imposé face à Tottenham, 2-1. 2-2 entre Chelsea et Nottingham. Crystal Palace, 2-0 face à Bournemouth. United s'impose 2-0 face à Wolverhampton. Fulham s'impose sur la pelouse de Southampton, 2-0. Le Real joue ce soir face à Retafe avec son équipe 18. Mais l'équipe 18 du Real, vous le savez, parce qu'il y a des hommes. Marco Asensio joue en pointe avec Eden Hazard et Valverde. Tchouaméni titulaire avec Camavinga, titulaire. Ceballos, Militao qui était suspendu pour le match aller face à City, Nacho en charnière, Ferland Mendy de retour, ça y est dans le groupe, il est titulaire ce soir, ouais. Côté gauche, et Lucas Vázquez sur le côté l'équipe 18, deux équipes. Ouais. Et 0-0, on est à l'heure de jeu face au voisin madrilène de Getafe qui est lui engagé dans la bataille pour le maintien. À noter que Villarreal s'est imposé 5-1 face à Bilbao, Osasuna 3-1 face à Almeria et Real Sociedad Gironde 2-2. Ballon à gauche pour Paris. Fabien Ruiz. Triple changement pour la CA. Triple changement pour la CA. Ballon jusqu'à Marquinhos. Achraf. Récupération tranquillement. Ramos. Danilo. Le public est vraiment en mode spectateur. Hein. Ouais. C'est vraiment les portables allumés, c'est de la route, trajet touristique, les enfants, c'est une autre dimension, hein, on le sait. Hein. Ouais. Dans les grands clubs, c'est aussi comme ça. Hein. On n'a plus ces mêmes ambiances à Madrid et à Barcelone. C'est plus les mêmes ambiances qu'avant. Et ça manque. Et ouais, ça manque. Ballon récupéré, peut-être pas pour longtemps du côté de la défense de la CA, parce qu'il y a du pressing du côté Paris, parce que Danilo est là, parce que ça passe, Fabien Ruiz. Récupère pour longer la surface. Petit extérieur du pied dans l'intervalle pour aller trouver Mbappé. Quand tu vois Lens, le stade de Lens, c'est quelque chose. Et Neymar qui était en appel vidéo avec Luis Suarez et ils ont mis une petite dédicace pour Lionel Messi. Le trio reconstitué. Alors, la sortie de Mathieu Coutadeur, le capitaine. Non, ça sert à rien de siffler ça. Ouais, je encore une fois. Ouais, ça sert à rien de siffler ça. Renato côté parisien. Il y a Riyad Nouri, non ? Qui rentre. Renato et Vitinha côté parisien. Non, Riyad, il est déjà rentré, non ? Non. Non. Ah non, voilà, il rentre là, voilà. Non, et Riyad rentre. À gauche. Ah non, il ressort. Et on rentre. Voilà. Alors, donc, je récapitule. Spanadouda sort, donc c'est Chegra qui rentre à sa place. Soumano est rentré à la place de Coutadeur. Ruiz qui sort. Bon match de Fabien Ruiz. Très bon match. Je lui donne une bonne note. Et c'est El Idrissi qui est sorti, et Nouri qui est entré. Vous lui donnez combien sur 10 ? Oh, un petit 7 sur 10. Un 7 ? Ouais, 6-7. Ouais, 7 ? Ouais, 7 sur 10, ouais. Il a marqué. Parce qu'il est sur le 6 par rapport à l'opposition. Ah ! C'est, ça, ouais. C'est juste ça qui me fait. Parce qu'il fait un très bon match quand même, mais. Niveau pareil, les axos. Et Verratti, pareil, 6. C'est Verratti qui sort ? Ouais. Ah, j'ai pas vu, pardon. Sur les deux milieux. Verratti et Fabien Ruiz. Ouais. Ok. Et Vitinha et Renato ? Ouais. Ok. Ok. Renato, les garçons aussi pour l'année prochaine. Renato, c'est peut-être une année de plus. Ouais, voilà. Il a subi les pépins, mais je pense que si l'année prochaine il multiplie encore les blessures, ça va être compliqué. Hein. En plus, il a des caractéristiques différentes des autres milieux quand même.
Ouais, capable avec sa puissance d'apporter ce que les autres milieux n'ont pas et justement d'aller percuter, d'être un peu box to box. Mais encore une fois, faut qu'il soit prêt physiquement pour pouvoir enchaîner. Faut qu'il soit régulier, ouais. Là, avec ces scores-là, Christophe, il devrait peut-être faire rentrer les jeunes, là, non? Les petits, non? C'est une occasion, ouais. Hein? Tout à l'heure, j'y pense, je me dis. 4-0, ouais, là. Il y a les deux, il y a Zahir, ils sont là, les gamins, là. Carlos Soler est également à l'échauffement du côté du PSG. Alors, Marquis, restez avec nous, hein, vous le savez, jusqu'au bout. On aura ensuite, à nos micros, Olivier Pantaloni, Christophe Galtier, des joueurs de part et d'autre. Danilo, avec Vitinha pour son premier ballon, également pour Renato Sanchez. Ramos, ballon par-dessus, qui a vu l'appel d'Achraf Hakimi. Au plus loin, il y avait la tête de Diallo sur le passage. Et la touche est pour l'international marocain. Avec Messi. De nouveau Achraf qui va remettre à Renato Sanchez. Derrière lui, il y a du Marquinhos, il y a du Ramos. On va repasser jusqu'à l'Espagnol qui lui réoriente tout de suite de l'autre côté. Hey, là, il n'y arrive pas celle-là. Ouais. C'est rare, ouais. Transversal manqué vers Bernat. Programme de demain, je vous le rappelle, sur l'app Free Ligue 1. Clermont-Lyon, Brest, Auxerre, Montpellier-Lorient, Rennes 3, Toulouse-Nantes, Monaco-Lille, Marseille-Angers. Ballon passé pour la CA, ça c'est pas mal. Dans la surface, ballon en retrait. Oh non, Nouri. Ah non, Riyad. Aïe, aïe, aïe. Ah, celle-là, elle aurait mérité quelque chose. Ça. Ramos, en plus, il se fait enrhumer là-bas sur le côté. Hein, il veut défendre en un temps sur son pied droit. Il se fait éliminer. C'est pas Riyad. Et le centre retrait. C'était pas Riyad ? Non. Hein. Ah non, non, plus petit, oui. Plus petit, pardon, tu as raison. C'est le petit Barreto, là. Barreto. Ouais, pardon, tu as raison. T'as oublié demain, demi-finale Challenge Stra. Lupin ou Costa Verde, mais c'est pas grave. Et hey, bravo pour la montée officielle, le titre de champion et tout ça. Hein. Attends. Et zéro défaite. T'as marqué ? J'ai pas marqué, mais papa, je suis à ton poste. Ballon à droite, avec Achraf, décalé par Léo Messi. Face à lui, Diallo, Achraf qui est repris, obligé de repiler derrière sur Marquis. Renato, Messi. On joue transversal, il a vu l'appel de Mbappé qui fait écran pour laisser à Bernat. Ballon en retrait peut-être de Bernat, c'est contré, ça va revenir. J'ai l'impression qu'ils veulent faire marquer Messi. Oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant qu'on a fait marquer à double tour Kylian dans le titre de meilleur but bien joué, ça Achraf. Ouais. Il a fait écran sur la position de Diallo qui revient comme une balle et Achraf qui repart. Ça y est, les dribbles d'Achraf qui reviennent. Messi, ballon par-dessus de Messi, Bernat en retrait. Ça sort. Mais comment il fait ça revient à Danilo qui fait l'effort. Éviter que ce ballon ne sorte de l'air de jeu. Bernat en une aussi, c'est assez précieux. Hein. C'est déjà 2-3 fois en une. Ouais, il le fait souvent. Qu'il arrive à passer. Il le fait souvent, ça. Cette connexion rappelle un peu la connexion de Messi et Jordi Alba. Il aimait bien. Exact. Ça va revenir Mbappé qui avait cherché Messi une nouvelle fois. Jute a raison, ils veulent faire marquer le numéro 30 du PSG. Oui, je. Hey. Il renvoie l'ascenseur. Ouais. No. Bien joué. Oh. Barreto, il peut s'en vouloir hein, parce que ce ballon-là aussi, seul, plat du pied là, 18 mètres. Aïe. Diallo au sol. Diallo au sol. C'est ce qui me semblait sur le. Il a eu un contact tout à l'heure avec Hakimi. Avec Achraf, ouais. Sur le deuxième ballon. Ouais. Et il est reparti en boitant. Vite, Chavouf, je crois qu'il est rentré. Bechuabu a prêté l'été prochain ou a conservé dans la tournante. Bah, ça va dépendre. A prêté l'été prochain. Ouais. Ça va dépendre. Ça guérir. Ouais, mais ça va dépendre de qui va. Si tout le monde reste, il faut qu'il soit prêté. Il a pris cher sur 2-3 matchs quand il était notamment sur le côté là. A besoin de ça guérir un peu. Dans la tête, il faut peut-être qu'il aille gagner mentalement des choses. C'est un peu aussi le défaut
de la formation parisienne, de ne pas avoir de réserve. Oui. Ce pas-là, il n'est pas bon pour tout le monde. Alors, oui, Zaïre Emery, oui, certains phénomènes, ça passe, mais pour un joueur comme lui, je pense qu'il a besoin d'aller prêté. Quelle facilité. On revoit le but sur l'écran géant, là, au Parc des Princes de Kylian Mbappé. Quelle facilité. Il la laisse bien retomber. Ouais, hein, mais les appuis, ouais. C'est... Quelle facilité. Diallo est sorti. Sorti avec également du côté du Paris Saint-Germain, Bichabu qui remplace Danilo Pereira. Très bon match de Danilo également. Ouais, comme d'hab. Comme d'hab. Et El Shaddai Bichabu qui fait son entrée en jeu. Diallo est sorti et donc l'entrée du côté de la CA. Alphonse. Je regardais effectivement, comme disait Olivier Pantaloni, tous les trentenaires là, qui vont devoir la tourner la page et ce nouveau travail d'Ajaccio. Sur le 11 de départ quand même, hein, on a Youssouf, 35 piges. Avinal, 37 ans. Okay, on a 37 pour Coutadeur. On a Barreto, 32. On a 36 pour Mangani. Ça fait beaucoup ça. Hein. Ouais, ça sur fait le banc, beaucoup, Riyad, hein. Il n'est pas tout jeune non plus. Riyad, 38. Voilà, 38. 34 pour Michael Alphonse. Bon, tout ça, il va falloir régénérer du côté de la CA. Ouais. Il va falloir régénérer. Il y a Bush qui nous demande si un joueur comme Griezmann pourrait avoir une place au Parc des Princes. Griezmann dans ce PSG, ouais. Tous les jours. Mais il... Tous les jours. Bien sûr. Tous les jours, parce qu'il a, il a ce que les autres n'ont pas. Il a une grinta. Le Griezmann, même tu le mets en 8 au PSG. Il est trop bien, l'Atlético. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est lui le patron. Ben oui. Il y a Amir qui lui dit pas très intéressant, je t'avoue. Tu rigoles. Antoine Griezmann, là, je pense que cette année, il vole. Messi qui est passé en dribbling. Petit extérieur du pied. Appui sur Lionel Messi. Double 1-2. Frappe de Vitinha. Très bel arrêt de Sola Caro qui enlève ce ballon au corner à suivre pour Paris. C'est la force du PSG, ce jeu combiné. À l'intérieur, le redemande pas. Et Messi trouve toujours des passes. Là, il lâche encore un extérieur sur Mbappé. Qu'on est rapidement joué en deux temps entre Messi et Achraf. Oh. Ballon de Messi enroulé pour aller trouver Renato. Appui sur Vitinha. Renato encore, extérieur du pied pour aller chercher Bernat. Bernat qui va fixer derrière lui Renato. Vitinha, Renato encore. Ballon de Renato, un peu saucisson, mais bon, ça retombe dans les pieds d'Achraf. C'était au premier poteau vers la tête de Bichabu, les 4,50 m de Bichabu. Ça reviendra vers Bernat maintenant sur le côté gauche. Intervalle sur Messi dans la surface. Messi, ballon en retrait. Bernat, attention, Bernat qui a enrhumé tout le monde. Ça joue facile. Ouais, ça facile. Joue facile. Et ça défend vraiment mal, hein, parce que là, les deux qui ont le même mouvement. Ouais, ils ne parlent même pas. Ils ont laissé porte ouverte à Bernat. Et Kitike, arrête droite. Ballon vers Kylian, ballon arrêté par Kylian, ballon foulard de Kylian, bouf, ballon Vitinha récupéré, ballon décalé, ballon contré, et ça fait but! But pour Paris, contré par la défense d'Ajaccio, la frappe est signée Marquinhos! Bon, après, bah ça fait 5, 73ème, 5-0. Non seulement ils sont dépassés, mais en plus ils sont guignards, ils n'ont pas de chance, il n'y a rien qui va pour eux. Mais là, ça faisait 30 secondes compliquées, là. Ça fait... voilà. C'est dur. Je pense que mentalement, pour eux, c'est compliqué. Je pense que le 3-0 après la mi-temps, il leur fait vraiment mal. Et là, malheureusement pour eux, hein, ça tourne un peu au ridicule parce que Paris, on voit, ça commence à faire des coups du foulard. Ça commence... Les défenseurs restent devant. Là, c'est Marquinhos qui a la réussite, hein, qui se retrouve contré. Mais voilà, je pense que pour Ajaccio, genre, jouer son maintien, en tout cas... Sur un match à Paris, c'était beaucoup trop compliqué. Oui, on savait très bien que c'était avant ce match-là qu'il fallait faire le boulot. Donc c'est dur pour eux de finir comme ça. Mais comme voilà, je l'ai dit tout à l'heure, non seulement ils sont dans le dur, mais en plus ils ont une guigne et une malchance parce que là, celle-là, voilà, je sais pas à qui vont l'accorder celui-là, mais à mon avis, Marquinhos, il veut pas frapper quoi. La galette doit faire rentrer les jeunes, là, les garçons. Ouais. Là, faire rentrer les jeunes. Ah oui. Ouais. Ah oui. Solaire et Zaïre Emery.
Ok, là il faut faire rentrer les jeunes, même les Garbis, les tout ça, il faut y aller là. C'est dommage pour eux, hein, sur un match comme ça. Et puis ils vont vouloir y aller, on voit qu'il y a un adversaire en plus qui est faible là. Ouais. Ils vont avoir envie de dribbler, de partager, d'être dans le collectif, d'avoir les applaudissements. Parce que Solaire là, tu vas le faire rentrer, mais je veux dire, pour lui ça change rien. Alors que si tu fais rentrer un petit jeune, évidemment que ça va être... pour lui c'est peut-être un de ses premiers matchs, en plus pour un attaquant, je pense à Garbi. L'occasion de marquer un premier but. C'est dommage. Garbi était rentré, oui, il était rentré la semaine dernière face à Troyes, où il était rentré. Rentré tard, il a fait rentrer Renato, Soler et Garbi à la fin. Je regardais les buteurs du match aller, les garçons. Paris avait gagné 3-0. Premier but, Kylian servi par Messi. Deuxième but, Messi servi par Kylian. Troisième but, Neymar. Kylian servi par Messi. Ah bah voilà. Comme ça au moins. C'était l'entre-deux, bim bam boum. C'était bien parti entre eux. Ballon en retrait en faveur des Parisiens. Bichabu, les applaudissements qui descendent des travées du parc. Semaine prochaine, on est à Auxerre, les garçons, pour le match du titre. Très certainement pour le Paris Saint-Germain. Si et seulement si. Mais ils ont les cartes en main. Bichabu. Carlos Soler va entrer du côté du Paris Saint-Germain. J'ai l'impression que c'est un match amical. Complet. Un match de prépa. Renato, match à droite. L'été. Ballon à droite, pardon. Achraf. Dans la surface, contre favorable. Qui se prolonge. Ballon vers Messi qui arrive en impact. Il est au sol. On va siffler le coup franc. Bah oui, bah alors là. Attention. Ça sert à rien, ça. Ça sert à rien, Achraf. Ça sert à rien. Hop là, oula, j'ai. Oh là, là. Là j'ai vu un truc. Tu as vu ou pas? Là ça sert à rien, mais là, de chier, rien du tout. Achraf, il a signé sa fin de saison, je crois. Mais oui, ça sert à rien, Achraf, ça, au début. Le venin, il vient de là. Ouais. Après, il y a encore deux autres derrière qui font n'importe quoi, mais le premier geste, il est complètement inutile. Bien sûr. Et là, il est allé se mettre derrière Donnarumma. Et oui, on est allé lui dire « Mets-toi là-bas ». Je suis à 5-0, je vois pas. C'est vrai, monsieur l'arbitre l'a vu. Il est allé se cacher, mais monsieur l'arbitre l'a vu. Ben oui, papa. Ben oui, tu prends rouge. Rouge pour Achraf Hakimi. Ben oui, mais bon, à un moment donné, c'est... Mais il va y en avoir un autre côté ajaxien. Ça sert à rien Kylian Mbappé de discuter avec monsieur l'arbitre, c'est tout. Point barre, carton rouge, au revoir et on verra plus tard. Je comprends pas Hakimi. Il y a des choses qui m'échappent. Tu gagnes 5-0, tu... C'est incompréhensible. Même le geste encore là de Kylian. Et là il y a carton jaune maintenant, un de chaque côté. Et là, il y a Kylian encore qui va aller voir le quatrième arbitre. Voilà, il va se... Voilà. Mais je comprends pas ça. Vraiment, moi, les garçons, ça me... Si on est grand, on est grand. OK ? Il faut être grand. On gagne 5-0, là. Bah ! Voilà. On va aller discuter avec le quatrième arbitre. Un petit peu, hein. Est-ce que ça va servir à quelque chose, ça? Il y a l'adjoint de Gatti, là, Joao Sacramento, qui se plaint. Donc j'imagine qu'il a revu les images. Ah, il demande même qu'on aille voir la VAR. Avec Galtier, ouais. Il demande à ce qu'on aille voir la VAR. Apparemment, il y a peut-être pas grand-chose, je sais pas. Alors, on va vérifier également de notre côté. Ou peut-être qu'il dit que... Il y a peut-être pas grand-chose, au final. Hein. Parce que je crois qu'ils vont le chercher, d'ailleurs. S'il écoute la VAR comme ça. Ah oui, en plus c'est lui qui prend le premier coup. Hein. Ah ouais, il va sûrement l'annuler. Ouais. En tout cas, ce qui est certain, hein, c'est que là, le geste pour moi d'Achraf ne doit pas avoir lieu, même si c'est une réaction.
Là, il n'y a rien pour l'instant. Ah, y a pas grand-chose. Et si le carton est annulé ? Il n'y a pas grand-chose. Si le carton est annulé, il faut donc aller rechercher le joueur au vestiaire. Rectif. Pour moi, il n'y a pas de deuxième rouge. Il met un rouge à un Ajaxien, je pense. Et ouais, il compense. Donc il met rouge et rouge en fait. Il fait rouge et rouge pour les deux gestes. Pour le geste premier du corps, c'est pour la réaction d'Achraf. Et ouais. Mais les Parisiens, ils sont plus déçus de perdre Achraf que. Bien sûr. Mangani. C'est Mangani qui prend rouge. Bien sûr. Regardez sur l'app Free Ligue 1, les amis. Si vous avez la version premium, donc ça veut dire si vous êtes un abonné Free ou si vous avez pris en étant chez un autre opérateur l'option premium à moins de 4€, on revoit l'action. On voit effectivement que c'est Achraf qui prend le premier coup, un coup de poing sur ses avant-bras. Et lui riposte derrière. La riposte ne doit pas avoir lieu. OK. Donc ça, Achraf, qui sort en plus d'une suspension, ne doit pas réagir ainsi. Mais effectivement, monsieur l'arbitre, aurait dû en tout cas avoir dans son oreille une intervention de la VAR tout de suite pour lui dire, qu'il a eu le temps, pour lui dire, c'est une réponse. Ouais. Ça peut être des jaunes ou autres. Côté VAR, c'est Nicolas Rainville et Stéphane Bray qui sont à la vidéo. Sincèrement, vu l'intensité du match, il y a pas eu d'agressivité. Je pense que jaune et jaune. Jaune, c'était largement suffisant pour les deux. Exactement. Parce que là, même Mangani, il prend un rouge. Entièrement d'accord. Après, évidemment, on n'est pas pour la violence, etc. Non. Les deux réactions sont très mauvaises, mais je pense qu'un jeune et jeune, ça suffit amplement. Entièrement d'accord. On est entré dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire. Tu l'avais annoncé. Hein ? Tu avais dit qu'il mettait des cartons. Ah ouais. Tu vois, j'avais dit. Sur un match comme ça. C'est vrai, c'est vrai que je l'avais dit en plus. Oui, sur un match comme ça, il n'y a pas de. Je l'avais dit parce qu'il met plus de. En tout cas, dans le ratio, il décroche plus le rouge que le jaune. Tu vois, donc la preuve ce soir, il en a mis deux. Là, il a mis jaune, rouge. Ouais. Monsieur Pierre Gayouz, fédéral 1, 33 ans. C'est dommage quand même que des mecs dans le VAR qui ne savent pas lui dire le rouge, mais jeune, ça suffit. On est là pour accompagner et assister, donc ça doit servir à ça. Ouais. C'est une réaction, soit jaune des deux côtés, soit rien, et puis on avertit les deux, on écarte et au revoir. C'est surtout que c'est la première embrouille. Ouais, il n'y a rien. 80e. Je suis d'accord avec toi. C'est bon. Je suis d'accord avec toi. Ils perdent 5-0, tu peux les comprendre un peu frustrés, les mecs. Changement à Ajaccio, les garçons, à venir. D'après vous, des buts encore ou pas? Oui, moi je pense. Oui, pour Paris? Oui. Ok. Kylian encore? Et puis d'espace en plus. Sortie d'Hugo et Kitike du côté du Paris Saint-Germain. Note sur 10, les garçons? 5. Ouais. 5. 5. J'ai bien aimé son match quand même. Mais encore une fois, 5-0, 0 but. Ouais, 5. Est-ce qu'il est dans la lignée de son match face à 3 ou est-ce que là il est plus en difficulté quand par exemple il y a Lionel Messi qui est de nouveau titulaire et dans le schéma tactique? Je trouve qu'il a été quand même pas mal en pivot dans le jeu de haut but, il a quand même apporté, mais voilà, on attend encore plus et voilà, c'est un match intéressant mais pas suffisant quand même pour un attaquant remplaçant du PSG. Alors, les deux équipes à 10. Kylian Mbappé, il va y avoir de l'espace, évidemment. C'est très bon pour Kylian, évidemment, avec sa vitesse. Vitinha. Zaïre Emery était servi sur le côté droit. Ça repart sur Marquinhos. Renato Sanchez. Il y avait Carlos Soler devant lui en possibilité. Ça passe sur Bichwabu. De nouveau Renato. Ça va venir sur Kylian Mbappé qui a vu l'appel. Oui. Ah, Zaïre Emery. Le ballon était parfait de Kylian. Il était parfait. Ouais, magnifique. Il était parfait. Il était dans notre axe. La vitesse du ballon. Zaïre Emery qui doit s'en vouloir parce que très sincèrement, ça y est. Je pense qu'il doit la mettre en une. En une, ouais. Ouais, sa première touche, elle est pas bonne malheureusement pour lui. Ouais. Il prend même sa deuxième parce qu'il fait pied droit, pied gauche. Ouais. Mais le ballon de Mbappé là dans le dos d'Alphonse, il ne doit pas s'en prendre à l'intérieur. Hein. Mais c'est vrai qu'il est là. Zaïre, il ne doit pas être facile. Il doit peut-être la mettre en une, même en chercher une passe en retrait, je sais pas. En retrait, peut-être. Ouais. Un petit mot de galette sur Zaïre Emery qui est en train de jouer la touche, très certainement, pour lui dire allez, tu en auras une deuxième. Ouais. Tu vas en avoir une deuxième.
Vous avez vu que les coachs portaient également des brassards arc-en-ciel. Ah, pour le coup, avec le rouge d'Hakimi, il va enchaîner. Hein. Bah ouais. Ballon à droite, Zahir Emery. 85e. Un parc tranquille. Ouais, bon. On va redescendre, on peut aller jusqu'au coup de sifflet final, parce que d'après moi, ça va être très tranquille ensuite pour pouvoir redescendre sur cette pelouse. Comme ça, on t'accompagne pleinement, Matty Bolt. Et on va jusqu'au coup de sifflet final de cette rencontre. Là, c'est A qui repart à l'attaque, ça c'est pas mal joué. Ouais, ouais. Un bon intervalle trouvé, il n'y a plus personne derrière du côté du Paris Saint-Germain. On peut s'enfoncer dans la surface de réparation, la frappe est tentée. Le cadre n'est pas accroché, mais c'est une très bonne frappe. Ouais, ouais, très là, c'est A aura eu 2-3 possibilités offensives. Ouais, ouais, et notamment celle-là, je trouve qui est très belle, parce qu'encore une fois, Paris dans le jeu, quand il faut courir vers son but, hein, dans le dos de la défense, ils sont en difficulté. Et là, il fait un super geste individuel, il revient à l'intérieur. Pardon pour lui, il n'enroule pas assez, mais. Ouais. Il peut avoir des regrets quand après, même sur le rare occasion qu'ils ont eu. Après le PSG, bon, ils sont un peu happés. Ils sont happés par l'allant offensif de tout le monde. Donc, ils ne font pas non plus trop attention à ce qui se passe derrière eux. Mais c'est vrai que l'appel est bon. Le ballon est très bon. L'enchaînement est bon. Mais encore une fois, voilà. 22 buts dans le championnat. Donc, c'est pas pour rien. Ballon côté gauche pour la CA, près du poteau de corner, en regardant la cage de Donnarumma, ça va repiquer vers l'intérieur, voilà qui est joué, longer la surface de réparation, le centre vers le point de pénalty, la tête de Ramos pour ressortir, deuxième ballon récupéré par Renato Sanchez, qui va très vite les garçons, très très vite, 3 contre 3 joué à l'avantage des Parisiens, peut-être Kylian Mbappé sur le côté gauche, le dribble de Kylian qui revient, qui repique vers l'intérieur, il avait tenté de trouver, il l'a joué solo les garçons, c'est là qu'il doit pas là. Exactement, et c'est dommage parce qu'il en a mis deux. Messi, il cherche qu'à le régaler depuis le début du match, il doit le servir. Il doit le servir, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, ils veulent faire marquer Paris, mais pas forcément tout le monde. Ouais, pas forcément marquer Messi. Mais là, il doit lui donner parce qu'il est en retrait. Il arrive comme une balle, tout seul en retrait. S'il lui donne, c'est 6, hein, parce que là... Là, c'est cadeau. Là. C'était cadeau, là. Là. Récupération de nouveau. Alors, rebelote, Kylian, rebelote côté gauche. Ouais, sauf qu'il n'y va pas là, cette fois, Messi. Il n'y va pas, le centre justement vers Messi, mais là il y a un mur, ça va passer vers Zahir Emery qui entre dans la surface, centre de Zahir, repoussé par la défense de la tête, il y avait Carlos Soler juste derrière. Zahir Emery qui va récupérer, bataille physique, à l'avantage du Parisien qui est solide. Il repart, il va entrer dans la surface encore, sur le côté droit, repiquer peut-être, chercher la position de frappe, pied gauche, profiter de l'appel de Soler, c'est contré. C'est bien ce qu'il vient de faire là. Oui, c'est bien. Il a montré sa puissance déjà, malgré son jeune âge. Hein, il a un gabarit pas très grand, mais il est solide sur ses appuis. Je vais vérifier, mais il me semble que le dernier 5-0 en championnat. Ah. Boum ! Par-dessus, Zahir Emery. Le dernier 5-0 au Parc en championnat, ça devait être contre Auxerre avant la Coupe du Monde. Je vais vérifier. Ah oui. Je vérifie. Ah, oui. Bah, par contre, Zahir Emery, c'est vrai, il est jeune. Là, il n'a pas le droit, ça. Hein. Non, là, non. Ça, il a une reprise de vol à 5 mètres, il la met. Ouais. 5 mètres au-dessus. On peut lui trouver des excuses, mais à un moment donné, non. Là, tu peux pas. Hein. Je peux rien dire parce que. Qu'est-ce qu'il y a ? T'en as mis beaucoup au-dessus ? C'est ça, hein ? Non, c'est là. Je peux rien dire sur ça. Là, quand même. Ah, faut avoir un peu de déchets techniques de temps en temps. Hein. Mais c'est marrant que tu me dises ça, Matty Bolt, parce que j'allais te dire que j'ai pas vu beaucoup de déchets techniques cette semaine. Je t'ai vu lâcher un peu aux boules. T'as pas lâché un peu aux boules cette semaine ? Je t'ai vu. T'étais hein, j'ai vu ça. Ballon en retrait, attention. Ça sera repris par la défense de la CA. Voilà, il y a. Ouais. Là, ça s'annonce très compliqué. Silence de cathédrale. Ballon en retrait sur Carlos Soler. Je sais même pas s'il va mettre des arrêts de jeu. Vitinha. Soler encore. Marquinhos. Ça va revenir sur le côté gauche avec Bichwabu. Non. Ramos, intervalle sur Mbappé, Vitinha qui s'ouvre le chemin, Vitinha qui cherche la passe intervalle sur Zahir Emery.
une nouvelle fois dans le dos de la défense. Cette fois, cela ne passera pas, ça sera un corner pour Paris. C'était intéressant l'action de Vitinha, mais ouais, il avait quand même vite lu la passe à l'intérieur, Alphonse. Ouais, bah, il avait encore en tête celle de Kiki. Alors, ça va être Soler du coup pour le frapper. Messi va rester aux alentours de la surface de réparation. Ballon loin, très haut, deuxième poteau vers Marquinhos. Ça retombe sur Messi qui décale sur Renato Sanchez. Demande le 1-2. Ouais, Messi voulait un 1-2, il l'a regardé, il a appelé Renato. Ballon est parti derrière. Voilà. On n'ira pas plus loin, tu avais raison, Jus. On n'ira pas plus loin, 5-0 pour Paris. Paris s'ouvre la voie du titre. Et officiellement, là c'est Ajaccio est relégué en Ligue 2 pour accompagner le SCO d'Angers, les garçons. C'était à prévoir. Il y a une hiérarchie. Elle a été respectée. Et bravo PSG. Et dommage, et encore bonne chance pour la CA pour l'année prochaine. Ouais, victoire logique des Parisiens face à une équipe qui était beaucoup trop faible pour espérer quelque chose ici au Parc. Parce qu'avant le match, hein, ils avaient déjà abdiqué. Et Paris, oui, c'est un match intéressant. Ils marquent beaucoup de buts. Ils font le spectacle aussi pour le public. C'est rare, hein, ici. Ils étaient sur 3 défaites sur les 4 derniers matchs. Donc là, ils s'assurent, même s'il y avait peu de chances que Lens revienne. Mais je pense qu'avec cette victoire sur les 3 derniers matchs, la différence de buts a augmenté. Je pense qu'à Auxerre, ils peuvent terminer le championnat. Vous me donnez un MVP ? Mbappé. Bah, Kylian. Ouais. Kylian avec le doublé ? Ouais, Mbappé. Ouais, ok. Donnez-nous votre MVP sur le chat. On vous propose toutes ces images. Restez avec nous. Toutes les images de Wall avec toutes ces fins de match. On va, Matibol, basculer. On descend et on se retrouve dans la zone mixte. On va rester ouvert au son au maximum. D'accord. Avec toi, Matibol. Tu sais ce qu'on fait ? On nous garde au son avec Clément. Dès qu'on voit que ça saute, eh bien écoute, tu nous. Ça marche. Ça marche ? Bon, on va rester donc ensemble. Enseignement également sur les forces qu'on conserve, qu'on ne conserve pas, sur les noms. Les garçons, est-ce qu'il y a des noms qui, selon vous, doivent être, dans ce qu'on a vu aujourd'hui, skippés pour la saison prochaine ? Bah, je pense qu'un garçon comme Fabien Ruiz, il a marqué des points pour rester, je pense, au PSG l'année prochaine. Solaire, on l'a dit, ça va être compliqué. Après, au niveau des jeunes, peut-être voir des prêts pour Ekitike, pour Pichabou, et même les plus jeunes qui ne sont pas rentrés. Mais je pense qu'après, il va falloir vraiment que Paris consolide son effectif. Ouais, puis il y a un joueur comme Sergio Ramos aussi, il va falloir se poser la question à un moment donné. Parce que. Conserve. Bah oui, il va falloir le garder, mais il va falloir l'officialiser à un moment donné. Ouais, donc, je suis d'accord. Que tout ça, voilà, il va avoir le tour de Kipembe. Quid de Mbappé, tout ça, c'est des questions. Ils vont avoir un été agité. Entièrement d'accord avec toi. Marquis, on n'a pas reparlé de ce débat, Marquis, parce qu'on en avait parlé la semaine dernière. Il a prolongé, mais pour moi, c'est un peu trop long, son contrat. On va échanger aussi avec Olivier Pantaloni parce qu'on était avec lui sur le travail aussi de l'année prochaine. Il nous a donné les premières bases. On a compris cette régénération qui était obligatoire, notamment sur les trentenaires. La structure de la CA, ouais, ça s'est vu là. Qui va devoir travailler aussi. Il y a une petite question de Lily sur le chat. Est-ce que Uncle Sergio doit rester ? Vous le voyez signer un an de plus ? Pardon. Moi, oui. Moi, oui, oui, oui. Oui, oui, moi, oui. Pour tout, en plus, pour ce qu'il fait aussi dans le vestiaire. Ouais, je pense qu'il fait partie des joueurs qui sont capables d'inculquer la bonne rigueur que le groupe et que les joueurs du PSG doivent avoir. Donc pour moi, il doit clairement en rester. Après, peu importe son rôle, est-ce qu'il jouera tous les matchs ou pas ? Peut-être pas, parce que physiquement, ça peut être un peu plus compliqué. Mais là, depuis qu'il est revenu à un bon niveau, je pense qu'il enchaîne assez facilement. Donc pour moi, oui, il n'y a pas de question à se poser. Hésite pas, Matty Bolt, avec la question de chat. Comme on est en mouvement, on ne peut pas avoir d'œil dessus, mais n'hésite pas, bien évidemment, à nous livrer ça. Et d'ailleurs, on vous voit en train de descendre les marches, les travées du parc. On a récupéré nos. Voilà, vous avez récupéré vos médailles de winner, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et là, dites-nous, vous allez où ? Vous allez en bord terrain ou vous allez en flash dans le couloir ? Merci.
C'est bien, on n'avait pas eu de problème de pas de coupure son là jusqu'au bout. Donc ça c'était. Ah ça c'est pour pas qu'il se fasse jeter des trucs ça. Ah c'est pour la pluie ça. Non c'était pour la pluie. Ah c'était pour la pluie, bien joué. Avec l'orage qui avait été annoncé. On pénètre dans le couloir. Donc là, c'est normal, tu dis couloir, dit probable petite coupure de son. Restez avec nous dans quelques instants. Vous allez avoir les réactions des coachs, les réactions de certains joueurs. Vous voyez le parc qui s'est vidé très rapidement après cette victoire 5-0 du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a donc fait le travail, a donc consolidé sa place de leader après la victoire du Racing Club de Lens hier soir en ouverture de cette 35e journée. J'entends la respiration de ces messieurs, donc ça veut dire que vous êtes là. Ah, parfait. T'as vu, pas de problème de son. Rien, zéro, on zéro va, coupure. On va vite. C'est ça le Parc des Princes. Ici, c'est Paris. Voilà. Bon, on est en place, on va pouvoir maintenant échanger avec les acteurs, avec Olivier Pantaloni, également avec Galette, avec Christophe Galtier. Et avec les joueurs, respectivement, je vous rappelle que la semaine prochaine, on est donc à Auxerre avec les cartes en main pour le Paris Saint-Germain, pour éventuellement être sacré champion de France pour la 11e fois, les garçons. Hein, on passera maintenant, on était à côte à côte avec l'AS Saint-Etienne à 10 titres. Paris prendrait ce 11e titre de champion, ce qui serait là aussi l'aboutissement d'un travail depuis la prise en main de QSI. C'est aussi ça. Ok, pour l'instant, on est en échec sur la scène européenne, mais sur la scène et l'exercice national. C'est une réussite. Oui, c'est une vraie réussite. Hein. Ils dominent le championnat depuis que QSI est arrivé, même si à 2-3 reprises, ils l'ont perdu. Je pense que voilà, ils font ce qu'il faut, en tout cas en Ligue 1. À chaque fois qu'ils ont été dominés, c'est des équipes qui ont fait des championnats extraordinaires, comme Lille, comme Monaco, comme Montpellier au tout départ. Mais je pense que oui, en Ligue 1, ils dominent, ils ont une grosse marge encore. Oui, ouais, ils ont. Puis, voilà, cette année, on va le dire qu'ils n'ont pas non plus trop forcé, malgré Lens et Marseille qui étaient derrière. Ils ont perdu quand même énormément de matchs, plus que d'habitude, et malgré ça, ils sont restés quand même en tête tout le long. Donc, je ne sais pas s'ils ont quitté la première place d'ailleurs. Je pense pas. Hein. À checker. Ouais. À checker. Peut-être au début du championnat. À checker. Ouais, checker. Je sais pas. Bref, bon, c'était, ça a été tout le long du championnat assez facile, mais ils se le rendent facile aussi. Donc, c'est mérité. Hein. Au final, dans la longueur, tu finis pas champion si tu ne mérites pas. C'est une nouvelle fois ce travail maintenant qui va être sur la scène européenne encore et encore, cet éternel chantier maintenant du côté du Paris Saint-Germain avec la suite pour voir si Paris pourra être enfin compétitif sur cette scène européenne. Danilo sera avec nous d'ici à quelques petites secondes avant d'accueillir les deux coachs Olivier Pantaloni et Christophe Galtier. Ah, Mathieu Coutadeur qui sera avec nous, le capitaine de l'ACA. L'un des briscards, je regardais avec Mathieu, 37 piges. Bouah. Voilà, j'allais le dire. Attends, Mathieu Bolt. Par rapport à nos âges canoniques, à toi et moi. T'as entièrement raison. Tu as entièrement raison. Entièrement raison. Profitez des petites photos hein, qu'on vous laisse comme ça. Pour avoir un peu la scénographie avec cette belle image qui avait été déployée, homo ou hétéro, portent tous le même maillot. Pour la troisième année consécutive, la Ligue engagée, vous le savez, pour accompagner et précéder la journée mondiale contre l'homophobie le mercredi 17. Ça aurait pu être une soirée parfaite hein, pour le PSG, s'il n'y avait pas eu ce rouge. Ouais. S'il n'y avait pas eu ce rouge, c'est parfait. Vrai. Ouais, je suis d'accord. Ouais, et là, ça gâche un petit peu, je pense, la fête, parce qu'on voit qu'Hakimi, il apporte quand même énormément de... son couloir droit, et là, ben, il va falloir finir la saison sans lui, même si ça va le faire pour eux, mais je pense qu'ils auraient aimé l'avoir. Et est-ce que la commission de discipline peut se montrer assez clémente? Non, je pense pas, quand tu reviens... Monsieur Danilo, qui est avec nous. Ça va. Tiens, vas-y, je t'en prie. C'était un match, on disait à l'instant, quasiment parfait, il y a ce rouge qui vient allez, un peu froisser la fin de cette rencontre. Si on se met dans la position d'analyste, Danilo, est-ce que tu peux nous dire un point négatif dans ce match? Est-ce qu'il y a un point négatif sur lequel principalement on aurait dû travailler? Un point négatif, c'est difficile lequel de dire, mais je pense que
Après le troisième but, Ajaccio, ils ont fait quelque chose un peu offensif. Oui. On a concédé un peu d'espace. Et là, c'est là qu'on doit rester mentalement tranquille et être plus agressif pour éviter cette grandir d'Ajaccio. Parfait, parfait analyste, hein, tu auras ta place avec nous. Une question encore, les garçons. Oui, Danilo, je sors à titre personnel. Je te vois bon au milieu, bon derrière. Est-ce que c'est ta meilleure saison avec le PSG? Oui, je pense que c'était la meilleure saison. Moi, je pense que c'est la meilleure saison en contest individuel. Je me sens plus tranquille. Les coéquipiers me connaissent bien aussi. Ils me donnent la confiance pour faire mon jeu. Je me sens bien au milieu et derrière aussi. Le coach aussi me donne beaucoup de confiance. Et là, quand on est comme ça, tout se sent bien. Tu voulais pas marquer ton troisième but là, ce soir? Je voulais. Ouais, j'ai vu. On a vu. Je voulais, mais ça va arriver. Il manque encore trois matchs pour le faire. Merci en tout cas d'avoir été avec nous et merci de cette gentillesse. Merci beaucoup. Merci. 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 Très beau sourire et très sympa d'avoir ces petits moments avec les joueurs dans ces fins de rencontre et de vous les proposer bien évidemment avec Free League 1. Si vous manquez ce direct, n'oubliez pas que tout ça vous est disponible ensuite, bien évidemment, tout de suite clippé et sur les plateformes officielles. C'est bien ce qu'il nous dit sur le point négatif. But. Effectivement, dès le troisième but, il y a eu un tout petit moment de relâchement où Ajaccio en a profité pour aller chercher et développer quelque chose. C'est ça. C'est vrai, hein. Non, mais c'est vrai, il est assez, comme tu as dit, il analyse assez. C'était juste, c'est sa meilleure saison là. Ouais. Là, il est dans le bon rythme, il y a une grosse polyvalence, une grosse notion de couteau suisse qui marche très très bien. Il avait envie de marquer, le salopio, ça s'est vu. Il a dit reste en match. Il veut les marquer. Mathieu Coutadeur qui arrive dans quelques petites secondes avec nous, le capitaine de la CA. Et c'est bien en plus parce que déjà de voir qu'il maîtrise la langue française, ouais. C'est bien, hein, c'est pas donné à tout le monde et notamment au PSG, il n'y a pas tout le monde qui fait l'effort. Donc ça, c'est une preuve aussi que le garçon a envie de s'intégrer et c'est pas surprenant. Il a eu des difficultés au départ, il a même parfois été critiqué parce que techniquement il était peut-être un poil moins bien que l'autre de l'effectif, notamment l'année dernière quand le PSG maîtrisait encore plus ses matchs. Et au final, ben voilà, il s'est intégré, il a continué, c'est une force aussi mentale de sa part et il a gagné la confiance de ses coéquipiers, du coach. Franchement, il fait vraiment une très belle saison. Ouais, c'est un top joueur. Ouais. Hein, c'est un mec avec qui tu peux aller à la guerre, tu risques rien. Je suis assez d'accord avec toi, ça. Puis tu sais qu'il va pas se tromper beaucoup. Entièrement d'accord avec toi. Et en plus, on rigole, donc ça c'est bien. Non, mais c'est vrai, tu vas avoir des bons sourires comme ça, des bons moments. Après, c'est l'objet l'objet de ces moments-là. Mickaël Pereira qui est avec nous du team Free League 1, il nous dit c'est normal, c'est un Pereira. Mathieu Coutadeur, tu commences avec Mathieu? Si tu veux. Je pense qu'on peut, je sais pas si vous en... Soit on se fait, parce que aller sur la situation de la CA et compagnie, est-ce qu'on ne va pas plutôt que sur lui, bah, garçon? Ouais. 37 ans, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sa troisième relégation, quelque chose peut-être un peu très... Ça serait con de lui rappeler le 5-0, c'était 100 en Ligue 2, c'est bon, ça on le sait. Tu vois, est-ce qu'il reste? Est-ce que ça cadre sur la Ligue 2? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Je pense qu'on va aller là, non? C'est ça. Ouais, c'est mieux. Troisième descente, hein. Pas l'impression, t'as pas l'impression d'être le chat noir, non? Le parc s'est vidé à vitesse grand V. Grand V. grand V. Au final, ça a fini à 10, qu'on me dit ça. Tu vois, c'est le scénario qu'on a. Je vous avais dit, monsieur l'arbitre, lui,
Il aime le rouge. La ligne. Pim pam poum. Il nous en a sorti deux. Et il en avait sorti un, mais tu sentais qu'il était frustré, tu vois. Il en voulait un deuxième. En plus, il a l'occasion d'aller à la VAR, de se dire, bon, je vais rattraper. Non. Non, non. Je vais mettre un deuxième à l'autre. Après, là, du coup, c'est donc du coup aussi messieurs Rainville-Bray qui lui... Oui. On est, parce que là, on est du coup dans le cadre vraiment de la discussion avec VAR, avec consultation, avec échange, proposition. Ils lui disent, ouais, nous on voit ça, et ça, va voir ce que t'en penses. Nous, on ferait ça. C'est des gestes. Non, ah, tu laisses passer ça. Tape dans la main, bon. Le match a été très calme. C'est la première. C'est la première, ils perdent 5-0. Oui. Bon. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, voilà. Après, les pointilleux. Hakimi, tu sais qu'il n'est pas bien en ce moment. Il y avait 4-5-0. Tu peux le faire entrer Zaïre-Emery, c'est pas volé parce que. Et c'est peut-être même le changement qu'il voulait faire, je sais pas, parce que Zaïre-Emery devait rentrer. Il n'allait pas rentrer au milieu parce que les deux venaient d'entrer. C'était peut-être celui qu'il voulait faire. Et à 2-3 minutes près, ben, c'est carton rouge. Olivier Pantaloni, le coach de l'ACA, qui est avec nos confrères de Canal, qui sera avec nous dans quelques petites secondes. Ah, peut-être. Peut-être. Il faudrait lui demander, tiens, d'ailleurs. Pas bête. Hein. Sur quoi? C'est Hakimi, je pense qu'il devait sortir pour Zaïre-Emery. Je me demande, est-ce qu'il aurait... Oh, c'est une bonne question. Plus sincèrement. Bonne question. Christophe. Ça va? Rio. Oui, Christophe, félicitations pour la victoire. Non, je voulais savoir, justement, se poser la question. Est-ce que c'était le changement, c'était Hakimi pour Zaïre-Emery qui devait arriver et malheureusement, il y a eu le rouge? Non. Le changement, c'était de soulager Juan Bernat qui a pas fait une semaine complète et qui avait quelques alertes sur un plan musculaire et que actuellement, il est le seul au poste. Mais bon, voilà, quoi. Après, c'est quand même un peu stupide de se retrouver à 10 contre 10 dans un match où... quand même, il n'y a pas eu. Il y avait rien, ouais. Rien du tout. Pas chose, et je pense pas que l'altercation mérite un rouge. C'est dommage, mais c'est préjudiciable pour nous, pour les équipes. C'est comme ça. Mais il faut retenir quand même le match. Voilà, pour en revenir au match, comment tu as senti ton équipe? Bien sérieuse, un peu à l'image de ce qu'on a fait à 3, avec une. Voilà, au départ, peut-être qu'on n'a pas mis assez de rythme, le ballon ne circulait pas assez vite. Les transmissions étaient, il fallait avoir un peu plus de vitesse dans les transmissions. Mais on a su bien les contenir et gagner le ballon très rapidement. Et après, on avait aussi beaucoup de densité dans la surface de réparation, ce qui a créé quand même pas mal de brèches. La présence d'Hugo était très importante dans cette animation-là, d'avoir Hugo qui fixe l'axe et qui vient aussi donner un coup de main dans la récupération du ballon. Permet à la fois de libérer Kylian et Léo sur cette animation. On est passé aussi beaucoup sur les côtés par nos pistons. C'était, me semble, un bon match. On a mis un peu de temps à démarrer, à mettre du rythme, et puis après, c'était assez intéressant. Est-ce que c'est des matchs, Christophe, ça, où on s'est interrogé autour de nous, les gens s'interrogeaient aussi un peu sur la notion de donner un peu plus de temps de jeu aux gamins, aux petits, aux plus jeunes, les Garbi et autres, dans le scénario du match? Oui, dans le scénario du match, oui. J'avais déjà, au niveau de la réglementation, il faut que certains joueurs jouent pour les avoir disponibles sur les derniers matchs. Là, il était important qu'il y ait aussi, une fois que le sort était acquis, de permettre aussi des joueurs de pouvoir gagner du temps de jeu, que ce soit Renato Sanchez, qui n'avait pas beaucoup joué ces derniers temps, après El Shaddai. Warren, il y avait la possibilité de faire rentrer le petit Ismaël Garbi, mais j'ai préféré faire rentrer Carlos Soler au poste. Voilà, j'espère qu'on aura encore des matchs comme ça pour que nos jeunes puissent avoir du temps de jeu. La dernière sur Léo, ça fait du bien d'entendre ce qu'on a entendu là, ce soir, à savoir des applaudissements. Oui, il y a eu quelques petits sifflets, mais beaucoup. Ça a été repris, très vite repris, et voilà, Léo s'est mis au service du collectif, il était... très bien dans son match au niveau de l'animation, très bien dans le positionnement qu'on lui avait demandé. Et voilà, c'était très bien qu'il puisse revenir jouer et que l'on gagne. Et voilà, il faudra encore gagner des matchs pour être champion. Merci Christophe. Merci à vous. Merci à toi. Bah non, je pensais, bah non.
Oui, sur le changement. Ouais, je pensais. C'est bien de savoir finalement. Non, c'est bien, c'est bien. Je voulais le faire entrer couloir à gauche. Pour Bernat. Ouais, c'est vraiment cool. Et il le met où il... Dès qu'il y a un trou, il va le mettre. Il est chafouin. Hein. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est pour ça que je me demandais si ça allait. Il est chafouin. Hein. Je sais pas. Je pense qu'il y a du, il y a de l'arbitrage, il y a du Hakimi. Ouais, je pense qu'il y a tout ça. La situation aussi personnelle qui ne doit pas être facile. Ouais. Parce que au final, prendre le titre en Ligue 1 quant à le PSG, c'est juste presque logique en fait. Ouais. Donc... Ouais, je sais pas, il n'était pas. Puis c'est aussi la période qu'il a eu au moment, c'était un peu très très compliqué pour lui. Mm. Là, c'est une victoire qui lui fait aussi du bien, donc il oublie aussi peut-être pas ces moments-là, donc il reste sobre, tu vois. Jus, tu commences avec Olivier. Le coach de la CA qui arrive tout de suite. On fait vite, Olivier. On fait vite. On fait vite. Tiens. Vas-y, Jus. Olivier, on savait que, voilà, que ça allait être compliqué ce soir. Qu'est-ce que tu peux en penser de ce match-là pour tes joueurs? Alors, la défaite est lourde, difficile à encaisser, bien entendu. Bon. De par la lourdeur. Après, on savait que le match serait compliqué. Non, le seul regret que je peux avoir, c'est qu'on a été très respectueux de cette équipe. Voilà. Donc, commettre 6 fautes par rapport au PSG dans un match comme ça, si on veut défendre plus crânement nos chances, il faut faire preuve de beaucoup plus d'agressivité. Sans méchanceté, mais de beaucoup plus d'agressivité pour se donner les moyens davantage de récupérer les ballons. Voilà. C'est le regret est là-dessus. Il y avait une envie de respecter un schéma de jeu qu'on avait mis en place, mais à côté de ça, il en faut plus pour contrarier le jeu parisien. C'est ça. Comment on va justement vivre ces 3 derniers matchs? On est déjà dans la projection l'année prochaine, donner du temps de jeu peut-être à des jeunes joueurs, ou des joueurs qu'on veut garder justement aussi. Oui, c'est pour ça aussi que j'ai fait tourner. Bon, déjà pour récompenser un peu tout le monde, parce que jouer au parc, c'est pas donné à tout le monde, et encore une fois... Il y en a qui ne joueront plus du tout. Ouais. Voilà. Donc, et ensuite, préparer, on a vu la rentrée des jeunes qui m'a paru moins intéressante, de Chegra et de Moussa. Donc, ça, c'est intéressant. C'est vrai qu'on prépare déjà avec Johan et le staff la saison prochaine. Et pour les 3 derniers matchs à jouer, se servir du match qu'on a vécu ce soir pour tirer les enseignements et en faire davantage sur les 3 autres matchs qui nous restent à jouer, sachant que c'est des équipes encore de très haut niveau. On te laisse rentrer tranquillement, Olivier. Je voulais te le dire très sincèrement, parce qu'à l'aller comme au retour et dans les différents matchs où on s'est retrouvés, te remercier pour ta gentillesse et ta disponibilité, parce que c'est vraiment appréciable aujourd'hui. Mais c'est très sincère. Je pense que c'est tout à fait normal. Non, c'est vraiment très sincère. Merci beaucoup. Merci. Bon retour. Merci. Et bonne continuation et bon travail pour la suite. Merci, Olivier. C'est vrai. C'est quoi, tu t'as très bien fait le dire, parce que dans ma tête, quand je le regardais parler, je pensais à ça. Vraiment. Je te promets, j'étais en train de me dire, le mec il est quand même... Et tu vois, quand je le vois, des fois j'ai vu des images, je sais plus c'était quel match, mais contre Paris à l'aller ou c'est un peu parti, tu vois, je me dis comment en fait, tellement il est gentil. Ouais, mais... Là, par rapport à ce qu'il défend, c'est vrai. Ça veut rien, je prends souvent cet exemple qu'il y a eu. Tu le vois dans la vie de tous les jours, le mec il est d'une timidité maladive, tu le mets dans un rectangle, il devient fou complet. C'est tout ce qu'il y a autour, tu sais, la foule, le score, le machin, des fois tu capotes, quoi. Mais là, c'est vrai que c'est très bien. Posé, calme, il le dit, il se cache pas. Oui, je voulais voir les jeunes pour l'année prochaine, et puis il y en a qui vont plus jamais jouer. Donc... Ouais, On attend Mathieu Coutadeur, normalement, qui devrait arriver du côté de la C. On va prendre une dernière fois le pouls, on va pas non plus embêter nos amis corses, ils doivent en plus regagner Lille. Ouais, je pense qu'ils rentrent maintenant. Oui.
Ouais, tu vois, l'agressivité. Ouais, c'est exactement ce que vous avez relayé. Parce qu'on peut pas être aussi tendre. Ouais, c'est ça. Non. Sur ce type de match. Tu peux pas. Non, c'est clair. Pas ici. Ouais, c'est clair. Tu peux. C'est clair. Auxerre, la semaine prochaine, on vous le rappelle encore et encore. Dimanche prochain, Auxerre pour le titre. Certainement du Paris Saint-Germain entre les mains. Nous serons là avec une prise d'antenne, comme d'habitude, 1h30 avant kick-off. 1h15, 1h30 avant kick-off. Pour vous faire vivre tout ça. À la baie des Champs. À la baie des Champs. Sympa, la baie des Champs. Ouais. Franchement, moi j'adore ce stade. Bah ouais. J'adore ce stade. Le premier étage, là où il y a les. Vous voyez quand tu montes les premiers escaliers et que tu as tous les bars et sandwichs à l'intérieur. Ouais. Ah, j'adore. Là, cette plateforme-là, t'es dans un autre temps. En plus, qui donne la vue tout de suite sur le terrain d'entraînement avec tous les jeunes qui sont juste derrière. J'adore. Où est-ce que d'ailleurs, où est-ce que ça atterrit quand vous rentrez comme ça la nuit? Bastia ou Ajaccio? Ajaccio. Enfin, eux. Les deux sont ouverts le soir comme ça? Non. Bah, si les deux jouent à l'extérieur, oui, les deux aéroports sont ouverts. Ouais. Si Bastia, non, là ils ont joué à la maison là. Mais s'ils jouent à l'extérieur et que ce soir, ben Ajaccio ils jouaient là, les deux aéroports étaient ouverts. Ça éclairait à peu près toute l'île quoi. On va rendre l'antenne, les amigos. On va rendre l'antenne et puis on va enregistrer éventuellement après Mathieu Coutadeur pour pas vous laisser tranquillos. Les copains de Wall, merci. On remerciera après ceux qui sont ici, parce qu'ils vont encore taffer un peu. En tout cas, ceux qui sont à Paname, vous remerciez déjà de vive voix, parce qu'on reste également actifs pour l'enregistrement. Remerciez ma petite Thibault, Elmanita, merci beaucoup. Ouais, je voulais une vous êtes pas loin, vous êtes au parc. Une dernière fois ce soir, parce que c'était l'objet de la dédicace de cette soirée également à Arman Soldin. S'il vous plaît, remettez une nouvelle fois cette petite photo de notre confrère de 32 ans. Vous savez, disparu cette semaine, ce mardi dernier en Ukraine. C'est un passionné de ballon, je vous le rappelle. On vous a mis cette photo, lui qui est né à Sarajevo et grandi à Rennes. Il a porté les maillots, regardez-le, du Stade Rennais pendant deux saisons. C'était un passionné, un bon vivant. Et voilà, il est mort dans l'exercice de vous informer. Sous les couleurs de l'agence France Presse, lui qui a également porté les couleurs de Canal, il était sur les terrains notamment de la Première Ligue. On le salue, on porte bien évidemment une forte pensée pour sa famille, les siens, ses proches, et nous lui présentons nos plus sincères condoléances de la part de Free the Wall et de toute l'équipe Fairplay, bien évidemment. On vous embrasse. On va refermer cette antenne et puis on vous enverra sur l'ensemble des réseaux sociaux officiel, la petite capsule avec Mathieu Coutadeur. Dimanche prochain, Auxerre. Dimanche prochain, Auxerre, pour éventuellement le titre de Paris. Bonne soirée.